see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bike, yeah, I get the bus. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Loop le retour. Ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui, sixième épisode de la saison. Nous n'avions pas pu être là la semaine dernière à cause d'un petit souci technique, mais on est présent aujourd'hui à Paris pour une nouvelle émission sur un plateau flambant neuf qui a été monté pour l'occasion. Donc dédicace à tous ceux qui ont fait en sorte que ça ait lieu. Et aujourd'hui est une émission spéciale. Vous savez qu'on aime bien être sur l'actualité. L'actualité, franchement, il n'y a pas mieux que France-Espagne à l'heure actuelle, donc je me suis doté de personnes pertinentes pour pouvoir en parler, des personnes que j'aime bien. Je commence directement à ma droite. Messieurs Péfut, comment vas-tu? Je pensais qu'il allait dire envie. Bah non, il n'allait pas commencer par toi. En vrai, le meilleur pour la fin. Oui, bah oui. Le meilleur pour la fin. Monsieur Péfut, est-ce qu'on peut déjà spoil que c'est le plus grand casting loop de l'histoire? Non, franchement. Non, pas. Avec tout le respect qu'on a pour les autres émissions. Tu peux. Je pense que ça va être une très bonne émission ce soir. Ça me dérange pas, ça va, Fro, ça va très bien, ouais. Je suis très content d'être invité ce soir avec mon ami Yass, à ma gauche, Sacha. C'est pas son ami, hein. Je sens une tension bizarre, là, de ce côté-là de la table. Il y a une tension entre lui et moi. Moi, je sens une tension. Place sur le terrain. Pas vraiment. Dans les vestiaires, entre nous deux, en plus. Écho sur la compo finale. Mais on va pas spoil maintenant. C'est samedi qu'on saura tout. Samedi, on saura tout ? On saura tout. Bah, ça fait plaisir. On a dit le meilleur pour la fin. Je vais me tourner vers Sacha. Comment vas-tu, monsieur ? Ça va, Zach ? Bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ça s'est fait comment, l'invitation d'hier ? Ça s'est fait dans les vestiaires après une grosse séance. Hein. La transpiration et tout. Non, c'était fou. Bah oui, gros. Franchement, ça fait plaisir que tu sois sur Paname et tout, pouvoir t'inviter. Ouais. Ça me fait chaud au cœur. Ouais, moi aussi, de ouf. Ça fait plaisir. Cécile m'avait parlé que toi, c'était très bienveillant, très très bien. Donc j'ai dit, let's go. Trop lourd. Ouais, ça va, t'as la forme aujourd'hui après une belle séance d'entraînement et de fou, de fou. Moi j'ai la forme. J'ai pas fait tout l'entraînement, je me suis arrêté un peu avant. Mais moi, je suis très motivé pour samedi. Let's go. Je pense qu'ils ont préparé des trucs très très lourds. Oui. Même nous on n'est pas au courant. Ouais, je pense aussi. Ils ont voulu cacher la surprise à tout le monde, même nous on n'est pas au courant. Samedi en ligne de mire. Et on a dit qu'on finissait par le meilleur ici là. Quelqu'un de très chevelu, quelqu'un de très souriant. Monsieur Yass, encore, comment vas-tu, Yass ? Bah, ça va, pas douché, pas lavé, pas changé depuis l'entraînement qui a terminé il y a une heure et demie. Je suis très content d'être là, Zach, hein, toujours un plaisir d'être sur Loop avec Sacha, évidemment. Le problème, c'est qu'il y a ce mec à ma droite, bon. Bah, je relève un peu le... Ouais. Non, puis je pense qu'on va passer une émission très, très marrante. Très conviviale. Très, très marrante, oui. Très joviale. Bah, vraiment. Tu te rends compte que de l'odeur que t'es en train de nous donner ? Bah ouais, parce que là, c'est odeur de gazon, transpiration. En plus, mes chaussures, elles puent. Donc là, c'est... je suis désolé, les mecs. De foot. Ah, vraiment. Donc là, je suis désolé, je pouvais pas faire autrement. Mais pourquoi tu t'es pas lavé avant ? Mais parce qu'en fait, je pensais que je pouvais passer chez moi et tu m'as dit, bah, tu niques ta mère et tu viens direct. Il y a des douches dans le vestiaire. Comment Zach ? À Paris, la circulation. Mais... comment Zach s'est lavé ? Zach s'est lavé parce qu'il a pris du shampoing. Non, mais j'ai un sac tout petit. Et en fait, moi, dans mon sac, j'ai genre deux paires de crampons. Et je peux pas mettre genre un froc, un t-shirt, un slibard, ça rentre pas. Un froc, un slibard, ça va ? Du coup, fallait que je fasse des choix. Et moi, j'ai choisi d'être professionnel. De jouer au foot, bah après je suis dégueulasse, bon bah je suis dégueulasse. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut leak une petite info du dernier entraînement de ce qui s'est passé ? Oui, ouais, alors, bien entendu qu'on est-ce peut. Que vous connaissez tous la vidéo légendaire de Mathieu Valbuena qui quitte le vélodrome oui. Ouais, avec son sac ? C'était Yass au dernier entraînement après un petit pont que Billy j'ai expliqué. J'ai expliqué. Ah, tu l'as expliqué ? Bah oui. Non, quand je l'ai raconté sur mon stream, on m'a dit que tu l'avais caché. Non, c'est pas vrai. Je l'ai expliqué. C'est quoi la vraie version ? J'ai dit, Billy, il m'a mis un petit pont humiliant. J'ai pris le seum, je me suis barré. C'est pas que ça. Billy, avant de te mettre le petit pont, il t'a dit, toi, oui, prochain 1v1, voilà. Tu vas voir. C'est vrai ? C'est vrai, il l'a annoncé. Il l'a annoncé. Le problème, c'est que Billy, il a un geste technique et il le réussit à chaque fois. Dans la vidéo de Boumé qu'il a sorti hier, il l'a fait, il l'a rentré à Boumé aussi. Il le fait tout le temps. Peut-être qu'il va nous surprendre samedi. C'est peut-être lui qui va surprendre tout le monde en vrai samedi. Moi, je pense qu'il va surprendre tout le monde. Samedi. Il va surprendre ? Non ? Ok, il est rageux. Mais non, mais c'est qu'en fait, Billy, il joue trop de façon aléatoire. Lui-même, il sait pas ce qu'il fait, donc les Espagnols, c'est sûr, ils vont être surpris. Ça se trouve, Billy va nous pondre un truc de fou. Sauf que entre le truc de fou et le fait qu'il réalise, il va se passer deux secondes et il va se dire, wesh, j'ai fait un truc de fou. Et après, il va commencer à sprinter. Ouais, ouais. Ce que je veux dire. Après, il va tomber. Ouais, après, il va tomber. Ouais. Mais en tout cas, ça va être très, très drôle. On va bien rigoler samedi. On va parler de France-Espagne beaucoup dans cette émission, ça me fait plaisir. Je voulais faire un truc un petit peu dédié à ça, mais on va également parler d'autres choses. On a des actus, on a des trucs. J'ai regardé un petit peu vos actus.
Et enfin, ça m'a fait chaud au cœur parce que je suis quelqu'un, et je te l'avais dit quand tu es venu dans un camp libre qui regarde tes contenus, t'as sorti un vlog sur les entraînements du match. J'en ai profité. Je me suis dit, là, il y a Michou Inox, faut pas qu'on les rate. Une fois dans l'année, on peut pas les rater, il faut manger un petit peu. Ouais, j'ai sorti une petite vidéo sur le match. Bon, on a tous sorti un peu du contenu dessus parce que ça intéresse les gens et puis ça fait monter la hype aussi, je pense. Je pense que tout le monde, les gens, ils sont plus intéressés par le France-Espagne que la Coupe du Monde dimanche. C'est ouf, hein. J'ai vu plein de tweets sur ça qui disent ça. Hein. Mm. C'est dingue, hein. Ils sont plus hypés par ça. Bah, en vrai, la Coupe du Monde, quand elle va démarrer, ça reste la Coupe du Monde, hein. On va pas non plus mentir, mais. T'es bien, toi, là-bas, hein. Beau corps, hein. T'as, j'étais bien, là. Tu sais que t'es musclé, hein. Ah ouais? Ouais, y'a un truc, hein. Arrêtez, Sacha, il veut m'embrasser après. Va pas maintenant, t'inquiète. Bon, en dehors de ça, frérot, moi je pose la question, je t'ai dit, en tant que personne qui aime bien ton contenu et tout, tu comptes renvoyer un petit peu sur YouTube? Non, mais là je vais envoyer Coupe du Monde, là, tu vas jamais avoir vu autant de vidéos que moi. Vraiment? Tu vas avoir ma tête partout. Oh le menteur, mais maté. Si t'es abonné, tu vas avoir ma tête partout. Maté comment il ment? Non, non, Coupe du Monde, je suis obligé. Et malheureusement, en plus, cet individu va s'inviter sur les vidéos puisqu'il veut venir voir la Coupe du Monde. Donc, bah, un peu invité quand même. On va en discuter, non, on va en discuter. Même sur Twitch en ce moment, ça va, frérot, t'as envoyé. Ça va, on essaie d'envoyer un peu de contenu quand même. Les petites nocturnes et tout. Ouais, petites nocturnes toujours. Et ça va, c'est cool, hein, ça marche bien. Bah écoute, le plaisir, le plaisir. Moi, j'ai bien aimé un truc, c'est que mon Gaïas, tu es en train de prendre une orientation qui me fait bien plaisir. Tu envoies toutes les actus, tu envoies un live, tu réactes dessus. La folie. Bah ouais. C'est Cyril Hanouna, ce mec. Bah ouais. Vraiment. Bah ouais, en vrai, j'ai rien de mieux à foutre. Je balance un live, je parle d'actu et tout, et je suis content, les gens ils kiffent. Ça se passe ces derniers temps pour toi? Ouais, après, je t'avoue que bon, je stream une fois tous les 3 jours encore. Je suis moins régulier que ce mec et pourtant faut le faire. Ouais. Mais sinon en vrai je suis content. Hier j'avais stream sur Call of, j'ai kiffé. Puis va, demain je vais sortir une vidéo YouTube sur France-Espagne, ça va être cool. Un peu tourné format documentaire. Ouais, 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 j'ai vu les images et tout. Ouais, ouais, cadreur, ouais, en vrai ça va être propre. Puis voilà, après on va partir voir la Coupe du Monde avec ce bon vieux Péfut, avec ce bon vieux Brahim aussi, on va bien rigoler. Puis voilà, en vrai, le mois de décembre va être, je pense, fin du mois de novembre et début décembre, ça va être très intéressant, je pense. T'es aussi en train de changer un petit peu d'appart, tout ça? Bah ouais, j'ai trouvé un nouvel appart, je vais vivre avec madame, toujours dans le même quartier, mais bon, ça après, c'est un détail de ma vie, mais c'est quand même cool, ça me retire une épine du pied, je suis content. Oh là là, Yas content. Ah ouais, franchement, je suis content. Ouais, franchement, je suis super content. Mais ce qui me fait chier, c'est que t'as trouvé avant moi. Un appart. Pour écœur, hein. Bah ouais, et ça me fait chier. Non, mais tu sais que j'ai eu un peu de chance. Bah oui. J'ai eu un peu de chance. Genre, j'ai fait une visite avec ma femme. Et en fait, à la fin de la visite, il y a le proprio, il nous dit « Bah, vous faites quoi ?» Donc, je lui explique. Et il dit « Ah, bah, du coup, on doit attirer les youtubeurs. » Et je lui dis « Pourquoi ?» Et il me dit « Bah, c'est simple, dans notre autre appart, on a Carlito. » C'est vrai ? Oui. C'est fou. Donc, du coup, je me suis dit « Attends, mais dinguerie. » Donc, j'ai envoyé un message à Carlito. Et il a envoyé un message au proprio. Et il lui a dit, t'inquiète, Zach, il est solvable. Toi, t'aurais pu expliquer ton petit problème d'appartement depuis des mois. Ça fait bien chez lui, il a cherché pendant, sans déconner, une semaine. Ouais. Moi, j'ai cherché pendant 2 mois. Pendant 2 mois, lui, en une semaine, il a direct trouvé. Alors que moi, bon, bah, j'ai bien galéré, mais bon. Bah, toi, tu veux vivre dans les beaux quartiers aussi, frérot. C'est vrai. Toi, tu veux vivre dans les beaux quartiers, toi, tu veux vivre dans les trucs mignons. Bah oui, quand même, faut bien profiter de Paris. Bah oui, j'habite dans le 13e, c'est miteux le 13e, il y a quoi à faire dans le 13e? Mais respecte le 13e. Non, mais c'est vrai. On embrasse tous les gens qui viennent du 13e. Bah non, mais par exemple, le 13e, il y a quoi? Il y a rien dans le 13e. Tu retires la Felicita, Bercy. Rien. Moi, le 13e, j'ai toujours entendu parler avec les préjugés en mode ouais, il y a une grosse communauté asiatique, les restos asiatiques et tout. Bah, c'est vrai. Bah oui. Bah oui. Vraiment, non. C'est vrai. Non, vraiment. Ils ont raison. Tu vois, dans le 13e, il y a énormément de restaurants asiatiques. Ce n'est même pas une vanne et c'est même pas méchant. Tu vois, il y a plein de restaurants asiatiques. C'est un constat. Ouais, c'est un constat, vraiment. Ouais, c'est donc, du coup, toi, le 13e, ça te parlait pas? Ah non. Certainement pas. Parce que je vous jure, il me parlait des loyers qu'il voyait. Il me disait, ouais, là j'hésite, 1006 pour un 35 mètres carrés. Je lui disais, mais... Après, ouais, c'est vrai que je suis un forceur. Après, c'est un peu un crevard, ce mec. On peut le dire. Attends, 1006, c'est cher, frère. Cher. C'est très cher, 1006, même. C'est hyper oui, cher. Oui, 1006, c'est cher. Ah non, pour un 35 mètres carrés, mais je parlais de... T'es un crevard, en vrai. De manière générale. De manière générale. Mais genre, tout à l'heure, je l'ai payé tabou. Tu me racontes. Ah, mais ça va, tu veux une médaille. C'est la première fois. Non, la dernière fois aussi, je l'ai payé. La dernière fois aussi, je l'ai payé sa bouffe. Ah ouais? Ouais. Ils ont un tricante, les deux. Regarde-le, là, il est en train de sourire. Moi, je suis d'accord que c'est un crevard. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est depuis qu'on m'a fait la réflexion que t'étais un crevard que je me rends compte. Tu sais, j'ai réfléchi, je me suis dit,
Ah ouais, c'est vrai, peut-être. T'as passé une super soirée chez moi. Deux fois, on a bouffé ensemble. Super soirée, tout est relatif. C'était une soirée fruitée un peu entre nous. Non, c'était juste que je suis tombé en panne et le seul mec qui était à côté, c'était Yas, quoi. Sinon. Mais, merci pour le. Moi, je peux témoigner de comment c'est un radin. Je peux le dire. T'as une anecdote. J'ai une anecdote. Attends, ça, c'est magnifique. De base, c'est on parle d'actu et tout. Non, on va parler de toi, mon pote. C'est de l'actu. On va parler de toi. On va parler de Yas, comment c'est un radin et il pourra pas dire le contraire. Mais c'est pas vrai. On a fait une OP il y a pas longtemps. Uber Eats, Liga, on a joué à FIFA. Bah, FIFA. Ah oui, on a joué à FIFA. C'était pas. On a toujours pas reçu notre argent. Moi, je l'ai reçu. Quoi? Non, c'est vrai. Ah oui. Chacun voit midi. Ouais. Donc, putain, on revient sur le réel, d'accord. Donc on fait une OP et lors de cette OP, on devait se jouer l'un et l'autre, faire les défis techniques et tout. On a dit, le perdant, il paye le resto à l'autre. On est allé au resto après. Mais je m'en rappelle même on pas. On a très bien mangé. Tu te rappelles au Yumi Thai? Oh ouais, non mais attends. Attends, laisse-moi finir. Tu dans un Laisse-moi finir. Laisse-le finir. Donc on a mangé là-bas. C'était très bon. Arrivé à la caisse, il s'est retourné, il m'a dit 50-50. Hey, Zach, je vais péter. Zach, je vais péter. Hein. Moi, je te le dis, si tu continues. Là. Si tu pètes, pète dans le micro. Non. Vaut mieux pas. Ça va être niqué le matériel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pris des vitamines, des petits comprimés de vitamines. C'est pas du dopage et tout, hein, je tiens à le préciser. Petits comprimés de vitamines, en fait, à chaque fois que je prends ça, ça me file des gaz. Pourquoi tu prends ça? Je pense que ça va t'aider dans ta performance finale samedi. Alors là, on va bien voir. Parce que toi, la fraude a commencé à être révélée. Hein. Moi, je vois dans un tweet, il y avait un le tweet. Le plus important, c'est le jour du match. Non, il y avait un tweet à 100 RT qui commençait à dire ouais, Péfut, en fait, il est nul. Ah ouais. Péfut, en fait, il est pire que Yass encore. Bah oui, ils ont raison. Pire que Yass encore. Non, mec, t'es vraiment nul. Mais déjà, toi, t'as pas de cardio. Mais déjà, t'as pas de cardio. Mais si, quand le coach, il va t'appeler, tu vas rentrer et tu vas demander une cigarette à la première. Mais Martin, il fume, c'est notre coach. Ouais, mais il joue pas. Moi, je me mets pas en froid avec le coach. Ouais. Il vient de griller sa peine. Mais non, mais de toute façon, moi, je suis niqué dans tous les cas parce que Martav, j'ai dit, il avait la tête à Dieu donné. Il a dit, toi, c'est sûr, tu rentreras jamais. Ah ouais. Moi, il m'a regardé, il m'a dit, Yas. Il m'a dit, toi, t'es mon pote, t'es mon gars. Mais t'es pas sur le terrain. T'as dit, je ressemble à Dieu donné. Va te faire enculer. Il a pas vraiment tort en vrai. Après, on ressemble vraiment à Dieu donné. Moi, je m'exprimerai pas. T'en penses pas, moi, mon pote. Ça, tu viens deux fois à Webedia. Oh putain. Tu parles de Dieu donné, sois normal, mec. Qu'est-ce que tu caches? Je dis plus rien, sinon ça va partir trop. Là, il s'étonne de plus être payé. Putain, il a reçu son cachet pour Uber Eats. Pour Uber. Là, il va envoyer un message sous le bureau. Ah, vraiment, il est Samuel. Quoi, mec, il est où mon argent? Oh putain. Bon, on discute, on rigole bien. Vous avez vu un peu l'ambiance de l'émission. Aujourd'hui, on va bien déconner. Mais je vais quand même. Mais t'as pas fait l'actu de Sacha? Mon frérot Sacha. Voilà. Mais tu vas pas lui apprendre son métier, mon pote. L'année dernière, il était avec Benzema. C'est bien ça le problème. Laisse-moi introduire mon gars Sacha. Sacha, tranquille. J'ai vu dans tes actus, t'as sorti ta toute première vidéo YouTube. Ça y est, je vais vers la chaîne. Ça y est. Ils écoutent plus, ils sont dissipés là-bas. Mais regardez-moi. On l'a vu. Tu l'as vu, t'as aimé toi? Mais les plans, les plans en drone. Normalement, tu vois, la première vidéo YouTube, c'est amateur, c'est pas bon. Bah non. Toi, t'arrives direct avec du 8K. Bah mais c'est bon, en tout cas, c'est les plans en drone sont magnifiques, je tiens. Le mec a ramené un drone. Il y a pas de plan en drone. On a même pas le droit de ramener notre iPhone. Ah oui, c'est vrai, il y a pas de drone. Il y a pas de drone. Ah ouais, c'est vrai. Alors ça y est, t'es content d'avoir pu enfin lancer. C'est ouf. En fait, ça fait longtemps que je voulais lancer déjà. Ouais. Et ça, l'événement d'Amina, il a précipité le truc, tu vois. D'accord. Genre, j'avais prévu début 2023, j'ai dit non, je peux pas passer à côté de ça. T'as vu la fenêtre, tu t'es dit allez, on va. T'as vu que Yas encore, il gagnait 30 000 euros par mois. Yas encore. Je suis obligé de rentrer dedans. Dis si je peux le faire, je peux le faire. Évidemment. Non, en vrai, je kiffe de fou, vraiment. Surtout le foot, moi, c'est un truc que je kiffe de ouf. Ah ouais. En plus, c'était bon. C'était le sujet sur lequel je voulais ouvrir ma chaîne YouTube. Du coup, l'un dans l'autre. Jure, tu ouvrais une chaîne foot? Ouais, de ouf. Comment, à la boumée ou alors tu veux parler de foot? Pas à la boumée, pas à la PFUT, pas à tout ce qu'ils font, genre Today de football ou Vinsky ou quoi. À la PFUT, tu veux faire genre un truc qui marche. Un peu, toi, t'avais lancé un truc comme ça, je crois, une tournée des stades avant le confinement. Ouais, un petit peu, ouais. Moi, je filme quand je vais voir des matchs et tout. Voilà, un truc plus dans ce délire-là. Ah ouais? Et même. Combien, ça comme ça, plus... format vlog, quoi. Ouais, voilà, plus vlog et plus. Genre, limite, si je peux aller dans l'interne du foot. Plutôt que l'externe, ce serait ça. C'est archi lourd, ça. Quand même suivre des recruteurs dans des trucs. Dis-toi, juste avant Covid, j'avais un projet avec Joël, on n'avait pas pu le faire, mais justement, j'étais en train de me tâter à le relancer, donc ça peut peut-être t'intéresser, même pour toi. Je voulais faire tous les stades de Ligue 1 en 24 heures.
34 heures, c'est chaud quand même. Comment ? J'avais vu un truc comme ça. J'en avais parlé déjà, pas spécialement. Après, je dis pas que c'est le concept du siècle. Je l'ai repris d'un anglais qui l'a fait en PL. Hein. Ouais. Honnête. Okay. Voilà. Non, mais je le dis direct. Tu as raison. Et en fait, on avait imaginé un parcours, tu vois, on le faisait à deux, ou à un moment séparé, on se rejoignait derrière. Parce qu'en fait, faire toute la France en 24 heures, genre. Mais comment ? C'est possible déjà ? Mais mec, tu vois. Déjà, je l'envoie Webedia, ça a mis une heure. Toute la France, mon pote. Tu dois aller à Nice comme à Brest. À Monaco. Puis t'as pas envie d'aller à Saint-Etienne non plus. Mais toi, t'avais commencé à PFUT avant. Ouais, mais pas en France, moi. C'est que les gros stades. T'avais fait Dortmund, j'ai vu. J'ai fait Dortmund, j'ai fait San Siro. J'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait quelques-uns. C'est le confinement qui t'a coupé, non ? Ouais, c'est le confinement, il m'a coupé en pleine course. T'as fait Bernabéu ? J'ai fait Bernabéu, j'ai fait le Camp Nou. En fait, si tu veux, genre l'avantage là, ou si tu le reprends maintenant, ce concept, c'est qu'il n'y a plus Bordeaux. Donc t'as plus besoin d'aller dans le sud-ouest. Ça, c'est bien. Ah ouais, ah ouais, il y a un trou dans le. Il n'y a plus Bordeaux, il y a l'Atlantique. Et pour le Vannet, moi à l'époque, il y avait encore Toulouse aussi. Ah ouais. Toulouse, ils y sont maintenant. Mais Toulouse, ils y sont. Mais oui, Toulouse, ils y sont. Ça y est. Ouais, ouais, mais en fait, si tu veux, à l'époque, t'avais plus Toulouse. Oui, t'avais Toulouse et t'avais Bordeaux, okay. Tu devais manger les deux. Et là, maintenant, tu vois, genre, t'as plus Bordeaux, mais t'as encore Toulouse. Donc, en vrai, c'est faisable, c'est je pense, faisable. Mais il faut se séparer, tu vois. Se séparer, c'est-à-dire. Bah, parce qu'à un moment, il y en a un qui va à Brest, l'autre qui va à l'autre, pour se rejoindre après. Mais en tout cas, franchement, grave cool que t'aies pu lancer. J'espère que ça va bien fonctionner pour toi. En vrai, ça marche bien pour un début. Après. Il y a déjà l'aide de mes amis qui sont déjà dedans, tu vois. Donc, après, c'est quoi, tu vas faire la gif après. Le bon GC. Oui, le bon GC, même Benji, Marceau et tout, tout le monde m'aide. En vrai, c'est cool. Le frérot GC. Mes respects au TFC, je ne veux pas manquer de respect. Merci. Très grosse ambiance au stadium en plus cette année. Là. J'ai l'impression qu'ils font plus de spectateurs maintenant qu'il y a deux ans. Ok, oui. Là, j'ai été pour c'est le match. Blindé et tout. C'est quoi contre qui avant ? Le dernier match qu'ils ont joué contre Strasbourg. Non, avant le dernier match contre Strasbourg. Ouais. Ils font 2-2. C'était vraiment une ambiance de fou. Ça joue pas mal en plus cette année. Là. Ouais, de ouf. Non, ça joue vraiment pas mal. Et en fait, si tu veux, ils ont reconstitué, je crois, tout un projet sportif. Quoi, ils sont descendus en Ligue 2 et tout. Ça leur a fait du bien. Ouais, mais ils ont changé leur com et tout. Je sais pas si t'as vu. Ils, ont, oui. Ils sont beaucoup sur TikTok. La com est vraiment énervée. Ouais. Ils travaillent bien. Ça travaille bien à Toulouse. Ça, c'est bien. Et en plus, j'ai harcelé JC pour faire les villes de France à Toulouse. Donc, Ah ouais, il m'avait dit ça. On ira le faire un jour. Les villes de France à Toulouse, ça va bien. Moi, je suis parisien de base, mais Toulouse, c'est au-dessus. Ah ouais ? C'est vraiment cool Toulouse. Ouais, trop bien Toulouse. Oh là 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 là. Vous êtes déjà allé à Toulouse ? Ouais, moi, j'avais une ex à Toulouse. Oh là 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 là. Connais un peu. Pas mal Toulouse. Jamais de ma vie, je suis allé à Toulouse, je crois. Et c'est comment Toulouse alors ? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Genre, il y a quoi ce qui est cool ? Moi, j'aime bien quand une ville est traversée par un cours d'eau et je sais qu'il y a ça à Toulouse. Il y a le la Garonne, non ? Ouais, la Garonne, putain. Je suis bon. Il y a quoi qui est bien à Toulouse ? Bah, il y avait mon ex, quoi. C'était pour ça que j'y allais, quoi. Je m'attendais à que tu me dises la place rose, les ouais. Quais. Pas du tout. Non, pour rien. Pour... Je suis malade. Mais après, tout est au-dessus de Paris, dans tous les cas. Oh. Ah, franchement, moi, j'aime Paris, la ville en tant que telle, c'est pas fou. Non, mais t'as vu déjà le déjà la circulation, c'est horrible. Du stade jusqu'à Webedia. Les Parisiens, ah oui, ça rend les Parisiens, c'est des cons. Ouais. Faut dire la vérité. Je suis en train de péter un câble, moi, dans les embouteillages à Paris. Ah ouais, vraiment. Mais ça me rend malade. Les klaxons, je peux plus entendre un klaxon, ça me rend malade. Ah ouais, c'est insupportable. Moi, je prends le métro. Aussi, en vrai, moi, pas plus mal en vrai. Ce matin, mais moi, après, comme j'habite dans un coin sympa. Il n'y a pas de voiture et tout. Tout le monde est à pied, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Ah oui, t'habites chez les riches parce que. Non, pas chez les riches, Montmartre, ça va. Bon, c'est. Oui, bon, oui. Oui, bon. Montmartre, ça va. Oui, bon, c'est. Oui, okay. J'habite le quartier des ambassades, mais attends, non, c'est mais pas. Ok. Mais au moins, là-bas, tout le monde est au sourire. Moi, je vous conseille, messieurs. C'est vrai. Alors, en vrai, Montmartre, c'est joli quand même. Bah oui. Moi, j'aime bien aller chez toi sur ton appart qui donne sur rue. Bah oui. Vas-y, je vous fais ma petite actu de la semaine. Je pense peut-être que vous avez regardé un petit peu. Et franchement, j'ai été agréablement surpris de vos retours. Zach Orlib avec Cédric Bakambou. Et bah écoute, et alors vraiment, bah, de la frappe. Ouais. Il est venu. T'as raconté des belles. Au début, j'ai cru que c'était Dahuzi. J'ai. Je venais de me réveiller et tout. Je me dis, ah ouais, il a eu Dahuzi. Putain, mais il est chaud en ce moment. Ah non, c'était Bakambou. Alors, à mourir de rire sous le tweet avec Bakambou. Je on dirait pas Dahuzi un peu ? Non, mais. On dirait Jérémy Detlo aussi. Ah, de fou ! T'es un gamin. Mais il y en a un, il est arrivé sous le tweet où je fais la photo avec Dahuzi. Enfin, avec Dahuzi. Oh putain, ah, bah voilà. Bon, du coup, t'as fait Zach Orlib avec qui en fait. Avec Bakambou, Cédric, en plus, il a dit des dingueries, trop bien. Et il a dit ce mec-là, il fait le gentil aux Yevet, mais sur ses streams IRL, il est bizarre et tout, faut le cancel. En parlant de qui ?
Il a confondu avec Papsan. Ah ouais, avec Papsan, ok. Wouah. Ouais, non, mais ça, c'est juste raciste. Ah ouais, ouais, désolé, mais... un Renoir, il a dit, ouais, mais c'est Papsan. Ouais, c'est comme s'il aurait dit, c'est Joël Post Batibor, il a dit, juste moi. Ah, vraiment. Ah, mon petit, c'est raciste. Non, quand j'ai vu ça, j'ai fait le frérot, là, bizarre. Tu vois, genre, ah ouais, comme tout à l'heure au stade, ça, c'était dingue. Non, vraiment, le mec, je te dis, il était vraiment bizarre. Alors, sachant, on va juste rallumer gentiment la tablette, mais quand le mec a dit ça, je me suis dit, ok, lui. Bah, après, il y a des phénomènes sur Twitter aussi. Ah, lui, il s'en bat les couilles. Mais pour le coup, ça, quand même, avec Bakambou, j'étais très content parce que déjà, il y avait du monde. Et au-delà, en plus d'avoir du monde, il a vraiment raconté des anecdotes de fou. Il a raconté des anecdotes de fou. Il a raconté... Il allait faire son transfert en Turquie dans le dos de ses agents. Il a pris comme traducteur le gars qui gérait le kebab de Sochaux. Ouais. Et le gars qui est devenu traducteur, enfin qui a fait le traducteur sur son transfert en Turquie, il est devenu vraiment agent de joueur depuis. Dinguerie. Et il a des joueurs, il fait des transferts. Et bah lui, il faut l'inviter dans 5 ans roulis maintenant. J'avoue, ce serait la folie. Il joue maintenant, lui, il joue encore ? Bakambou, maintenant, ouais. Il joue à l'Olympiakos en Grèce. Okay. Mais bref, il a parlé de son passage à Marseille, il a parlé de son passage en Chine. C'est bien parce que c'est rare les footballeurs qui se délivrent, enfin qui parlent vraiment. Quoi. Ah, il a parlé. C'est dur de leur faire sortir des, ouais, de ouf. Choses. Moi, tu vois, j'ai fait Karim en peu de temps plus Bakambou. Et forcément, quand t'es Karim, tu viens d'être Ballon d'Or, c'est plus compliqué. Pas te permettre de. T'as vu, il l'appelle Karim carrément. Maintenant, c'est son pote. Hein, bah ouais. Il l'appelle plus Benzema comme nous. Ah non, c'est Karim. Son numéro de téléphone. Ah bah voilà. Bah oui, mais tu peux. T'as le droit. Franchement, t'as le droit. Tu m'autorises ? Moi, à ta place, je le dirai à toutes les émissions. Ouais. Voilà. Vous avez raté mon émission la semaine dernière avec Karim. Donc là, je suis avec Sacha, Yass encore et Péfus. Non, mais tu vois, tout à l'heure, je parlais avec Karim. Et on était là, comme ça, tu vois, sur WhatsApp. Et je lui disais, face au but, je me comporte comment, premier poteau, tu vois. Il me parlait, et gros. T'as donné des petits conseils pour François Swann. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça va pas m'empêcher d'être puer la merde, hein, mais. T'es pas le pire. T'es dur. Bref, en dehors de la vanne. Du coup, j'ai fait Karim. Et lui, tu vois, il venait d'être Ballon d'Or et tout. Donc, il a discuté au fur et à mesure, c'était cool. Mais c'était plus compliqué pour lui. Alors que, tu vois, Bakambou, il est arrivé, je pense. Détente. Détente, il est en Grèce maintenant, tu vois. Il peut se permettre un peu de... Je pense à la fin de carrière lui aussi. Et là, vraiment, il a balancé un nombre de facts. Bah, c'est incroyable ça. Ah, c'était vraiment... J'ai pas vu, j'ai regardé du coup. Je vous conseille. Franchement, je pense sincèrement, et même beaucoup de gens le disent en commentaire, c'est un des meilleurs épisodes, je pense. Ah ouais, 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 de la semaine, vraiment, j'étais très 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 content. Donc voilà pour les petites actus. Merci, ça me fait plaisir. Timé pour le sub. Oh, tu remercies pour les sèves ? Ouais. Oh, let's go ! Je le fais à ta place, tu le fais pas, donc... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Mais tu sais que, gros, j'ai fait ton astuce de crevard après le mode trick avec Karim Benzema, ça m'a fait gagner 600 sèves. Hein. C'est quoi ton astuce ? C'est quoi son astuce de crevard ? Moi, j'ai dit à Zach, Vas-y, écoutez, Yass. Moi, j'ai dit, Zach, mon gars, Karim Benzema, c'est pas tout le monde qui l'a sur Twitch. Tu fais l'interview et dès que t'as fini, tu mets les subs only, mon pote. Tu mets rediff pour les subs, termine. Te faire insulter dans le chat. Là. Bah non, ah mais oui, il avait raison. En vrai. Bah en vrai, franchement, Karim Benzema, je vais pas mettre le rediff pour tout le monde. Faut qu'il paye en même temps, ces ça, mecs. C'est bien vrai. Bah oui. Non, mais tu veux savoir le plus drôle, c'est que j'ai. Bah non, mais sans déconner. Je suis une ordure. Écoute. J'ai mis la rediff payante juste quelques heures parce qu'après, la rediff, genre, l'émission s'est terminée vers 16h. Après, c'était en live sur YouTube à 20h30. Donc ouais, ça a duré. Ouais. En vrai. Ça a duré quelques heures, tu vois. Sauf que sur les premières heures. Moi, je voulais pas qu'on me vole des extraits de 20 minutes. Autant des TikTok d'une minute et ouais, tout. Vas-y, c'est le jeu, je m'en bats les couilles. Faites votre beurre. Même si à cause de ces mecs-là, j'ai perdu ma monétisation TikTok, on va vous attraper. Gros, tu sais ce que j'ai fait, le premier truc, j'ai dépublié la rediff et j'ai mis les rediffs payantes. C'est-à-dire que les mecs se baient et puis ils avaient pas la rediff. Waouh, ouais, donc t'es un chien. Technique de chien, mais efficace. C'est resté j'ai une pas heure. Compris, j'ai pas compris. En gros, si tu veux, quand tu fais un live Twitch, tu peux le dépublier. Ouais. Et donc j'ai dépublié, plus j'ai mis les rediffs payantes. Donc les gens payaient, ils arrivaient dans mes rediffs. Ah putain, et ben, elle y était pas. Ah, c'est vraiment un chien. Non, là, t'es vraiment ah, là, c'est dur. Ah, le mec a payé 5 euros là. Ah, bien sûr que je suis une merde. Ah putain, quel ordure. C'est resté comme ça une heure. Et après, je parle avec mon équipe et tous les gens avec qui je travaille. Les gars, c'est un peu bâtard quand même. Ouais. Et il me disait non, non, continue. Et puis après, j'ai dit non, vas-y. Et on a enlevé. Puis de toute façon, à 20h, c'était. À 20h, c'était en ligne. Donc... Oui, c'était en HD sur YouTube, gratuit. Tu vois, il n'y avait pas de problème. Mais j'avoue, je te jure, genre, je voyais des trains de la hype pendant que j'étais hors ligne. Ah ouais. Et des ah, gars dans, et les gars dans le chat. Allez, on a rediff. Les pauvres. Un gars. Ah, c'est dur. patience. Bref, on rigole et tout. C'est un peu marrant. Et n'hésitez pas à aller checker avec Bakambou parce que certes, ce n'est peut-être pas le Ballon d'Or, mais c'est super intéressant. Vous avez kiffé. Les gars, on continue à parler un petit peu de football. On va passer sur la première actu. Petite actu, je pense que vous l'avez vu. Nos amis Qataris, ils ont peur de ne pas remplir les stades. Ils ont peur de ne pas créer un engouement. Bah, justifié. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer ils ont payé les pauvres... de créer un engouement. Et je pense qu'on l'a tous vu passer. Toi, ta place, critique pas trop le Qatar parce que quand tu vas arriver à la déjà, faut notre visa, mon gars. On n'a pas notre visa. Hein. Mais ça se fait comme ça. Là. Ouais, t'inquiète. Ouais. Ils ont payé des fans pour essayer de créer de l'engouement. Des fans portugais. Ça, c'était bien marrant. Ça. C'est fou. Des ça. Fans anglais, ah, putain, des fans allemands. Les anglais, là, dans mon livre, ils ressemblent pas à ça là-bas. Ah non, mais même les allemands. Hein. Moi, je connais des Thomas Müller, des mecs comme ça, mais.
C'est pas le même profil, ouais, c'est là. Pas le même profil. Non, moi, vraiment, j'ai vu, il y avait une sorte d'enquête, vite fait, qui est sortie. Non, et en fait, tu vois, sur le Insta de certains des participants... Ils ont tous les maillots ? Ils avaient commencé ça il y a plusieurs semaines déjà. Tu les vois, ils font des stories, reçoivent des consignes, des trucs dans des stades. Mais non. Et ils avaient même commencé à recevoir tout le merch et tout. Ils commençaient à faire leur première vidéo directement en Inde. Mais non. Même pas sur place au Qatar. Même pas sur place au Qatar. Et donc, du coup... Vraiment, moi, la question que je me pose, parce que vous, vous allez y aller, par exemple, et toi, tu vas la regarder, je suppose, Sacha et moi aussi. Vous en pensez quoi de ce truc-là ? On sait qu'ils l'avaient déjà fait pour la Coupe du Monde de handball, où ils avaient payé des fans espagnols pour venir faire un peu de bruit et tout. C'est... Vous, pour vous, c'est... Toi, tu penses que ça va pas être rempli Pour vous, c'est moins ridicule de faire ça, histoire qu'il y ait quand même un peu du monde, ou alors ça aurait été mieux que ce soit peut-être un peu vide ? Je sais pas, vous en pensez Après, quoi c'est vrai. Pour vous, vous en pensez quoi, concrètement ? Enfin, pour moi, de toute façon, une Coupe du Monde ne sera jamais... Vide. Bah oui. Ouais, il y aura toujours... je pense qu'il y aura toujours du monde. Moi, je trouve que c'est mieux que c'est un peu vide par rapport à ça. Vraiment, clairement. Ouais, c'est là, vrai c'est que ridicule. Le... Là, c'est ridicule. Surtout ouais, que c'est grillé. Surtout que c'est cramé à 1000 km. Non, mais regarde, les Anglais, en vrai... On a tous des Wayne Rooney, des mecs comme ça. Bah oui, mais des mecs sous Carlsberg. Après, voilà. Le problème des Anglais, c'est que pour regarder un match de foot, il leur faut de la bière. Et au Qatar, ils pourront pas. Ouais, ça c'est donc, vrai. Est-ce qu'il resterait pas à la maison ? C'est ça donc, aussi le truc. Donc en vrai, non, moi je suis pas trop fan de ce qu'ils ont fait. Voilà, c'était mon analyse. Non, non plus, pas fan du tout. Je trouve ça non, pas fan du tout. T'aurais préféré voir le truc un peu plus vide ? Ouais, mais authentique quoi. Authentique. Vraiment, les gens qui viennent, ils viennent. S'il y a personne, il y a personne. Vous qui allez peut-être essayer d'y aller, etc., les prix sont si abusés que ça ou pas ? Bah, de ce que j'ai entendu, ça coûte quand même cher hein, les places de match et tout. Donc c'est que je pense doit y avoir. Je dis pas que le stade va être complet, tu vois, mais je pense qu'il y a du monde, hein, normalement. Selon ce qui est dit. Après, si c'est faux, je sais pas. Tu vois. En vrai, de toute façon, dans les matchs de groupe, par exemple, un vieux match tout pourri à une horaire éclatée, le stade, il est pas rempli. C'est quand même un coup du monde. Faut voir les autres coups du monde, c'est rempli, je pense. Tout est rempli. Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'ils ont prévu ça en amont, il y a longtemps, et se sont dit, ouais, ça va être là, ouais. Et il y aura pas de monde ? Ou ils ont fait ça à la dernière minute en disant, il y a personne, faut qu'on fasse quelque chose ? Je pense qu'ils l'ont prévu en amont. Comme je t'ai dit sur les stories, ouais, ça fait plusieurs semaines que c'est prévu. C'est ouf, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'il n'y allait pas avoir de. Bah, je pense qu'ils l'ont vu dans leur réservation. C'est bizarre parce que les places de la FIFA, dès qu'ils sont sortis, il n'y avait plus de place sur le site. Donc c'est que techniquement, les gens ont acheté, tu vois. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Parce que moi, je pense qu'il y a eu des galères. Moi, j'ai vu pas mal de fédérations, tu vois, de fans, etc., qui expliquent que genre. C'est hors de prix pour y aller. Je crois que quand t'arrives, tu peux pas rester super longtemps sur place. Tu dois repartir du pays. Parce qu'il y a trop de monde, non ? En fait, je crois qu'avec le visa du pays, etc., c'est particulier. En gros, t'arrives, puis après, tu repars, par exemple, dans un autre pays à côté, puis tu retournes le jour de match et tout. J'ai vu que c'était un peu bourbaque. Moi, j'ai entendu dire que c'était pour les logements. En fait, il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas la place pour tout le monde, quoi. Ouais. Ils ont pas prévu des avions et tout, qu'ils allaient faire des navires. Justement, il y a beaucoup de gens qui vont être logés à Dubaï en attendant. Et ils prendront des avions, Dubaï-Doha, je crois, c'est une heure. Une heure ? Ouais. Putain. Du coup, ils feront des allers-retours, quoi. Ils iront voir le match et rentreront à Dubaï pour se loger, quoi. Parce que sur place, c'est un peu bizarre. C'est pas très écolo, pas, mais bon. Pas fou l'empreinte carbone. L'empreinte carbone n'est pas... Ah, mais surtout, même, ça fait pas rêver, quoi, tu vois, genre dans l'organisation. Bah après, ça, c'était il y a 10 ans, quand ils leur ont attribué, qu'il fallait discuter de ça, tu vois. Parce qu'ils savaient bien que ça allait se passer comme ça. C'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre. Ah, tous les gens font les étonnés en mode oui, la Coupe du Monde au Qatar, faut boycotter. Mais c'était il y a un moment déjà qu'on sait que ça allait se passer là-bas. Tu vois. Mais moi, tu vois, genre le truc qui me fume quand même, tu vois, sur la démarche, c'est que eux, je suis sûr, tu vois, genre, ils ont des gros moyens, et on le sait, tu vois. Et genre, moi, je m'imagine la réunion où ils se sont dit, et si on prenait quelques milliers de fake fans pour créer un petit peu un engouement, un personne truc. N'a dit c'est une idée de merde, genre, dans la réunion. Bah, on a dit, gros, de fou. En fait, je pense que c'est qui tient les cordons de la bourse, si c'est dit, vas-y, on envoie. C'est chelou, c'est cramé direct, quoi. Mais je pensais qu'ils essayent d'être discrets en fait. Mais tu s'en fous. Vous avez genre une hype pour cette Coupe du Monde ? Non. Non ? Ah ouais, non. Mais moi, en vrai, le chat, vous êtes hypé ou pas ? Moi, je vous dis la vérité, et on va tous regarder parce que c'est du foot quoi. Donc, ça me change pas grand chose, je vous avoue. Rien que ce soit pas l'été, pour moi, ça me dit. Oui, ça, c'est spécial. En fait, je pense que c'est spécial parce que justement, c'est pas l'été, tu vois, les conditions sont. C'est la première fois qu'on va vivre ça. Ouais, c'est la première fois qu'on vit une Coupe du Monde. Tu vois, par exemple, en hiver, c'est comme la Coupe d'Afrique, en vrai. Hein. La Coupe d'Afrique, je me rappelle quand elle était l'été, mais c'était incroyable. Ouais, c'est vrai. Les gens, ils en parlaient beaucoup plus. Celle qui a gagné l'Algérie en 2019 ? Ouais. On en parlait plus, on était plus dans le jus et tout. C'était trop lourd. Alors que l'hiver, tu vois, ça a moins de sauce. C'est logique. Mais là, je pense que ça va faire pareil pour la Coupe du Monde. Mais au final, tout le monde va regarder. Oui, dans tous les cas, on aura des beaux matchs. Dans tous les cas, il y aura des beaux buts. Il y a les plus grands joueurs qui vont la jouer, tu vois. Dans tous les cas, on va tous la regarder. Donc, faut pas non plus faire les hypocrites en mode boycott, je sais pas quoi, tu vois. Nous, en tout cas. C'est pas à nous, je pense, de subir le fait que les gens veulent la boycotter, tu vois. En tous les cas, nous, on va la regarder. C'est du foot.
Tu vois, il y a pas de. Moi vraiment, je chie le Qatar qui a fait vraiment des dingueries, tu vois. C'est-à-dire de la manière d'attribution avec les dîners Sarkozy-Platini, les voix plus ou moins achetées sous influence, etc. Ouais, ouais. Où on sait que. Bah oui, on sait tous que c'est bizarre. L'attribution, elle est hachée, tu vois. C'était qui ? C'était les US en face ? Ouais, c'était face aux US, en Corée du Sud, au Japon et tout. Ah oui. Donc ça, pareil, tu vois, les travailleurs, tout ça, bon. Voilà, donc le Qatar qui s'est sur foot. Mais à côté de ça, tu vois, par exemple, Samuel Etienne, il en avait parlé sur Twitter, il a dit « Ouais, moi, je vais boycotter pour ça, ça, ça. » Moi, c'est juste la logique, en fait, sur laquelle je trouve qu'il est intéressant de discuter. En gros, il part de la logique, souvent, en mode « Si il y a suffisamment de gens qui ne regardent pas, alors les diffuseurs, ils feront moins d'argent, donc ils feront la pression sur la FIFA pour plus que ça aille dans un pays bizarre. » Mais en fait, moi, je pars du principe que si, de base, la FIFA a été suffisamment corrompu pour arriver à ces conclusions-là, c'est que c'est un système pourri à la moelle. Bah oui. Et je pense pas que ce système va capituler devant un petit coup de pression de quelques diffuseurs qui auraient moins 5, 4, 3% d'audience, sachant que ce sera jamais massivement suivi. Et donc je trouve que à des moments, tu vois, il y en a, ils ont fait un peu de la culpabilisation un peu inutile, je trouve, du spectateur, tu vois, en mettant sur les épaules des gens, ouais, vous êtes direct complice. En fait, c'est pas au spectateur de subir ça. Et sur ça, j'étais pas d'accord, tu vois. Par contre, moi, sur le fait, par exemple, c'est ce qu'Amnesty International a fait, sur le fait de demander à la Fédération française de porter des messages aux joueurs, champion du monde, tu vois, d'essayer de faire porter la voix là-bas, de continuer à rappeler ces choses-là, etc. Moi, j'étais tout à fait d'accord, tu vois, je pense que ça avait un impact. Mais ouais, c'est vrai que sur le côté culpabilisation du spectateur, j'étais moins d'accord. Mais, pour le coup, genre, moi, j'avoue, sportivement, je vais quand même la regarder, mais pour l'instant, je suis pas encore dedans. Ouais, en vrai, je pense que ça sera que le premier match. Il y a aussi le fait que l'équipe de France, on est un peu, tu vois, on la sent pas. Il y a beaucoup de blessés. Tu la regardes pas pour l'équipe de France, pas que pour l'équipe de France. Non, bien sûr, tu la regardes pas que pour l'équipe de France, mais ça joue quand même, tu vois. Ouais. Moi, vraiment, c'est clairement l'été qui joue. Après, tu vois, il y a aussi. Coupe du Monde, c'est une ambiance. Après aussi, la Coupe du Monde aussi, tu vois, par exemple, l'Allemagne, ça fait plus tant rêver. L'Espagne, ça fait plus tant rêver. Est-ce que, hormis le Brésil, est-ce qu'il y a une grosse nation, tu vois, qui sort du lot, pas qui forcément. Qui sort vraiment du lot, tu vois. Bah, t'as l'Argentine qui est sur une série de 150 milliards de victoires. 34, je crois, un truc comme ça, 36. Ouais. L'Espagne n'est pas si mal, hein. Elle fait demi d'euros en chiant sur l'Italie en demi et elle sort au pénalty. Hein. Vraiment, regardez Espagne-Italie en demi, l'Espagne a toutes les stats en sa faveur. Mmh. L'Angleterre, c'est bien, sinon ? Non, L'Angleterre, c'est comme d'hab. La nation la plus surcotée du monde. Nous, on les a jamais vus gagner un titre. Hein. Nous, on est des 97, je les ai jamais vus gagner. On ne verra jamais l'Angleterre gagner un titre majeur. Jamais. Tu penses ? Ah, mais j'en suis sûr. Ils étaient en finale. Je sais, à l'Euro, je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus parce que je l'ai dit. Moi, je savais, c'est des floppers. C'est des floppers, ils ne gagnent jamais. Ils croquent à chaque fois. Mm-hmm. Ils ne gagneront pas. L'Angleterre, c'est vrai que c'est la nation, pour moi, la plus surcotée de l'histoire du foot. J'ai pas peur de le dire. Juste pour voir si vous avez vos petits facts dans la tête, le dernier titre de l'Angleterre. 66. Oh là 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 là. Ça c'est beau. J'ai vu dans le chat. Ouais. Putain, t'aurais pas dû le dire. Il a sorti avec une telle aisance. Ah oui. Il a sorti avec une telle aisance. Ah, j'ai vu dans le chat. Je me suis dit, putain, c'est intéressant. Non, en vrai, il y a quand même allez, c'est quoi, vas-y. On allait avoir un segment, on avait parlé de la Coupe du Monde nécessairement. Juste avant de parler direct sportif, etc. Vous, on sait que vous allez y aller, vous en avez parlé un peu en intro, vous avez prévu de faire quoi là-bas ? Après, pour le moment, nous, on va y aller pour voir 2-3 matchs, peut-être un ou deux matchs de l'équipe de France en poule, ouais. Et voir comment ça se passe là-bas, tu vois. Histoire de filmer un peu, même, tu vois, l'histoire des fake supporters, ça, c'est marrant, en fait. Parce que quand on va aller là-bas, c'est sûr que on va voir, peut-être essayer d'en parler. Bah ouais, carrément. Parler avec eux, tu vois. Ouais, je vais pas parler trop fort, par contre. Mais les fake supporters, c'est où ? Eh, viens là, toi, viens. Et Buffy, toi, du coup, qui est à Dubaï, t'as vu un changement d'ambiance dans la ville ou pas du tout ? Il commence à y avoir du monde, ouais. Bah là, je suis rentré en France. Ouais. Je pense que si j'étais resté encore un petit peu, ça commence à se remplir. Commence à voir qu'il y a énormément. Bah, en fait, ils vont tous se loger à Dubaï parce qu'il n'y a plus de place là-bas, apparemment. C'est ouf. Ouais. Et comme ils ont mis des avions, c'est abusé. Hein. C'est toutes les 10 minutes, il y a un avion. C'est un bus, quoi. Oh, putain, ouais. Et toi, Yass, t'as prévu de faire quoi là-bas ? Vacances. Ouais, vraiment, avec lui. Je suis logé chez lui. Ça, c'est beau. En plus, je suis avec mes potes. Franchement, ça va être cool. Coupe du Monde, pour moi, c'est un rêve. Tout le monde rêverait, je pense, de voir un match de Coupe du Monde dans sa vie. Moi, je vais le faire. Puis voilà, je vais juste profiter juste pendant 2 semaines parce qu'après, il y a madame qui va gueuler. Parce que je lui ai dit, ouais, je vais partir pendant un mois. Elle m'a dit, comment ça, tu pars pendant un mois ? T'es un ouf. Elle a bien raison. Là, du coup, pendant 2 semaines, puis voilà, juste, on va regarder des matchs. Peut-être stream IRL, moi, en vrai. Ouais. Moi, je vais faire des stream IRL autour du stade, dans le stade. Je pense que ça sera pas possible. Non, parce qu'il y aura dans le stade, crois-moi que tu te fais attraper. Hein. Ouais, donc ça va être compliqué, mais stream IRL, puis détente, tout simplement. Ok. Énervé.
énervé. Et du coup, nécessairement, vu qu'on parle un peu de la Coupe du Monde, un dernier. On a parlé du Brésil, Argentine, Angleterre. Et notre bonne vieille équipe de France. Tu la sens comment, mon gars Sacha? Comment je la sens? Moi, je suis très triste. Nkunku, c'est fini, on est d'accord? Oui. Ouais. Très triste pour Nkunku parce que je kiffe ce joueur. Ouais. En tant que petit parisien, je suis dégoûté de ouf. Et comment je la sens? Bref, vraiment 50-50, j'en sais rien. T'as aucun feeling là comme ça? Je sais pas. Au début, je me suis dit, ils sont dans la lignée de. Je les voyais plus dans la lignée de la Coupe du Monde 2018 plutôt que de l'Euro. Mais en fait, trop de blessés, il y a trop de nouveaux joueurs. Je sais pas si le groupe il va prendre. Mais c'est une ambiance bizarre un peu. Il y a trop de signes qui sont pas bons, en fait. Ouais. C'est ça, le truc. Je veux pas me dire que ce soit comme. C'est quand 2010. Ouais, 2010, ouais, non, mais 2010 c'était quand même le pire du pire. On pourra faire non, mais 2010 déjà. On va quand même descendre du bus, je pense. Ouais, c'est. Je pense que là, on va descendre, mais en vrai. Il y a un petit truc qui me dit, faut faire attention parce que ça peut. À tout moment, on s'en rend plus. Moi, j'ai fait un thread foot, là, je l'ai tourné hier et j'ai revu la vidéo de Patrice Evra, là, où il fait la conférence de presse juste après la une de l'équipe. Il arrive, il dit ouais, le problème dans le groupe France, c'est le traître qui est parmi nous. Ah ouais, putain, il y avait un sacré groupe en 2010. Ouais. En 2010. Il fallait pas mieux y être, hein, vraiment. Benzema était bien content. Benzema, il y était pas en 2010. Ouais. Ouais. Mais tu sais que tu rigoles, mais Benzema dans l'imaginaire. Bah ouais, il y était. Les gens, ils disent, ouais, parce qu'ils disaient comme il y avait que des petits cons. Benzema, il y était forcément. Bizarre. Que des petits. Et il y était pas. Que des petits cons. Tu veux pas dire un autre mot? Que petits cons. Les gars, Arabias. Ouais, bah, Arabe, ouais. Les gars, vous êtes sur ma chaîne Twitch. Bah justement. Je déteste ces mecs. Non, mais c'est vrai que y a toujours des périodes comme ça. 2002 aussi, après la 98, on a gagné la Coupe du Monde. Mmh. 2002, c'était un peu ils sont arrivés avec leur veste en cuir comme des rockers. Ils se sont fait gifler en face. Trois quarts à la Morpheus. Ah ouais, vraiment. C'était des rockstars, ils se sont fait gifler. Et le problème, c'est que la malédiction du champion en titre est. Mais jamais bonne. Fois, est-ce 2018, qu'on... c'était l'Allemagne. L'Allemagne qui s'est sortie en poule. 2014, bah, c'était l'Espagne. Qui s'était fait tèche. En se faisant bien casser par les Pays-Bas. Ouais. 2010, c'était qui? L'Italie en 2010. Elle n'a pas participé. Ah bah voilà. Il me semble où elle sort en bas. L'Italie, ça fait quoi, 15 ans qu'ils n'ont pas participé? Ouais, ça fait deux Coupes du Monde de suite là que l'Italie, ils la font pas. Je crois qu'en 2018, ils l'ont pas fait. Hein. 2018, il me semble qu'ils y étaient pas. Non. 2018, ils étaient pas là. C'est les retours. Et là, ouais, bah ils le méritent. Franchement, moi, je vais pas pleurer les Italiens. Mes respects pour tous les Italiens du chat, mais. On passe le bonsoir à la mère à Materazzi. 2006. Franchement, 2006. Moi, Materazzi, j'avoue, ça m'a marqué. Ah bah moi, ça m'a... moi j'ai pleuré, frère. Franchement, moi, c'est le premier match où j'ai pleuré pour. Ah, moi j'ai pleuré, franchement. Vous aviez quel âge en 2006? J'avais 10 ans, moi, je crois. 10 ans aussi. 10 ans. J'avais 11 ans. Et vraiment, moi, je pense qu'il y a l'arme. Il y a l'alarme qui est passée. Bien sûr, tout le monde. Ah, moi, je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais à côté de mon père, j'avais l'alarme. Mon père, il me regarde, il me dit ah, pourquoi tu pleures? Parce que mon père, il en a rien à faire du foot, tu vois. Il me dit arrête de pleurer, toi. Tu chiales? Et moi, j'ai dit mais vraiment, arrête de pleurer, le gosse. J'ai dit mais je chialais, mais comme un ouf. Je suis parti dormir, frère. Je voulais même pas me réveiller le lendemain. Je voulais pas me réveiller. Moi, j'étais. Ah, en ça. Plus, c'était pas bien, tu vois. Mais sur le moment, j'avais une haine profonde contre Trezeguet. Alors qu'en soi, c'est un peu raté, ça arrive, quoi. Ouais, ça peut t'arriver samedi également. Bah ouais. Tu vas devoir t'élancer au point de pénalty samedi. Oh putain, t'avais rien contre Zidane? Oh, pas de haine contre Zidane? Non, bah, en fait, moi, justement, tu vois, avec du recul, je me dis Zidane, bah ok, Materazzi, il lui a insulté, je crois, c'était sa sœur. Ouais, on s'en fout qu'il insulte. Moi, je me le dis. Il a pas réagi. Zidane, il a pas été pro. Sacha, tu sais que les joueurs de l'équipe de France, lui en veulent encore. Non, mais Sacha, c'est intéressant que tu parles de ça parce que vraiment, je m'en rappelle de cette époque. Et même pour ceux qui sont suffisamment vieux, parce que là, dans le chat, ceux qui écoutent, il y en a, vous êtes jeunes et tout, donc vous avez sûrement pas vécu ça. Donc c'est assez marrant, vous devez apprendre un truc. Mais il y a des images d'archives qui sont sorties des journaux, genre après la finale de 2006, où ils interviewent des gens dans la rue. Et ils disent, ouais, le geste de Zidane, vous en pensez quoi? Et je te jure que l'avis majoritaire, c'est « Oh, il s'est fait insulter, il a bien fait !» Je te jure que à chaud, de tonnes chaud, de parce gens... Parce qu'il vient de faire une Coupe du Monde de malade. À chaud, c'est normal, ouais, il fait une Coupe du Monde de malade. Donc tout le monde était pro-Zidane, et c'est normal. Ouais. Donc ils ont été biaisés, je pense, après le match, pour dire que c'est normal qu'il ait réagi. En prenant du recul, t'as un autre avis, en vrai. Ouais, je te jure. Vraiment, à l'époque, c'était « Oh, il s'est fait insulter, ouais, c'est normal, Materazzi. » Bah, après le match, dès que ça s'est passé, oui, c'était ça, en vrai. Après, avec du recul, ouais, tu te dis, je pense il s'est fait insulter à d'autres moments dans sa carrière et il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi comme ça. Ouais. Là, c'est finale de Coupe du Monde. Mais après, là, c'était peut-être la pression, c'était le dernier match de sa carrière. Ah, mais Materazzi le savait, tu vois. Il a joué sur dernier ça. Dernier match de. Ouais, mais en vrai, Materazzi, en vrai, lui, c'est. On parle masterclass qu'il a fait en finale, en vrai. Ouais, c'est grâce à lui qu'il gagne la Coupe du Monde. Parce que là, tu dis, frère, il y a
3 milliards de personnes qui te regardent dans le monde, à peu près. Le stade mais blindé, c'est pas une raison. Tu peux partir en légende. Oui, ça joue à sa légende. Du après, il y a quand même. Ouais, mais imagine, dans la tête, frère, même si t'as tout connu, footballistiquement parlant, t'as tout connu. Mais là, c'est une sensation, elle est unique. Mais c'est mieux, c'est après, mieux ça. Après, il y a quand même un monde où c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais on n'est pas sûr de la gagner, même s'il sort pas. Hein. Non, bien sûr. Ah ouais. Et il y a Buffon qui claque sa claquette à 110e, lui il sort quelques minutes après. Non, mais ça, c'est le tournant du match. Au ça, c'est le tournant du match. Si celle-là, elle rentre, c'est légendaire. La claquette de Buffon, claquette c'est le tournant de Buffon, du match. Elle est légendaire. S'il la met, c'est exceptionnel. Ça fait doubler de Zidane en finale. Ouais. Doublé en 98. Putain, qu'est-ce que j'aime ce mec. Mais vraiment, Zidane, c'est le mec qui me donne le sourire. Genre qu'on parle de Zidane, je suis content. Mais la tête... ça se voit, t'es content là. Genre c'est vrai. Arrête de sourire. Mais je te jure, c'est vrai parce que Zidane, ça se voit, c'est trop un bon et gars. Et quand on parle de PFU, t'es comment sujet suivant. Hein. Ouais, mais tu me panenka samedi. Oh putain. Là même pas en rentrant comme ça. Oh putain, parce qu'en plus on a fait une séance de tir au but, mon pote. Vrai, tout à l'heure. Qui tire bien, j'étais pas là moi. Alors. Boumé, Boumé. Ouais, Boumé. Il y a qui Boumé Saïd. Alonso. Après Saïd. Alonso. Saïd tire bien aussi le coach. En plus, Alonso il tire en TM, je crois. Il tirait. J'allais dire T-Max en TN. Ah, en TN ouais. Ah, mais vraiment, allons et Boumé. Dites-vous, pour ceux qui nous écoutent, si France-Espagne, samedi, il y a match nul au bout de 90 minutes, il n'y a pas de prolongation, c'est pénalty. Ah ouais, direct. C'est péno. Et ça, c'est effrayant. Toi, Sacha, tu tires ? Moi, je écoute. Ah allez, Sacha, dis-nous tout. Moi, j'ai joué 15 ans au foot. J'ai tiré 4 pénaltys, j'en ai raté 4. Waouh, c'est bizarre. Parce que Saïd, il a dit moi, j'ai pas de tireur, c'est celui qui veut, il tire. Qui prend ses responsabilités déjà. Et là sur le plateau, moi, en vrai, moi, sur mes couilles, moi, sur le plateau, sur le plateau, je tire. On a un mec chaud au football, Sacha, trois mecs au niveau douteux. J'ai dit douteux, donc chacun se place comme il le sent. Qui y va? Là tout de suite, c'est séance de pénalty. Qui va voir Sacha, Saïd, il dit moi je tire. Moi non. Moi je pense que Yasmin et qu'il y va pas en premier. Moi je te jure. Tu vas en premier? En premier. Non, pas en premier. Ah non, voilà. S'il te plaît, pas en premier. Pas en dernier. S'il te plaît, il va pas en premier. Pas en premier, ni en dernier, genre. Moi je pense qu'il faut qu'on se sacrifie et qu'on fasse gagner notre équipe, donc faut qu'on n'y aille pas. Faut être honnête, non, on fait d'abord tirer les meilleurs mais non, tireurs mais le problème c'est que par exemple des mecs comme Yanou, je t'ai dit, la caméra il ne va pas supporter la pression. Je te jure il ne va pas supporter la pression, il va faire un truc de fou. Il va tirer 30 mètres au-dessus frère. Et toi, tu vas faire quoi? Bah moi, je vais tirer 30 mètres au-dessus, mais au moins les gens, ils vont rigoler. Ah, pas palmarès, si les gens vont rigoler. Je te jure que je pense que si tu tires devant 20 000 personnes, ta jambe, elle tremble de fou. Bah c'est non, sûr. Mais attends, tu tires devant 20 000 personnes IRL, hein. Après, c'est 500 000 personnes sur le live. Hein. Oui, mais non, ça, tu penses pas. 500 000 personnes sur le live, plus 1 million potentiel côté espagnol. Donc c'est vraiment... ça que je voulais dire, il y a deux lives ou pas? Ou il y a un live? Ouais, eux le diffusent sur YouTube. Il y a un live, ouais, de, YouTube, en fait. De l'autre DJ espagnol et il y a. Donc ça fait, bah, en simultané, peut-être 1,5 million, je pense. C'est noir. Donc ça va être beaucoup, hein. Plus 20 000 en direct, parce que là, nous, on a toujours vu le stade vide. Ouais, là, dans ta tête, là, dans ta tête, faut pas réfléchir à ça. Non, mais dans ta tête, t'as le stade qui est vide. Là, la prochaine fois, le stade, il est plein, frère. Normalement, je pense que la plupart des joueurs dans l'équipe, mais... la pression, ça va les galvaniser. Dans le franchement, moi, dès que je vais entendre Michou Inox, la pression, elle disparaîtra. Ouais, c'est bon. Bah, Michou Inox. J'attends juste que Michou, il rentre sur le terrain. Mais non, mais Inox. Moi, en vrai, j'ai pas la pression. Pourquoi? Parce que je suis considéré comme un des mecs les plus nuls de l'équipe. Tu vois, c'est par exemple. Tu peux que surprendre. Bah ouais, c'est bien ça. Moi, tu vois, les gens sur Twitter, ils disent ouais, Yas, rien de lui, et c'est vrai, attendez rien de moi. Alors que des mecs comme Boumé, toute sa carrière est construite sur le foot, sur des vidéos foot, sur ouais, je tire les coups francs avec des vidéos bien montées, ouais, vraiment bien montées. Pour la LV, avec bien monté, ouais, l'after effect, ah, c'est bien monté. Ça, c'est des effets, mais de malade, on n'a jamais vu ça dans le foot. Imaginez Boumé, il fait une catastrophe, genre disaster class total, il est trop nul, le pire joueur. Mais là, sa carrière, elle est foutue. Je pense que c'est impossible. Elle est foutue. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont. À Boumé, il va dire ouais, je fais un contrôle 60 mètres, la balle, elle vient au-dessus et tout. Les gens, mais mec, c'est n'importe quoi. Tout à l'heure, vous avez vu la vidéo de Neymar où il contrôle la balle de 40 mètres? Ouais, j'ai vu. Il dit, mais vas-y, moi, je l'ai fait encore plus haut que Neymar. J'ai dit, vas-y, toi, arrête. Putain, vous avez un truc contre Boumé. Boumé, il parle trop, c'est ça. Après, on l'aime bien, ouais. Et du coup, moi, j'ai dit, Boumé, j'ai dit, franchement, moi, je te souhaite que de réussir ton match, mais si tu rates ta chaîne YouTube, je sais pas, lance-toi dans Minecraft ou dans Call of. Ah, parce que envoie des recettes de cuisine. Ah ouais, vraiment, ça va être dur, hein, sinon. Non, mais je pense que c'est impossible qu'ils se ratent, frère. Les Espagnols, ils vont pas être si forts que ça, c'est impossible. Toi, tu penses que les Espagnols, c'est pas ouf le niveau? Je pense que ça va être technique, mais ça va pas être fou, je pense. Physiquement et tout, c'est pas fou. Mais t'as ils en ont déjà fait deux des matchs comme ça, c'est le troisième. Ouais, ouais. Il semble qu'ils se sont pas entraînés. Il me semble qu'ils se sont pas entraînés. Bah ça, c'est ce que tout le monde dit. Ils se sont entraînés en perso, peut-être, mais pas en collectif. Moi, j'ai dit, ça rappelle un certain resto entre joueurs du PSG, cette interview. Oh là. Oh, bizarre. Oh, la ref noire. Après match, où tu perds 4
0, mais t'es qualifié, t'es content? Mais moi j'ai dit, il faut qu'on les batte, parce qu'imagine, on se prend un score. Tout le monde a sorti des vidéos en mode on s'entraîne de fou. En plus. Bah après, c'est toi le premier à avoir fait 800 000 TikTok, mon pote, donc. Frère, t'as fait des TikTok où tu venais derrière moi, tu filmais le haut de mon crâne. Oui, mais en même temps, ton crâne, il est assez exceptionnel, Zach. Vas-y, retire ton chapeau. Ton chapeau. Tu vois, tu veux pas le retirer? Non, je vais le retirer. Mais en fait, là, ce que t'as pu voir en filmant du dessus, t'as vu la lune. Ouais. Parce qu'en fait, genre là, regarde, j'enlève, y'a rien. Là, ouais, là bah ça oui, se voit pas. Ouais. Beau crâne, en vrai. Est-ce qu'il y a possibilité que je m'approche de la cam, Juano, pour montrer... Oh putain. Est-ce qu'il y a possibilité que je l'embrasse après la victoire contre l'Espagne samedi aussi? Je vais devenir flou. Il n'y a pas un caméraman qui peut faire son travail de caméraman pour que je puisse leur montrer. On t'envoie ça. Putain, c'est beau. On aime ça. Ah, putain. J'ai envie qu'on fasse une pause là, tu vois. Je leur montre le déficit. Attends, j'ai une teps. Dans le micro. Mais on est où là? Putain. Ah, c'est vraiment on est où là? Ah, je suis désolé pour l'équipe technique, c'est insoutenable. Et nous non. Merde. Oh, c'est vrai que je suis une merde. Tu vas prendre des vitamines samedi aussi? Ah ouais, non mais moi j'ai dit le samedi, il n'y a pas de contrôle antidopage, bizarrement ma piste va être violette. Eh, je suis... Ce que t'as fait là, je suis abattu. Mais faut pas c'est pas du body. Faut pas laisser faire des... comme ça, tout à l'heure on mangeait, il rote et tout pendant qu'on mange, mais sois normal mec. Bah, est-ce que la régie est prête? Ouais, il y a un beau focus sur moi. Péfut, si tu veux faire un bisou, ça va être le moment. Maintenant? Ah mais faut pas le faire avant, ça va porter malheur je pense. Est-ce qu'on voit bien? Là on voit très bien là. Ouah, le crâne de malade on mental. On en 98. Il est ah, beau. Ah putain. Ah ça c'est beau. Et dites-vous que ça là, ça a commencé à 21 ans. C'est la force à toi. Parce que tu travailles trop, Zach. Si t'étais un mec comme moi, repose-toi. Ça a commencé à 21 ans ça. Putain de merde. Bon, non, en vrai, toi ça te va bien chaud. T'as pensé aux implants ou pas du tout? Parle à lui. Ah, t'as fait, toi? Bah, ouais, bien sûr. C'est comment? Je crois que je vais y aller aussi. C'est horrible. Non, franchement, le fais pas. Arrête. Pourquoi tu veux y aller, toi? Non, t'inquiète. Non, mais toi, t'es bien, toi, là? Non, on croit que... Mais... Ah ouais, ça recule. Vas-y, non, mon je te montrerai Sacha. Après, je te montrerai après. Non, je te jure, ça fait... Ah ouais, Sacha, t'es une calvasse. Ça se voit pas, frère. Ah ouais. Bah, franchement, t'es bien chevelu, t'es beau, là. Attends, je vais te montrer après, tu vas voir. Genre, tu sais, ta belle barbe, beau cheveu. Ouais, la barbe, c'est bien. Mais faut pas écouter les gens, là, t'es beau gosse. Une barbe, frère, à 13 ans, j'avais déjà cette barbe-là, moi. À 13 ans? J'avais une barbe de fou, frère. 13 ans, ouais, t'étais un mec chelou à l'école, toi. Déjà, cette taille et cette barbe. Oui. Je te jure. Et mon frère, c'est pire. Mes frères, c'est encore plus petit. Ils ont vraiment ça, je te jure. Mais les petits, maintenant, ils veulent pas être petits. Ça devant le collège, vraiment. C'est curieux. C'est quoi? Je suis en classe. Je suis élève. Ah bon? Avec un grand impair. Non, parce que là, t'as une bien belle barbe. Hein. Bah ouais, de fou. Mais là, les cheveux, ça part. Hein. Ouais. Y'a un mec qui a dit Zach, pose cette kippa, putain. Tu sais que c'est des bâtards, je mets des petits trucs pour essayer d'être flow. Et tu sais que, genre, pareil, genre, avec Karim Benzema, ils ont dit j'avais une kippa et tout. Oh putain. Ah, je suis désolé, ça m'a fait. Ah putain, ça me fait bien rien. Ah, moi j'aime bien. Les gens du chat, ils sont bien drôles. Ah ouais, ça te fait rire, toi. Ouais, ça me fait bien rien. Enfoiré. Vraiment, je déteste ce mec, hein, faut que vous le sachiez. Personne n'aime ce mec, de toute façon. Je n'aime pas ce mec. Oh, vous êtes sévère, messieurs. Après, les gens. J'apporte du sourire. Ça dépend à qui, hein. Même ta gonzesse, je sais même pas si tu l'as fait sourire un peu. Ouais, je l'ai fait un peu sourire. Ouais, de temps en temps, ça va. Ouais, vraiment de temps en temps. Bah là, juste à côté, on peut lui demander. Hein. C'est qu'on a une ambiance PMU, elle est magnifique. Ah ouais, incroyable. Moi, j'aime bien le feeling de cette émission là. J'adore ça. Moi, j'attends juste le moment où Sacha va nous montrer ton crâne dégarni. Ouais, vas-y. Bah ouais, ça va faire. Toi, t'es un chien, toi. Tu peux venir voir dessus. Non, mais viens voir au-dessus après. Attends que tu montres. Moi aussi, j'ai la qualité ou pas? J'ai envie de voir. Ça va, frère. Non, c'est un acteur, ce mec. Ça va, non, t'es un acteur. Vraiment, t'es confit par les caméras, là. C'est un mytho? Non. Moi, j'ai une qualité ou pas? C'est un mytho. Genre, y'a rien. Ça va, je suis beau gosse? T'as force de faire des teintures, t'en as une. Ouais, ça, c'est vrai qu'il faut que j'arrête les teintures. Non, mais il a rien. Mais après, si tu regardes Internet, tout le monde dit calvitie. Non, Sacha, y'a que dalle. Sacha, il est beau gosse, là, il ment. Sacha, il est bel homme, mais il est fort au foot. Ça, c'est vrai qu'il est fort. Et en plus, la dernière fois, en entraînement, j'étais deux fois tout seul, il m'a pas. Ah, mais Sacha, il je savais que ça allait arriver, ce truc-là. Après, Zach, il veut trop le ballon. Après, je t'ai fait, t'as marqué. Après, Zach, il a demandé le ballon tout à l'heure et on a pris un but aussi. Ça arrive. pas le dire, ça. Il se pourrait qu'on m'a dit va en 6.
j'ai voulu faire Fabinho ou je sais pas quoi. J'arrive devant le défenseur, ouais, ouais, donne. Il m'a donné le ballon, ça m'a pressé derrière, hop là, but. Mais il faut savoir que Zach, il parle plus que les coachs. Ouais. Mais j'ai cru que c'était le coach qui parlait à chaque fois. Eh non, mais non, tout à l'heure, il a dit une phrase, je te jure, elle résonne dans ma tête. Tout à l'heure, quand il faisait son speech, il a dit, ouais, les mecs, vous avez peur de parler alors que votre métier, c'est de parler devant plein de gens pendant 8 heures. Ça l'a fait réfléchir. Et je te jure, mais et moi, ça t'a fait méditer. Et moi, je te jure, mais moi, je l'ai regardé, je fais, franchement, t'as raison. Moi, du coup, maintenant, je fais que de gueuler sur le terrain comme un chat. Je fais, lance, lance. Moi, faut m'entendre sur le terrain. Puis là, t'envoies ton sprint avec. Ah bah ouais, moi, j'envoie mon gros sprint. Avec ton paquet de camel soup dans la poche. Non, en vrai, par contre, en vrai, j'ai une bonne vitesse, franchement, ça va. Du coup, on dirait qu'elle n'est pas si grave que ça. Non, moi, ce que je trouve ouf, toi, c'est que t'as un charisme sur le terrain. Dès que tu dis passe, on te la passe. Même Boumé, il te fait des passes. Ouais, Boumé, pour qu'il fasse une passe, faut se lever tôt le matin. Et toi, il te la fait direct. Non, pas toujours. Mais après, en fait, la question, c'est pas ça. La question, c'est qu'en fait. Vas-y, vous savez quoi ? On va commencer à parler de France-Espagne. On parle de France-Espagne. Il y a Boumé dans le chat. Mais non, faut plus dire des trucs sur Boumé là. Donc, on disait que Boumé est trop fort. C'est un crevard aussi. Vu qu'il est là, on peut le dire. Il aime bien caresser le cuir. Après, tu sais quoi, si on a envie de lui dire des bonnes choses, regardez, vous savez quoi ? Il est là. On fait le débrief des entraînements, des matchs amicaux et tout ? Ouais, si tu veux. Ok, vas-y. Commence par quoi ? Ordre chronologique aujourd'hui, comment ça se passe ? Moi, je pense que ce qu'il faut parler, c'est le premier match amical. Il était horrible. Ou le premier entraînement, peut-être ? Ah, le premier entraînement, mais là, ça date, hein, maintenant. Je me rappelle même plus, moi, du premier entraînement. Je vois trop vos gueules, les gars, on se voit tous les deux jours. C'était quoi ? On a fait quoi au premier entraînement ? Premier entraînement, on s'est dit bonjour et tout, je crois. Moi, j'étais pas là. C'était le vendredi où j'avais Karim. Mais moi, premier entraînement, mais... Ah si, on a... Je sais plus, en fait. Mais moi, même pas. Mon tout premier, c'était avec Boumé Ça t'a fait cracher les poumons ou pas ? Ah ouais, non, mais le tout premier... Non, le tout premier vrai entraînement, c'était un five. Et t'étais là, mon gars. Ah, mais c'est vrai que c'était un five. C'est officieux. Nous, on avait fait... Ouais, c'était un très beau five. Officiel. On avait fait un five, mon pote. Et alors ? Mais au bout de la cinquième minute, je n'en pouvais plus. Genre, j'étais en train de transpirer, j'étais à deux doigts de dégueuler, mais pour au bout de 5 minutes, j'avoue, c'est... Ah vraiment, c'était une dinguerie, mais là, par mais là, contre, ça va, cardio, t'es mieux, ah ouais, t'es le cardio, ça va beaucoup mieux. Et toi, Sacha, t'as ressenti avec les entraînements et tout, l'effet, la progression un peu ? Moi, le truc, c'est que j'ai repris le foot déjà il y a 3 mois. Ok, il est bien déjà. Donc je joue, et je me suis blessé il y a 3 semaines, contracture. Oh ! Donc moi, c'est kiné, Saint-Bernard, Baume du Tigre, tous les jours, là. Et tu le sens quand tu joues ou ça va ? Jusqu'à le... Pas aujourd'hui, je l'ai pas senti. Le match d'avant, je l'ai senti. Mais j'ai fait le kiné entre les deux. En vrai, ça a marché de fou. Séance de cryothérapie et électrode et tout, il m'a tout fait. Donc là, ça va. Mais ouais, au niveau cardio, ça allait. J'ai déjà repris depuis 3 mois déjà. Et ça vous a fait kiffer les premiers entraînements collectifs avec Saïd et En vrai, c'est stylé. Il y a un bon groupe. Franchement, tout le monde s'entend bien et tout. Il y a une bonne ambiance. En vrai, c'est cool. Il y a des exos où vous étiez un peu comme ça ? Non. Franchement, c'est détente. Comme ça, c'est-à-dire un peu stressé. Parce qu'il y a quand même un truc que moi j'ai remarqué dès le premier entraînement, c'est qu'il y a 12 caméras. Ouais. Non, tu peux pas, non, tu peux pas rater en paix. Non, en vrai, on aime bien rigoler et tout, mais par contre, en vrai, moi j'essaye de faire les trucs vraiment bien, tu vois. J'essaye vraiment de me la donner, d'être à fond dans le truc, même si je suis pas le plus fort, tu vois. J'essaye vraiment de pas être minable. Et toi, Péfut, quand tu t'es fait remonter les bretelles ? Mais après, on peut pas dire les off de ce remontage de bretelles. Mais si, moi je l'ai dit, Saïd, c'était pour les caméras. Moi, je peux mettre un vocal de Saïd. vas-y. C'est vrai ? Non, je veux pas le mettre, en vrai, c'est pas bien. Non, mais en vrai, il leur fallait une séquence dure, tu vois. Donc, on m'a choisi, moi, contre mon gré. Après, c'est vrai que moi, je rigole un peu pendant les entraînements, c'est vrai. Donc, en vrai, c'est pas immérité de se faire remonter un peu les bretelles. En vrai, tu méritais. En vrai, on le méritait beaucoup. Il même. Le méritait un peu. Ouais. On méritait beaucoup. Hein. Beaucoup. Toi, tu rigoles bien aussi avec ton pote. On a eu un débat avec Sigil. Vas-y. Le match, on le prend en mode premier degré, on veut les taper. Ou. On dit quand même, on rigole un peu. Non, en vrai, c'est le premier match. Parce que imagine maintenant, il y a 1-1, et on va dire un joueur qui sait pas trop jouer. Genre, je prends Inox en exemple, tu vois. 80e, est-ce qu'il fait rentrer, quitte à perdre du niveau, ou est-ce qu'il dit, on joue la gagne et on fait pas rentrer ? Tu insinues qu'Inox est nul ? Non, mais j'ai pris au hasard. Tu vois. En vrai, c'est un hasard. Ah, au hasard, il a pas dit. Malheureux hasard. En vrai, moi, je pense que d'ici la 80e, le match. Il sera déjà plié dans un sens ou dans l'autre. Tu penses ? Pour moi, je pense que ça va pas être serré. Moi, je pense que ça va être un score fleuve. D'un côté comme de l'autre. Moi, je pense que c'est soit une équipe se prend 2-0, c'est soit l'autre. Ah ouais ? C'est pas fleuve 2-0. Moi, il y a un truc qui. Non, mais en mode, tu vois, c'est pas genre serré en mode. Moi, j'ai un truc qui m'inquiète un peu, moi. C'est que j'ai l'impression qu'il y en a, ils sont un peu trop confiants pour rien. Qui ? Dans d'autres équipes, tu vois. Dis des noms. Bah non, en fait, tu vois, on a fait un 11v11, c'était quand ? Mardi. Donc c'était le pro, la première le fois premier match en terrain, il était horrible. Non, on a trop mal joué, frère. Non, je te jure, les 15 premières minutes. On a fait. Alors, pour ceux qui nous écoutent, en fait, vous avez vu, on parle des entraînements, on discute. Là, concrètement, vous avez des insides en live et on discute sans filtre. Donc, ouais, bien sûr. Donc, on a fait 3 tiers temps, 3 fois 25 minutes, voilà, face à une équipe qui a l'habitude de jouer en 11 contre 11. Moi, je suis arrivé
après les premières 25 minutes. Ah bah t'as perdait, ta chance. Hein. On perdait 1-0 et apparemment les 25 premières minutes. Et là je vous écoute. Franchement, c'est les pires 25 premières minutes horrible. Que j'ai vu. Non mais surtout qu'en plus on jouait pas. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe marketing du Stade Français, mais c'est pas des. Ils jouent pas au foot quoi. Ils jouent au rugby. Et c'est ça qui m'inquiétait moi après le match. Ah ouais. Parce qu'après on a gagné 2-1 mais bah, quoi, c'était en pas. Plus, le but qu'on a pris. Vous avez raté un truc. Non mais. Oui le but j'ai vu. Non mais le but c'était une dinguerie frère. En fait c'était parce qu'il y avait. La balle a retourné dans la défense. Et en fait, il y avait Alonso qui voulait la récupérer. Et il y avait Gilsi aussi. Et du coup, les deux, il y a eu mésentente. Et là, l'attaquant de l'équipe adverse. C'est Sidil, il a confondu les lignes. Il y avait une ligne de rugby et la ligne du terrain de foot. Et lui, il s'arrêtait à la ligne de rugby. Il s'est dit, c'est bon, elle sort. Après, c'est un peu Neuer. Un peu. Ouais, il est trop excité quand il voit le ballon arriver. Il court comme ça. Là. Ouais, ouais. C'est Neuer, mais sans le jeu au pied de Neuer. Hein. Ouais, juste le jeu au pied. Ah, là, c'est les boîtes. En vrai, ça va être marrant s'il fait 2-3 sorties comme ça pendant le match. Tu vois, il va faire une prestation à la Loris en finale de Coupe du Monde contre la Croatie. Non, arrête, le genre que des bons trucs, mais une dinguerie. Moi, je vous l'annonce, il y aura une dinguerie. Ah, une seule. Mais moi, c'est sûr et certain. Vaut mieux qu'elle y soit quand on gagne, quoi. Oui, voilà, mais il y en aura une. Je pense qu'il va faire des arrêts de fou, mais une petite dinguerie comme ça. Non, moi, j'ai confiance en Gilsi en vrai au cas. En vrai, il est chaud, il est trop chaud. Mais tu vois, moi, premier tiers temps, j'arrive, on me dit on perd 1-0. Je regarde le début du deuxième tiers temps, et en fait, c'est ça le truc qui m'a marqué, c'est que vous étiez tous des poupées de cire. Il n'y a pas un mec qui parlait. C'est-à-dire que genre les milieux de terrain, ils prenaient le ballon, il n'y en a pas un qui disait moi. Ouais. Alors que non, eux, quand ils avaient le ballon, ils envoyaient un appel, t'entendais « Georges !» Non mais surtout que paradoxalement, notre milieu de terrain est composé de tous les éléments forts de l'équipe et c'était là où il y avait les plus grosses difficultés. C'est ça en fait qui m'a dit « Putain mais… » En fait, je pense que les 15 premières minutes, ça stressait un peu en mode « C'est la première fois que ça joue. » Ah oui, on a balancé le ballon un peu n'importe comment et surtout, il pleuvait beaucoup aussi. Ouais, il pleuvait. Mais moi, je trouve que j'étais surpris, mais dans le bien, moi. Ah oui, parce que franchement, moi, du coup, j'ai pas vu les 25 premières minutes qui étaient nulles. À partir du milieu de la deuxième, tiers-temps, du coup, genre ça commençait à aller. Et le dernier, les 25 dernières minutes, et toi, Sacha, t'es rentré et tout, on leur a roulé dessus. Mais physiquement, ils s'étaient cuits en face. Ils avaient plus d'occasion, ils faisaient que de balancer devant. On pressait fort. Moi, je gueulais comme un tonton. Ouais, ouais. On faisait beaucoup d'efforts et tout. Franchement, c'était la folie. Moi, je m'attendais à pire, hein, je te parle sérieux. Ouais, mais moi, en fait, c'est plus le niveau des mecs d'en face contre qui on a joué. Je me dis, les Espagnols sont forcément au-dessus. En vrai, on s'adapte au niveau en face souvent. Ouais, ouais, c'est vrai. Souvent. Ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, regarde, par exemple, tu parles de ça, c'est réel. Maintenant, il faut qu'on le dise aux gens, aujourd'hui, on a fait une deuxième confrontation. Ouais, c'était exactement c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. On a fait 2 fois 30 minutes. Et excepté la fin, ou bon, un peu du troll et coucou Zach. On leur a mis combien? Non, c'est vrai qu'on leur a mis un score. Mais... 5-3 Non, il y avait 5-2. 5-2 et il y avait 5-0. Ouais, il y avait. Bah ouais, après, ça s'est relâché parce que c'était la fin. 5-2, on a pris les deux buts à la fin. Parce qu'il y a eu changement. Non, mais il y a eu le changement de système. En vrai, moi, le changement de dispositif, il a tout niqué pour moi. Hein. Ouais, je suis d'accord. Genre parce qu'on avait joué en 4-4-2 au début. Balance les compos, c'est comme il y a un espagnol sur le. Pense pas à critiquer les compos du coup. Non, mais par exemple, quand on avait joué en. C'était 3-5-2, je crois. Ouais, on avait joué en 3-5-2 et frère, mais c'est horrible. Moi j'avais joué piston, mais j'en pouvais plus, j'avais envie de mourir. C'est vrai que piston, c'est très physique. Hein. Piston, pour moi, c'est le poste le plus ingrat du football. Imaginez-vous, Yass encore piston. Allez, retour dans un couloir. Non, mais même Michou, parce que même Michou, lui, il était. Même Michou, il a galéré, mais. Michou, il était de côté et pourtant, il cavale. Michou il cavale, mais moi je regardais Michou après le match et je lui ai dit frère, t'en as pensé quoi? Il m'a dit je veux plus jamais ça. Ah, mais c'est le pire poste. Hein, c'est le pire. Bah, latéral, faut avoir de la bouteille, mon pote. C'est même pas, pour moi, c'est même pas latéral. Ah, c'est piston, ouais. Latéral encore, il y a un gars parce que tu dois être en attaque, tu dois être en défense. Ah oui, c'est non, mais tu sais que piston, t'as une ligne de 100 mètres, t'as Usain Bolt. Et sache que tu vas l'avoir à la au retour. Mais moi, je pense que dans notre équipe, il n'y a pas de mec qui est capable de vraiment assurer ce poste, tu vois. Non. Donc, à voir, je ne sais pas quel compo il va mettre. Ouais, parce que le premier système où on leur mettait 3-0 à la mi-temps, c'était phénoménal. C'était phénoménal. C'était pas mal. Et là, on a trop, trop bien joué. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et du coup, rassurant, en vrai, le deuxième match. Même le deuxième match, ça a essayé de jouer. Je sais pas si t'as vu les latéraux, ils revenaient tout le temps avec les défenseurs. Ça a essayé de jouer, même si des fois il y avait des passes, c'était pas précise. Mmh. Une volonté de jouer, ça, je trouve ça trop stylé. Mmh. Vraiment, moi, quand on leur met 3-0 au bout de 30 minutes, j'étais trop heureux. Non, non, ça jouait bien et tout, franchement. Et c'était moins. Les joueurs étaient moins stressés, j'ai l'impression, tu vois. Par rapport à la première qu'on avait fait mardi. Pour vous dire. Vous voulez que je vous dise les buteurs, le chat? Je peux vous dire les buteurs, moi. Ouais. Triplé de Boumé. Donc en vrai, on le time. Il a bien triplé. Vraiment, les buts, c'est des bangers. Vraiment, les buts sont magnifiques. L'enroulé, il est incroyable. Il n'y a pas un but de merde, c'est que des bangers. Et doublé d'Amine. Notre numéro 9. Doublé d'Amine, ouais. Franchement, il a eu deux face à face, il a mis les deux. Ouais. C'est ce qu'on demande à un 9, en vrai. À un moment donné, je ne passe à Amine.
il a fait une course, j'ai pas compris. Je sais pas si tu te rappelles. Je l'ai vu, je crois. La balle arrive là, il fait ça, il fait le tour comme ça, il revient sur la balle. J'ai pas compris la course. Alors qu'il aurait pu. Ouais, il est allé tout droit. Mais ouais, prendre l'élan. Doublé d'Amine. Non, mais Amine, je pense qu'il va surprendre tout le monde. Moi, tout le monde maintenant le compare à Haaland. Ouais. Frère, il. Non, mais en vrai. Bah, grand de taille. Rapide, ouais, ouais. Physique. Il est fort en pivot, moi. Il est frappe de surhomme, frère. Ouais, ouais, Erling Haaland. Ouais. Tu doutes. Oh, le chien. Oh, le sourire. Après, c'est dur de comparer à Haaland. Non, mais voilà, mais grossièrement. Après, il aura la petite pression parce qu'il organise quand même un event de fou. Mais je pense qu'il va. Tu penses qu'il va penser à ça pendant le match? Oui. Oui, oui. Moi, je t'avoue. Ouais, frère. Bah, je pense qu'il stresse un peu, c'est normal. Le frérot Amine. Mais parce que si on se fait taper, frère, mais. Non. Par contre, il y a un truc, tu vois, juste avant qu'on continue de discuter et tout, je le jure, je le dis en regardant la caméra carrément, genre, je fais le mec sérieux. On a tous donné 120% à l'entraînement, au sérieux, en vrai, au physique, y en a pas aux exercices. Seul. On s'est tous donné. Y en a pas. Et samedi, on va tous se donner. Ouais, j'espère qu'on va gagner. On va tout donner pour gagner. Mais si on perd, la vie de ma mère, on n'a pas triché. Ouais. On peut pas dire en mode ouais, nanan, lui. En plus, ce qui est trop lourd dans les. Ça, en vrai, des passes, des contrôles, on va en rater. Mais le plus important, c'est qu'on va courir. Mais ce qui est trop bien dans l'équipe, c'est qu'on est 22. Et dans les 22, il n'y en a pas un seul genre qui. Tu sais, qui était en mode flemmard ou qui était en mode branleur. C'est vraiment, tout le monde s'est donné à 100%, tout le monde était sérieux, tu vois. Même si on est là pour s'amuser, tu vois, ça reste du divertissement. Mais on reste là. On nous dit Bibi, il a triché. Bon, Bibi peut-être ouais, un peu. Bibi peut-être un peu. Bibi, ouais, peut-être que Bibi. Bon, Bibi. Peut-être qu'on l'a vu qu'une fois, peut-être. Ou c'est vrai qu'il y a sur 2-3 entraînements, il venait sandwich au thon à la main. Bah après. Non, ça c'est le bouseux. Ça c'est le bouseux. Le bouseux est venu avec son gros sandwich jambon beurre. Il se mettait un doigt dans le cul, il rotait partout. Quand même. Tout à l'heure, il était là. Regardez, je mange mon jambon beurre avec son téléphone. Il faisait des vlogs tous les jours. Il a fait deux vlogs. Il est parti. Il a fait deux vlogs. Le bouseux. On l'a plus jamais. Alors là, le bouseux. Le bouseux. Revue d'effectif, personne par personne. Allez, c'est alors, parti. Alors le bouseux. T'as fait deux vidéos YouTube. T'es plus jamais venu. Il n'est plus jamais venu. Il est venu prendre. Tu sais qu'il joue pas lui. Ah, vrai. Vraiment, Bouzy, le frérot Bouzy, il est venu prendre 1 million de vues. Ah ouais, vraiment. Ah putain. Bah, après, le pire, c'est que le bouseux, il est loin d'être le plus nul. Il est trop. Il est bon. Ah bah ouais. Oh putain, mais par contre, vraiment. Bon, c'est vrai que Bibi. Après, bon joueur de foot, hein. Ouais. Pas quoi. Bah non, Bibi, c'est juste qu'il est pas là. On peut pas juger, il est pas là. Bah ça va, il est venu là, Marc. Ouais, il est venu parce qu'il a vu qu'il y avait un match. Ouais. C'est vrai qu'il quand il y a un match, c'est toujours plus vendeur. Parce que, c'est le premier match qu'on a fait, le premier match amical, là, il y avait tout le monde. La veille. On a dit, il y a entraînement lundi. Il y avait 5 mecs. On était 6-7. Il y avait Zach, moi, il y avait Boumé, il y avait Michou, il y avait qui d'autre? Il y avait Brox. Il y avait Broki. Et après, c'est pas l'entraînement officiel. Ouais, c'est pas officiel. C'est pas officiel. Ouais, le coach, il a dit, je viens pas. Bah, non. Tu es un mec motivé, coach. Tu t'entraînes tout le temps. Ouais, ça doit être tu ça. T'entraînes tout le temps. T'es un mec motivé. Tu crois que CR7 il s'entraîne qu'aux entraînements officiels, mon pote? À CR7 ouais, avec tes 3 entraînements minables. Mais c'est un ouf lui. Hein. Putain, il a dit CR7. Tu travailles, mon gars, t'es nul, tu taffes. C'est aussi simple que ça. Vous avez vu le teaser des Espagnols ou pas? Le quoi? Le teaser des Espagnols. Toi, tu m'effraies, moi je l'ai pas vu, ça fait peur ce que tu dis. Ils ont un teaser? Ouais, ils ont un teaser. Et Carlito aussi. Pitié la régie. Ils ont un teaser. Carlito il fait pas semblant, mon pote. Ouais, c'est vrai, Carlito il fait pas semblant. Il fait flipper le teaser, je vous parle sérieux. En Espagne, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, ils l'ont envoyé dans le groupe. Attends, alors pause, il y a deux personnes qui parlent en même temps, tu me parles du teaser des Espagnols, qu'est-ce que tu as dit toi? Non, moi j'ai dit parce qu'en fait Carlito, je crois, il est un peu sanguin. Avec tout le enfin, Carlito, tout le j'ai... juste Carlito, ouais, il me regarde. Terrain, non, mais déjà parce que Carlito, quand il s'énerve, tu sais, il est chauve et il a sa veine là, qui ressort, qui traverse tout son crâne, et là tu vois que Carlito, il est énervé. Et là Carlito, il me dit, ouais, par contre, il y a un Espagnol qui me pousse, mais j'ai... Franchement, tu vois, je le défonce, je l'encule. Tu t'es retenu au début. Ouais. Ça se voit, t'as voulu un peu. Tu l'avoir insulté aussi. Ouais, bon, voilà. Ouais, bon, je pense que Carlito. Moi, en vrai, je pense qu'il y a un monde où Carlito prend un rouge. Vraiment? Ouais, ouais. Vraiment. Ah, je pense. À ce point, genre. Très moche qu'il y ait un rouge sur un match comme ça. Ouais. Oh, en deuxième minute, il brise un mec. Ah, ça me ferait trop rire, par contre. T'es genre deuxième minute semelle. Oh, putain. Toi, tu t'es entraîné tout ce temps, tu te prends un rouge, frère. Bon, en vrai, ce serait légendaire. Ah ouais, ça serait légendaire. Mais moi, franchement, j'aurais le seul. Moi, je t'ai dit, je me mettrais tout nu sur le stream, je bannirais le stream. Je niquerais l'événement. T'as bien raison. Ah bah vraiment. Même si on se prend 3-0, 35ème, les mecs, je monte non, ce game. En vrai de vrai, s'il y a 3-0 à la 35ème, ça va faire des trucs bizarres. Genre, ça on va être obligé de jouer, mettre le pied agressif et tout. Non, mais en vrai, je pense que si dans le monde où il y a. Enfin, c'est possible qu'il y ait 3-0 à 35ème, je pense que là, Saïd et Martav, ils vont tryhard de malade, ils vont nous faire sortir. Nous deux, on va sortir. Il va faire déjà, vous allez pas commencer. Oui, c'est vrai, vous allez pas commencer. C'est vrai qu'est-ce qu'il va se passer. Mais vous allez pas commencer. Mais je pense, tu vois, qu'on va juste pas jouer.
Non, ça, bien sûr que si. Ça, c'est impossible, ça que je voulais dire tout à l'heure. En disant, est-ce qu'on tryhard ou est-ce qu'on en mode on rentre quand même. Moi, je pense que ça va tryhard, mais qu'il va quand même prendre le temps de donner ouais, tout le temps à tout le monde. Tout le monde doit rentrer. On regarde les teasers des Espagnols rapidement. Tu peux nous faire une traduction, s'il te plaît, Sacha. Putain, mais DJ, réunir un groupe de youtubeurs exceptionnels. En vrai, ça va, c'est facile l'espagnol. Pour livrer une bataille qu'on tient. Allez, vas-y, fais-nous la traduction. Un stade pour nous et du monde historique. Putain, mais on peut pas perdre contre un mec qui s'appelle DJ Mario, c'est impossible. Mais c'est vrai, ils se sont même pas entraînés en vrai. Ça vous entendez pas, mais la musique qu'ils ont mis derrière, c'est la lettre à Elise. Ouais, j'ai cru que c'était CR7, j'ai eu peur. Ils ont mis quoi derrière? La lettre à Elise remixée. Ah ouais? Voilà. Et un entraîneur. Déjà, c'est sûr que si on voit l'entraîneur, on se dit. Mais je suis coach! Non, vous venez pour l'ouverture du fitness park? Non! Non, moi je suis coach! Pourquoi ils prennent des vidéos d'Mbappé, frère? C'est énorme! Là, ils disent qu'ils veulent leur revanche! Ah, d'accord! Ah oui, c'est vrai qu'ils ont perdu à la. Bah oui! La Coupe des Nations! Sur un but litigieux, vite fait quand même! Ouais! Ils ont des bonnes têtes de champion du monde, hein! Ça a montré Gérard Piqué, je suis inquiet. Hein. Ah ouais. Ça a montré Gérard Piqué. Il y a un monde où il nous ramène Ramos et Piqué, ah, c'est vraiment inquiétant. Par contre, la ville de la teaser, ville de la peur, le teaser, hein. Il est bien. Ouais, on dirait un clip de PNL, ça fait peur. Putain, le Barça, quoi. Ouais. Quand ils ont pris la Ligue des Champions à Paris contre Arsenal. Après, en vrai, vous avez ça, raison. C'est eux, hein. Je pense que techniquement, ils seront pas mauvais, mais physiquement, je pense qu'on est au-dessus. C'est eux, ouais, ils ont déjà fait des matchs comme ça. Hein. Mais j'ai l'impression que je vois que des pénalties de ces mecs, moi. C'est vrai qu'ils ont déjà joué contre du monde, ça peut jouer en leur faveur. Regarde le but qu'il met là. Non, mais ça, c'est un but. Il est... Après, le gardien. Après, le gardien coach, quoi. Oh là là là, t'as la tête, c'est bon, t'es bon. Ça, c'est beau. Après, faut voir, il y a qui en face aussi. Mais tu crois qu'on est mieux? Arrête un peu de dire ça. L'humilité, c'est ce qui manque. De toute façon, les Parisiens, supporters non, du PSG, les supporters du PSG, vous n'êtes pas humbles. Moi, je te jure, je suis humble et j'ai peur. Moi, en tout cas pour le match, j'ai peur du niveau des Espagnols. Genre, je dis, faut pas. Mais moi, parce que nous, parce qu'il faut savoir qu'il y a un mec, il a sorti un trade sur Twitter hier qui a, il a fait une analyse complète de tous les joueurs de l'Espagne. C'est un ouf. Gratuitement en plus. Ouais, gratuitement. D'ailleurs, on l'a invité aujourd'hui à l'entraînement. Oui, mais t'es sérieux? Il est venu? Bah, il est pas venu me voir. Mais il a dit, il s'appelait Quentin, il a dit bonjour à tout le monde. De Montargis. T'es une merde. T'es une merde. Franchement, il est pas venu voir, j'ai la haine. Mais il est venu voir. Bah après, vaut mieux pas qu'il fasse un trait des analyses sur moi. Parce mais putain, même tu l'as vanné, t'as dit, ouais, tu as tiré avec des converses. Ah, c'était lui? Bah oui, c'était lui. Ouais, j'ai fait une brésilienne avec lui. Bah oui, bah c'est ah ouais, lui, que je vannais ses choses. C'était lui, là. Mais je savais pas que c'était lui, moi. Bah si, c'était lui l'abonné. Et il a fait un trade sur tous les joueurs de l'Espagne qui sont présents. Et il y en a, franchement. Ils sont éclatés au sol. C'est... Non. Ah, c'est. Ah ouais. C'est du gros niveau. C'est du. C'est des mecs bouillants. Ouais, c'est. Surtout un mec qui s'appelle Gavi. Pas comme le joueur. Gavi effrayant. C'est un petit gabarit. Trop. C'est Gavi, il a piqué normalement. Ah, mais vraiment trop chaud. Bizarre. Gavi, on va lui mettre Carlito dessus. Mais vraiment ouais. Trop chaud. Et même Amine, il a regardé le trade et il a dit, mais dans la bio des mecs, il a écrit genre athlète, des trucs ouais, comme ça. Bon, il a dit ça, j'ai été sur le Insta du mec, première photo, il buvait une bière. Donc bon, athlète, ouais, bah. Doucement quand même. Attends, mais gros, c'est un athlète de la bière, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai. c'est les Jeux Olympiques des Barils. Le lien du trade. Il n'y a pas le droit aux joueurs de ND ou je l'ai pas. Non, il n'y a pas le droit. Aux joueurs un peu trop haut. Non. Bah, sinon, ça ne nous aurait pas appelé, je pense. Non, ouais. Vraiment. Donc du coup on disait la bière c'est ça les barils ouais. Non, mais en réalité Amine il a dit que par exemple il avait voulu prendre Val Liénard mais ah que oui. Ça lui a dit on lui a dit non. Ça lui a dit ouais. Trop fort genre. Bah trop fort. Bah donc dans ce cas là ils vont pas pouvoir ramener des mecs vraiment trop haut quoi. Non normalement ça devrait aller ouais ça devrait aller. Moi j'ai dit c'est youtubeur, streamer. Tu ramènes des mecs qui sont devant leur PC toute la semaine. C'est normal c'est la règle tu vois. Mais après Boumé il joue en quoi Boumé? Boumé lui il joue au CA Vitry. C'est tout ce que je sais. Ça joue quand même. Ah oui, t'attendais une suite d'informations. Ouais, R1, R2. C'est à Vitry, mais c'est tout. Après, franchement, en fait, il joue pas ni en N3, ni en N2, je crois, hein, des trucs comme ça. Ouais, non, il joue bien, quoi. Il y a des modos dans le chat. Ban celui qui a dit Ibai plus Zach égale Airbus à 380, s'il vous plaît. C'est un chien. Je suis preneur. Non, mais ça va, je rigole le bon pas. Ban-le. Ibai plus Zach égale Airbus à 380. C'est un chien. Tu sais, genre, je me dis, alors, je regarde le chat, vous aimez bien le live. Je me fais traiter à 380. Je suis pas heureux. Ils jouent en N3 ou D1 apparemment. Bon, non, en vrai, je pense quand même que ils ont des mecs chauds, on a des gars chauds, nous on se les donnait. Maintenant, tu sais quoi? Vas-y. Moi j'ai envie qu'on fasse un truc pour rigoler et tout ça.
Est-ce qu'on peut faire une revue d'effectifs personne par personne? Ouais. C'est-à-dire genre ce qu'on attend, comment c'était les entraînements avec lui, etc., etc. Et on finit par nous. Vas-y. Et on finit par nous, et quand on parle d'un des gars, il a pas le droit de parler. Vas-y. Non, ça dépend, dès qu'on va parler, toi, Yass, tu fermes ta gueule et on va dire tes 12 vérités. Ok, ok. Ça te va? De toute façon, je les connais, mes 12 vérités, tout le monde me les dit tous les jours. Vas-y, let's go. On commence par... Vas-y, vous savez quoi? On commence et je vais dire un nom, et après, le chat, vous nous dites s'il y a un nom qui ressort plus, je... Violé, moi, vas-y, tu sais quoi? Moi, je vais commencer par un nom que vous attendez peut-être pas. C'est quoi, ça? Oh là là, vous êtes beau. On commence, oh, quoi, on commence dans l'ordre. Michou. On va commencer par Michou. Alors les mecs, Michou, révélation. Ouais, Michou. Mais genre Philippe Lam, Philippe Lam. Je sais pas si t'as le retour défensif qu'il a fait au premier match. Mais... C'est toi qui l'a tweeté? Ouais. Ouais, allez voir sur le Twitter de Yass, s'il vous plaît, la incroyable. Michou, trop fort défensivement, mais franchement, j'étais choqué. Je pensais que Michou, il touchait pas trop le ballon. Mais au final, pour moi, c'est la plus grosse surprise. Mais c'est une mobilette, il court partout, il va te faire des coups. Ah ouais, que jamais moi, c'est j'aurais pensé à cardio et tout. Ah ouais, pour moi, c'est la plus grosse surprise, Michou. Ah ouais, vraiment? Ouais. J'attendais vraiment un plus gros décalage entre son niveau et ce que t'as vu. Ouais, vraiment. Quoi, toi, tu pensais qu'il avait le même niveau que Inox Tag? Non, mais en mode. moi, je pensais, tu sais, qu'il savait faire des passes et puis c'est tout, tu vois. Mais genre, en termes défensifs, c'est. Moi, je pense que défensivement, il peut apporter ça. Ouais. Ah bah ouais, c'est une dinguerie. Regarde, frère. Vraiment, regardez ça. Il arrive de loin. Mais il arrive de loin. Trop loin, frère. Regardez le tacle. Oh. C'est dingue, Michou. Philippe Lam. C'est vrai qu'il arrive de loin. Philippe Lam. Le truc, c'est qu'il lâche rien. Il va jamais rien lâcher, Michou. Ah ouais. Tu vois. Mais tu sais que moi, Michou, je l'ai connu il y a un paquet d'années sur YouTube, bien avant qu'il perce. Et il faisait des vidéos foot avec ses potes quand il avait. Ah, donc il a déjà joué au foot en club, ça. Quand il avait 9 ans, tu vois, des trucs comme ça. Et surtout, faut pas oublier un truc. Michou, je crois, il a fait Danse avec les stars et des trucs comme ça. Ah ouais. Danse avec les stars, niveau prépa physique, je crois. Ah oui, ça envoie. C'est qui Gavi? Ça se voit en vrai. Très solide. Hein. Papy Gavi, apparemment trop fort. Papy Gavi bouillant. Ouais, ouais. Donc Michou, pour l'instant, bonne surprise pour vous. Très bonne surprise. Ouais, ouais. Et vous pensez il va surprendre du monde samedi? Ouais, je pense. Ok. Michou, c'est bien. On continue la liste, ou alors on peut continuer sur celle-ci hein, d'ailleurs, mais je crois que la liste d'après, c'était Inox après, quelqu'un que tu as noté. Monsieur Inox, Péfu, tu as quelque chose à dire sur lui? En vrai, il a un beau studio à Webedia, on y était tout à l'heure, c'était pas mal. Mais sinon, beau chien aussi. Ouais, beau chien. Non, en vrai de vrai, le peu de fois où vraiment il a joué pendant le match amical là. Ouais. Je trouve qu'il s'est donné quand même, tu vois. Ouais. Donc il a pas fait semblant. Mais en vrai dans les après il y en a pas un qui se donne pas la vérité. Tout Inox il se donne trop. Il se donne peut-être trop. Il motive trop. Prend peut-être un peu trop de cocaïne aussi ce mec. Hey, dites-vous que Inox à la mi-temps quand on perdait encore lors du premier match dont vous a parlé mardi, il leur hurlait dessus, il disait on va vous fumer les rugbyman. Oui, il est mal. Ouais, le problème c'est que il dit ça à des rugbyman, sachant qu'on est au stade français. chez eux. Patates, moi je suis mort donc Inox il ouvre aussi un petit peu trop sa gueule. Vraiment il disait on va vous fumer les rugbyman et tout, c'était à mourir de rire. Je suis pas allé aux toilettes. Oh, à chaque loop, reste là, mec. Me pisser dessus. Reste là, mec. Vas-y. Va aux toilettes, on va parler de toi. Vas-y, mais coupe pas le micro. Vas-y. C'est quoi pendant ce temps-là, on parle de toi? Oh putain. On va parler des performances. Donc, attends, avant, non, parlez pas de moi, j'ai quand même envie d'entendre pour m'améliorer. Inox, en vrai, moi je pense qu'il peut surprendre parce que personne l'attend en vrai. Donc. C'est mieux en vrai de pas être attendu, tu vois. Ouais, je vois. Sacha? Non? Non, moi je pense qu'il va pas te surprendre. Moi je pense qu'il va faire rire le public. Inox, moi je l'attends là, dans le faire rire le public ou nous motiver à nous. Le divertissement. Oui, nous motiver à nous. Ouais, c'est un bon motivé. Il a quand même une arme et tout, il t'amène un truc. Ouais. Et sur le terrain. Il peut te ramener du peps sur le banc, quoi. Moyen. Après, tu te dis pas, genre avec des jambes fatiguées, il peut faire une entrée volontaire. Mais en plus, le pauvre, il a mal aux chevilles de fou. Ouais, c'est vrai. Il a très mal aux chevilles à cause du synthé et tout. Parce que le synthé, quand t'as pas l'habitude, ça fait très mal. Hein. Même au mollet aux chevilles. Tu le sens direct. À l'heure, il a dit j'ai les jambes lourdes, j'arrive pas et tout. Ah, c'est à cause du match de mardi, je crois. Ah ouais, en fait, il le sent encore. Deux matchs cette semaine, moi je trouve que c'est un peu beaucoup. Après, après, on est beaucoup, comme on a dit exactement tout à l'heure, on est beaucoup, donc on a beaucoup tourné. Donc ça va, mais mais Inox Malochi. Tu penses que coach Saïd nous fait travailler un peu trop? T'as un message à faire passer peut-être? Non, ça va, parce qu'on est 22, on a beaucoup tourné. Genre aujourd'hui, moi j'ai fait qu'une mi-temps. Même un peu moins qu'une mi-temps. Et même le mardi, j'ai fait genre une mi-temps et demi. Donc et tu le sens quand même dans les jambes en vrai. Ouais, les entraînements et tout, tu le sens de fou. Surtout le synthé, moi je déteste le synthé. Ah, le synthé, c'est pas agréable. Le ballon, il fuse. C'est horrible. Ouais, il fuse et en plus, les appuis, c'est pas les mêmes. Les genoux, ça nique les genoux et tout. Mm-hmm. Moi, je kiffe pas le synthé. Ok. Ça a été dit. On fait Yass pendant qu'il est pas là, on fait Yass quand il est là. Moi, c'est quoi, je vais faire un tribunal quand il sera là. On va passer au prochain le temps qu'il arrive. Le next, joueur par joueur, Billy. C'est le roi du divertissement, ce mec. En vrai. Amine, il nous fait rire en vrai. Amine, il a dit une phrase lors du premier entraînement que j'ai fait, et je jure qu'elle est réelle. Il a dit si le football se jouait arrêté, Billy serait le meilleur joueur du monde. Ouais, c'est vrai. J'ai entendu ça. Et ça, je range aussi Bibi dans cette case-là. Bibi, Amine, arrêtez, ils sont trop forts. Mais le problème, c'est qu'il faut bouger. Le problème, c'est que.
Mais moi, je suis sûr que Billy, maintenant, dans les matchs amicaux, il était sur son côté et il y avait des moments où il était en 1 contre 2 et il arrivait à sortir des petits éclairs de génie. Ouais, ouais, en fait, il y a des petits éclairs de génie, il y a de l'imprévisibilité qui est bonne. Il est imprévisible. On dirait un daron. Les défenseurs, ils peuvent pas savoir. On dirait un daron qui joue Billy. On dirait plus, il joue à Tekken, tu sais, il appuie au hasard, genre. Tu penses ? Ouais, il appuie au hasard et on sait pas ce qu'il va faire, même lui, il sait pas. Il bouge ses jambes, on sait pas ce qu'il fait. Et ça peut surprendre l'adversaire en vrai. En vrai, moi, Billy, je pense qu'il va surprendre aussi. Non. Je le mets au même niveau que Michou en termes de il va surprendre. Ah ouais ? Ah ouais, je pense aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Billy pue la merde et tout ça, machin. Mais si vous avez remarqué, déjà depuis les matchs, depuis les confrontations, depuis la dernière semaine, bah surtout, il va plus au sol. C'est déjà bien avant. Vrai ou pas ? Le sol. Je vous jure, ça rendait fou la première semaine. Billy, c'était par terre challenge. Genre, le frérot, il devait partir au moins 30 fois par terre par séance, sinon il sentait pas bien. Mais il a tout le temps surpris à chaque entraînement. Même qu'on a fait l'entraînement avec des frappes, là, il a mis des grosses frappes. Oui, oui. Des grosses frappes, petit filet et tout. En vrai, il a surpris plusieurs fois, Billy, déjà. Donc, en vrai, Billy, moi, j'en attends du bien. Et je pense qu'il va surprendre, du monde. Next, on a vu dans la liste, c'était Amine. Amine, notre numéro 9. Capitaine. Hermine Haaland. Bah après, on peut pas critiquer un mec qui a fait l'event. Bah, ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, du coup, trop fort, vraiment, Amine, vraiment, ça va être trop bien, je pense, c'est le 9 de il ouf. Vite, il est grand, c'est... Il est beau aussi. Il sent, il est beau, non, en vrai. Il sent bon. Il a rien à dire sur Amine. Non, vraiment, c'est grâce à lui qu'on fait tout ça, donc... Non, vraiment. On va pas trop dire de mal de ce mec, surtout qu'en vrai, il y a pas trop de mal à dire. Non, de ouf, en vrai, non, de vrai. Non. Il est physique et en pivot, il est incroyable, moi, je trouve. Il est puissant, frère, il cadre tout, franchement, Amine... Heureusement qu'il a marqué aujourd'hui pour la confiance, quand même. Ouais. Il a marqué un doublé. Ça lui a fait du bien aujourd'hui. Ouais. Surtout aujourd'hui, il a envoyé des vrais appels. Hein. Ouais, ouais. En réalité, en dehors de la vanne de on suce machin nana, il a été vraiment bon aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, genre, sur le match qu'on a gagné aujourd'hui sur l'opposition, il marque doublé. Doublé sur des gros appels bien en profondeur où il récupère le ballon. Il rate pas ses 1v1, pas ses frappes. Ouais. Et pour un frérot qui organise l'événement, ça va être sur sa chaîne et tout, qui risque d'être encore plus stressé que tout le monde. Franchement, je pense qu'il va assurer, ouais. Amine, il est bon, vraiment. Ouais, Amine, ça a il dit Verminaland sur le chat. Verminaland. Verminaland, vous êtes des gamins. Non, Amine, il est chaud. Vraiment, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Next, sur la liste, c'est le frérot PA. Il joue quel poste, lui ? Il joue 6. PA, au début des entraînements, il avait commencé latéral, ouais, je crois. Après, il est monté. Il est 6, là. Ouais, ouais. Très bon cardio, je crois. Ouais, très bon. Ouais, en même temps, on parle d'un mec qui fait un marathon tous les jours. Donc, Même techniquement, c'est propre, PA. Ouais. Oui, c'est propre. Hein. Bah, franchement, surtout, il a une belle vision de jeu, je trouve. PA. En vrai, non. PA, une bonne patte gauche. Mais PA, moi, en vrai, comme on avait déjà fait des 5 et après 5 et foot à 11, tu vois, c'est pas comparable. Ouais, mais tu mais moi, je savais, tu vois, que PA, il était fort. Enfin, entre guillemets, fort. Donc, moi, je suis pas surpris par le niveau de PA et je pense qu'il va confirmer samedi. Moi, je pense que c'est un joueur, quand il va rentrer au milieu, parce que je pense pas qu'il va être titulé au début, mais je pense que quand il va rentrer au milieu, il va te prendre la relève sans trop de problèmes. Ouais. De ouf. Genre, moi, je pense pas que tu vas perdre beaucoup quand c'est PA qui va rentrer, tu vois. Non, en vrai, il est bon, PA. Donc. Caution technique, milieu, c'est cool. Voilà, j'ai l'impression que PA, il peut rentrer partout et ça ira, tu vois. Genre même latéral. Complet, en vrai. Ouais, de ouf, ça le truc. Moi, j'ai envie qu'on discute, qu'on fasse un petit peu une entorse à la liste. J'ai envie de parler d'un mec en particulier parce que c'est celui qui, en dehors des gars chauds, donc on attendait, Boumé, etc., qui m'a le plus surpris, même si on savait déjà qu'il jouait bien, mais à ce point-là, Bruce Granek. Ouais, ah, de fou, Bruce, frère, c'est trop. Ouais. De fou. Il joue trop bien. Moi, les seules fois où je l'avais vu jouer, il était chaud aussi. Mais le problème, c'est que là, il est blessé. C'est juste sa santé, moi, qui me fait un peu peur pour lui. Non, vraiment, il a fait deux entraînements cette semaine, lundi et mardi, il a fait l'opposition même. Bruce, c'est un mini, toute proportion, regardez, c'est un mini Iniesta. Il prend le ballon, il dribble. Il a un centre de gravité bas, je trouve. Technique, il lève la tête tout le temps et tout. Vraiment, Bruce, il est trop fort. Pour moi, Bruce, vraiment, ça m'étonnerait même pas qu'il soit titu. Moi, à la place du coach, je mettrais titu, parce qu'on sait qu'il a des douleurs à l'adducteur et tout. Je pense que les 15-20 premières minutes, tu vois, il va les tenir. Mais c'est après, j'ai un peu peur pour... Ouais, c'est son adducteur qui a mal. Ouais. Mais ça allait mieux. Il a fait du kiné. Aujourd'hui, il a pas joué juste pour pas prendre de risques. Il a pas joué pour pas prendre de risques. Il a raison, en vrai. Sinon, physiquement, il est prêt. Et vraiment, je sais pas si vous avez vu, mais à des moments, il faisait des rushs, il dribblait plusieurs. Ouais, il perd pas la balle, fort. Il perd pas la balle. La balle, elle colle à son pied. Ça, c'est un mec qui comprend le foot. Alors qu'en plus, il a dit un truc, c'est-à-dire il a 35-36 ans, Bruce. Quoi ? Je pensais qu'il avait genre, je sais pas, 28. Il est un peu plus âgé. Bah, mon pote, il gagnait des Coupes du Monde sur FIFA, t'étais encore... encore chez ta mère, mon pote. Ah ouais. Vraiment, Bruce, non, c'était PES, ah non, c'était FIFA. Non, les deux. C'est pas de te casser la tête, les deux. Je sais pas s'il a été champion du monde FIFA, mais en tout cas, PES, ça s'en. Dis-toi, il était à son prime quand il était à PES 5, mon pote. Ah ouais, ok. Toi, quand il y avait PES 5, t'étais où ?
Bah dans la chambre, bah voilà. me faire tarter par mon frère. Bah voilà. Vraiment, t'imagines, t'allais à un tournoi Fnac, t'avais 9 ans, tu voulais jouer à PES, tu tombais sur Bruce Granit. Ah, il a aucune peine, hein. Et t'en bats les couilles que t'es 9 ans. Et puis derrière, il y avait Zalou. Te gifle direct. Ah ouais, gars, ça se passait pas bien. Il y a des mecs qui disent il a 28 ans. Non, il n'a pas 28 ans. Ah, bah il y a des mecs qui disent on a lu son âge, il voulait pas. Non, parce qu'on a fait Zach en roue libre ensemble et il l'a dit dès le début. Ah, bah ça va. Je n'ai aucun problème à ça parce qu'on a fait Zach en roue libre il y a 3 ans. Il l'avait dit dedans. Donc sinon je me serais pas permis s'il fallait pas l'éclage. Vous êtes des gamins dans le chat, voilà, je vous le dis. Vous êtes des gamins, vous êtes des engraineurs. Next dans la liste, s'il vous plaît, on discute encore. Gilsy. DJ Ilsy. DJ Ilsy. Ça vient d'Auxerre. Ça vient d'Auxerre. Ça a failli jouer à Auxerre. Jury l'ont mal écrit, Gilsy. Il a pété un câble. Gilsy. Ça, ils l'ont mal écrit encore. Gilsy. Non mais même moi il m'a impressionné, c'est Gil. Même moi il m'a impressionné. Il est bon. Sur sa ligne, il est très bon. Parce qu'il a déjà fait des matchs sous fausse licence avec moi, avec moi dans mon école et tout. Et les sorties, c'était pas ça. Bon, c'est toujours pas trop ça, les sorties. Mais sur sa ligne, moi, je trouve qu'il est très, très bon. Genre... Non, en vrai, le truc qui est bien, c'est qu'il a pas peur. Il a pas peur de se jeter, il a pas peur de... Tu vois, il m'a dit des choses, j'ai dû le calmer. Hein. Il m'a dit, je vais faire une Oliver Kahn, sortir. Et... Oui, bon, ouais, ça se voit, c'est pas mal. Il va faire une Nikita, il va vouloir mettre un scorpion. C'est un chien fou, un peu. Tout à l'heure, il a dit, il va avoir une dinguerie, mais je commence vraiment à y croire. Au fait, il va avoir une vraie dinguerie. Si vous pétez les genoux d'un espagnol, j'y vais. Moi, je pense que Gilsy, quand il va avoir la balle arrivant en profondeur comme ça, il va sortir comme un ouf. Ça peut être marrant, en vrai. Ça peut nous mais faire. Mais tu sais que c'est important un gardien qui sort à des moments sur un coup de pied arrêté ou sur une passe en retrait. Ça peut sauver des trucs. Hein. En fait, pour moi, il est chaud. Vraiment, il n'y a rien à dire. Sur sa ligne, il est vraiment bouillant. Il a un niveau qui peut être même similaire à GMK, qui lui est vraiment très très fort. GMK, c'est un gars qui fait. Pour ceux qui ne savent pas, ouais, c'est le gardien. Mais pour moi, en fait, pour moi, Gilsy, ça me fume. C'est vraiment balle au pied. Balle au pied, c'est des boîtes à chaussures. Et pour moi, s'il y a une dinguerie, ce sera pas une dinguerie à la main. Ah ouais? Ce sera une dinguerie, yep. Ouais. C'est Donnarumma, moi. C'est pire. Pour moi, c'est là où j'essaie de lui expliquer un peu tranquille, parce qu'il panique quand on lui fait une passe. C'est pour ça, même pour un défenseur, c'est pas rassurant. Tu sais que mais en dégagement, il est comment? Bah, ce que j'ai vu, c'était pas fou. Ouais. Le ballon, il se lève, quoi. Ouais, il va pas très très loin. Ok. Après, le reste, c'est entre les mains de Dieu, tu vois. Il a fait des crochets aux attaquants aussi, des fois. Mais non, en vrai, en dehors de la vanne sur le fait qu'il soit pas très bon balle au pied ou quoi, pour moi, c'est. Je sais pas pour vous, je me sens serein d'avoir Gilsy au cage. Ouais, moi, je suis serein. Moi aussi. J'ai pas trop de crainte. Hein. Peut-être il fera une dinguerie, mais il la fera pas quand ce sera serré. Ouais, il est solide. Quand il est en confiance, il est trop, trop solide. Puis même, je pense que toujours le public, ça va. Ça va le galvaniser. Question positive, en vrai. Ouais. Première parade, ça va le mettre bien dans l'ambiance. Par contre, il se chie sur la première, on est. Non. On rentre le bouseux, on change. Non, mais la vraie problématique. Pause, les gars. Juste, désolé, je vous ai coupé. Après, tu pourras dire la vraie problématique. Le gardien remplaçant de Gilsy. Ah, c'est toi? Et toi, tu te sens prêt à rentrer en goal? Oui. Ah ouais? Ok, bah tout à l'heure, c'était ça. Bah, c'était ça, moi, la première problématique. En dehors de la vanne, moi, mon vrai poste, c'est gardien. Mais sauf que moi, j'ai dit, je veux pas être gardien remplaçant. Okay. J'ai dit, je veux être sur le terrain parce que gardien remplaçant. C'est... Ah, tu vas jamais jouer, quoi. Ouais. Non, mais c'est même pas jamais joué. C'est qu'il y a 1-1, tu rentres à la 30e, tu ressors à la 45e, il y a 4-1. Ouais, bizarre. Le stade t'insulte. Mais moi, je croyais que c'était ça la problématique. Tu te fais cracher dessus. Ouais. Donc, j'ai dit, la pression de rentrer à la place de Gilsy, ouais, ça doit être pas facile. Donc, j'ai dit, vas-y, on garde le même gardien tout le match et je préfère pas. Mais par contre, s'il se blesse, ouais, c'est pas. Le problème, c'est que ce mec est arrivé à l'entraînement en se disant, je me suis fait les croisés du gauche et du genou gauche et du genou droit. Bah, au foot en plus, avec moi. Ah ouais? Le jour où il était sous fausse licence, il s'est fait les croisés droits. Oh putain. Karma. Ah là 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 là. Ouf. Ça est bien drôle. J'espère qu'il se blessera pas, mais il se blessera pas en vrai. Il est déjà blessé de partout, j'ai pas pu plus se le blesser. Ouais, donc ça va. Voilà, il est au max. Et regarde ça. Ah ouais, frère, mais personne ne respecte son pseudo. Et ouais, il y a un gars de ma team, il a dit putain, j'ai pas respecté le pseudo de Gilsy, sa mère, désolé. Je vais écrire ou quoi. Ne le tape pas, Gilsy. Next sur la liste, s'il vous plaît, on continue de discuter. Même le chat. Vous voulez qu'on fasse PFUT tout de suite? Ouais, en vrai, vas-y, ou on termine par nous? On termine. Oui. On termine, on passe à Carlito. On passe à Carlito. Il faut qu'on accélère, non? Oh, tranquille, on a le temps, frère, il est 20h20. Moi, y a pas de soucis, hein, on est là jusqu'à 21h, on est cool. Hein. Carlito, très bonne surprise. Carlito, moi aussi, ouais. Franchement, ouais, très bonne surprise. Mais moi je t'ai dit, je pense que son point faible, c'est qu'il va tilter à un moment ou à un autre. Il va perdre le mental, ouais. Mais ouais, mais il l'a dit lui-même. Hein. Sauf qu'il n'y avait pas tout le monde, genre on était 2-3. Et il a dit, moi, mon point faible, c'est je vais tilt. Donc, à voir. Mais sinon, en termes de qualité, franchement, Carlito... loin d'être décevant, franchement. Moi j'aime bien. En fait, ça fait le daron. Bah, ouais, du coup, il passe de la défense au milieu et tout. Il est un peu lent. Il dit oh, les gars, après, moi c'est juste la défense. Oh les gars, levez vos têtes et tout. Moi c'est juste en défense, il m'a un peu inquiété parce qu'il montait trop. Ouais, je l'ai vu une fois faire un sprint comme ça. Il était défenseur central. Il était au milieu, frère. Ouais.
Mais après, peut-être qu'ils vont le faire jouer, je sais pas, dans quel... Non ? C'est prévu défenseur central. Je crois qu'il veut monter. Je crois que lui, il m'a dit qu'il voulait plus faire défenseur central. Bah, c'est mieux en vrai milieu pour lui, je pense. Ouais, je pense. Parce qu'en plus, là, aujourd'hui, on a testé avec Yanou en défense. C'était super à la relance. Oui. Défensivement, c'est très bon. En fait, on s'est rendu compte qu'en ayant Yanou, qui n'est pas défenseur de base en défense, t'as une caution technique. Non, mais Yanou, c'est. À la relance, il est propre et tout. Trop fort. Yanou Tonton. Tonton, il est en défense aussi. Oui. Yanou Tonton, c'était. Tonton Yanou, c'était pas mal. C'est trop solide. C'est solide. Donc, ouais, Carlito, bonne surprise pour vous. Ouais, très bonne surprise. Franchement, moi j'aime bien. Et il apporte un côté daron qui est agréable, je trouve. Ouais. Je sais pas il en fallait un dans l'équipe en vrai. Ouais, de ouf. Tu vois, est-ce qu'il y a un daron comme ça, équipe d'Espagne, ou pas du tout? Aucune idée, frère. Aucune idée, non. Pas envie de dire de bêtises. Parce que Carlito, en vrai, bah voilà, c'est vraiment le daron. Genre, il doit avoir 40 ans, non? Je pense, un truc comme ça. En vrai, bah, il doit se faire prendre de vitesse, quoi. Il y a un mec qui l'a dit, on rappelle qu'il est plus jeune que Bruce Granek, ça c'est vrai. C'est vrai ou pas? Arrête. Si c'est vrai, c'est vrai. Non, je crois c'est pas. Vrai? Eh, si Carlito est plus jeune que Bruce, au bout d'un moment, la vie, elle est mal foutue, quoi. Oh putain, il y a Grim Cujo dans le chat, non, mettez-lui 10 minutes. Sortez-le du chat, si vous voulez. Grim Cujo, par contre, il a rien compris. Hein. Ouais. Il a dit Carlito, je l'aurais mis plus en 10. Non mais lui, il est... Non mais lui, il parle... 34 Carlito. Il dit, ouais, Zidane, Barthez, il parle que de ces joueurs-là. Bah ouais, c'est une merde. S'il vous plaît, un modérateur pour dégager Grim Cujo. Ah, le chat s'en portera mieux et l'émission ira mieux, s'il vous plaît. Ah ouais, il est plus jeune, du coup. Ah, il est jeune en vrai, Carlito. Il y a un mec qui a dit quoi? Carlito, c'est un petit Busquets, c'est un fossile. Écoute, il a pas fini. Il doit être nul depuis 2015, mais de temps en temps, il peut te sortir une masterclass de Rabat. Et ce match, ce sera samedi. Ouais. Ce sera samedi, c'est Busquets. Ah, on compte sur Carlito. La comparaison avec Busquets, c'est bien senti. Next sur la liste, s'il vous plaît. Dans le chat pour l'instant, n'hésitez pas à donner aussi votre avis sur les mecs. Bah tiens, on a parlé de Tonton. Tonton. Oh, mon vieux tonton, moi, incroyable, meilleur joueur de Suisse. Après, ils sont deux. Après, le problème, c'est qu'ils sont deux, mais... Bon joueur, quand même. Ouais, c'est vrai, bon joueur. Mais franchement, trop fort, tonton. Très athlétique. Ouais, très athlétique, crâne musclé, le premier crâne musclé que je vois de ma vie. Quand il a des muscles à son crâne. Vraiment, son crâne, je sais pas si t'as vu, quand tu regardes un peu, c'est un biceps. Ah bah ouais, mais vraiment. Et... Il y a de la fumée qui sort pendant le match. Et tonton, franchement, bah, il joue dans la défense, c'est trop fort, frère. En fait, tonton, il a fait 15 ans de foot, imagine, je crois. Ah ouais, 25 ans. Au niveau du placement, il a 25 ans. J'ai confondu 25 ans. Au niveau du placement et tout. Ah oui. Non, il est très fort, tonton. Pas confondre avec tonton Galsen. Ah bah oui, okay. c'est pas le même. Non, mais tonton, en vrai, moi, ça me fait plaisir. Quand j'ai vu la défense tonton Yanou, dans mon cœur, j'étais rassuré. Ah ouais. Il était chaud, tu vois. Ah, mais quand tu vois ça derrière toi, t'es forcément rassuré. Tu imagines, tu nous vois nous deux derrière toi. Là, tu dis putain, j'ai pas de la balle. Jimmy se pose des questions. Nous deux, on est en centrale. J'ai pas perdre la balle. Oh là, Péfuitia sans centre. Oh putain. Très inquiétant. Tu mets Zach en 6, et là, c'est. On est sur un trio d'or, là. Le triomphe des Bermudes. Vraiment. Le ballon, il arrive, ballon il est disparu. Il n'y a plus de ballon. Le triomphe des Oh la calamité, sa mère. Ah, c'est bien drôle. Next, s'il vous plaît, on the line. Vous avez compris, tonton, respect. Oh bah, allons. Là, on est sur la. Bon, on terminera. Est-ce qu'on peut parler en vrai? Vas-y. Je pense que c'est le meilleur joueur de notre équipe. Alonz? Moi, j'aurais pas. Et je pèse mes mots. Non. Et je pèse mes mots. Moi, j'aurais pas dit. Ah ouais, t'aurais pas dit. Ah ouais. Moi, je trouve qu'il est trop important. Vas-y. Discussion. Moi, je trouve qu'il est trop important. Non, je suis d'accord. Après, je trouve qu'il gratte un peu trop la balle tout le temps. Il garde un peu trop la balle. Non. Je trouve. Ah ouais. Bah Alonz, boumé. Non mais attends, Boumé, on arrive après, c'est juste après. Laisse lui son tour. Alonso, moi je trouve, il y a trop de gestes inutiles. Ah ouais, tu vois. Ah ouais, tu trouves? Moi j'ai pas ressenti ça. Ouais, mais ça justement. Ah ouais. Moi je trouve, il descend des fois vers les défenseurs pour prendre et relancer. Mais en vrai, quand il crochette ou quoi, c'est pour sortir d'un pressing. Donc en vrai, j'ai jamais vu le côté. Il est très très fort. En vrai, c'est un des meilleurs. Mais des fois, il y a la talonnade de trop, le râteau de trop. Ouais, ça, il aime bien. Il aime bien, je trouve. Pour moi, je le dis, Alonso. Je suis d'accord, si c'est pas le meilleur, c'est l'un des meilleurs. Il est dans les deux ou trois meilleurs de la team. Ouais, sans aucune hésitation, il est trop fort. En fait, on a besoin de lui, je pense, au milieu, tu vois. Ouais. Oui, non, clairement. Et puis surtout, lui, il parle beaucoup. Genre, par exemple, moi, il me. Ça, c'est bien, il donne des conseils un peu à tout le monde. Moi, il me replace à des moments. Moi aussi. Et tout ça, tu vois. C'est bien ça. Après, lui aussi, beaucoup de foot aussi, non? À Marseille, je crois. Oui. Bah là, il joue toujours, il joue en. Mais il fait du futsal, non? En R1, je crois, il joue. Je pensais qu'il faisait du foot. Non, il joue au foot. Non, ouais, il joue trop fort. De toute façon, Alonso, vous l'avez vu dans des fives quand il y avait le Five Club. Club, il nous a ouvert le cul. Bah oui, il est trop fort. Alors, qu'il revenait des croisés. Ouais, vraiment, mais il est trop fort. Ah, Alonso est vraiment un des meilleurs et je pense que ce sera une des cautions techniques. Saïd a dit Alonso le meilleur. Voilà, tu vois, genre Alonso, vraiment, moi je le trouve vraiment bouillant. D'ailleurs, je crois que le next sur la liste, bah, en continuant. En fait, là sur la liste, sur le reste, on a que les mecs bouillants et après, on reparlera des gens qui fâchent. Boumé, monsieur Caméra. Pour moi, c'est lui le meilleur de l'équipe. Ah ouais? Ouais. Ah, j'aurais pas dit Boumé, franchement. Ah ouais.
Non, moi aussi. Mais moi j'aurais dit Yanou. Yanou ? Ouais. C'est vrai qu'Yanou il en est. En fait, c'est que Yanou, c'est tellement. Pour moi, c'est vraiment le patron. Tu on vois va parler d'Yanou, on va parler d'Yanou. Boumé, vous en pensez quoi ? Bah, Boumé est très fort. Boumé, il est trop trop fort. Voilà, c'est la vérité. Boumé, il est trop fort, mais oh là mais là, on peut lui quel prouveur. Non, mais il n'y a pas que prouveur. Oh. Quel prouveur. En vrai, y a pas... c'est oui, dur. Mais bon, en match, c'est plus le fait qu'il veut. En fait, c'est pas prouver, il veut briller. T'as... Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, c'est ouais. ça qui me fait un peu peur. Moi, je vais vous contredire sur ça. Pour moi, il veut pas briller. Pour moi, en fait, c'est son style de jeu à des moments. Exactement. De privilégier à des moments son option à lui. Ok. En mode, je pense après, que. Parce qu'il a confiance en lui. Voilà, en gros, pour moi, c'est pas un prouveur en quoi que ce soit. Je lui dis prouveur pour rigoler en privé. Mais pour moi, c'est pas un prouveur. Et en gros, c'est par exemple, il va prendre le ballon, il va commencer à vouloir dribbler, il va avoir l'option de passe. Donc, l'option de passe, imaginons, c'est le sens du jeu. Mais s'il lui, la fait pas, c'est qu'il a confiance en ce qu'il va et lui, faire. Lui, il va se dire, non, j'ai plutôt confiance que mon dribble va passer et que derrière, peut-être, il y a une autre option de passe qui va s'ouvrir qui sera meilleure. Et je pense que c'est plutôt ça. Parce que à côté de ça, vraiment. Sur les deux matchs, il sort des buts à des moments de rien du tout. Il impulse des attaques de fou. Il a une frappe. Je pense que par contre, on peut indéniablement dire que c'est lui le meilleur tireur de toute l'équipe. Et moi, vraiment, je me sens confiant à jouer avec un mec comme Boumé. Vraiment, il est fort. Et surtout, même, je trouve, mentalement, il est important. Genre, il nous apporte quelque chose. Oui, oui, c'est sûr. Genre, crois-moi, quand t'es footballeur et que t'es un footballeur, genre, claqué au sol comme Zach Nani, tu vois. Le ballon passe derrière toi, c'est Boumé qui récupère. Je suis confiant pour savoir qu'il va revenir vers toi ou qu'il va se passer un truc de positif, tu vois. Et ça, dans une équipe, ça n'a pas de prix. Donc vraiment, moi, ok, on peut dire le rebeu ish, technique, machin, de même dans le chat, j'ai vu vous vanner, mais je vous jure que Boumé, il apporte énormément de bons et c'est un très bon joueur et je l'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il aurait pu être pire que ça en termes de croquage de ballon. Il a la capacité d'être pire que ça. Je trouve qu'il lâche beaucoup sa balle, contrairement à ce qu'il pourrait faire, tu vois. Parce qu'il a le style de jeu un peu à la Mahrez, moi, je trouve. Tu vois, il part sur le côté, passement de jambe, il repique et tout. Après, lui, c'est quoi son poste tu penses qu'il va jouer quoi ? 10. Ah ouais ? Ou 3e milieu ? Parce que moi, je trouve que je l'ai trouvé intéressant sur l'aile, en vrai. Parce qu'il pouvait t'apporter des différences de fou, tu vois. Même aller centrer sur Amine, il l'a pas fait, je crois. Après, ça, c'est notre ami. Ouais, après, c'est pas à nous. C'est notre ami Saïd qui va décider de tout ça, hein. Mais ouais, Boumé, moi j'aime beaucoup, tu vois. Et je pense que moi, vraiment, alors je parie pas ou quoi que ce soit, mais si je devais parier sur un but, genre pour moi, Boumé, pour moi, c'est pas sûr après le but de Boumé. Ah non, pour moi, si tu devais faire une cote de Boumé, c'est 1-20, tu vois. Ouais, vraiment. Tu peux encore, tu peux baisser même. Moi, je pense jouer Boumé. Moi, je pense même un doublé Boumé. Si on marque deux buts, je pense que Boumé marquera. Si on marque déjà, c'est bien, mais Boumé, il sera trop décisif. Je pense qu'il sera très important. Même coup de pied arrêté, hein. Oui. Coup franc, il est trop, trop fort. Boumé, bouillant. Next, on the line. On continue gentiment. Ah bah le frérot Bruce, donc on en a parlé déjà. Donc vous avez capté qu'il est le bouillant. Bouzy, on a déjà parlé un peu. Ouais. Bouzy, on en a parlé. Ah, le Bouzy, le bon blog. En fait, le problème c'est que le Bouzy joue avec son téléphone. Des bonnes stats. Il joue avec le Bouzy, il joue avec son téléphone et avec son sandwich George Bomber dans l'autre. Donc compliqué. Mais surprenant quand même. Mais en vrai, surprenant, il est pas mauvais. Quel poste il avait joué? Bah non, c'est même pas quel poste. Non, c'est pas quel poste. Ouais, parce qu'il a pas fait d'opposition. On sait pas. Mais du peu qu'on a vu de son football, disons qu'un Mulès, ça va. Non mais c'est même plus que ça va, franchement, il est correct. Pour un mec téléphone main gauche, jambon-beurre main droite, c'est vrai que ça va. Il a été bon. Moi je le trouve bon, Bouzy. Et je pense que ses entrées, elles vont être cool. Après je sais pas quel poste il joue, mais ouais, ça va. Bah lui il est un peu con, il est venu aux entraînements mais pas au match. Ouais, c'est vrai. Après il habite à Rennes. On peut lui... Il habite à Rennes. On peut lui accorder. Il retourne tous les jours, tous les... Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, à chaque fois, donc c'est pas étonnant, tu vois, il habite à Rennes, il a déjà fait l'effort de venir et tout, ça... Ouais. Je pense après, il avait peut-être aussi... Après, je pense aussi, ils ont dit, faut arrêter de filmer à partir de cette semaine. Ah, il y avait un moment où ils ont dit, ouais, par contre, faut arrêter de faire trop de vlogs et tout, et bizarrement, le Bouzeux, il est pas revenu. Bizarre. Ah, je pense qu'il avait des trucs c'est à de faire. C'est de la vanne, les mecs, c'est de la vanne. Bien sûr, on vanne. On est une bonne équipe, on est soudés, on est un groupe, on s'aime bien. Il est trop nul. Même là, quand on discute, etc., en live, etc., c'est vraiment pour déconner et puis pour donner des ressentis de ce qu'on a vécu en entraînement, tu vois, c'est pas méchant. Next, Saïd, regarde le stream, vous pensez ? Est-ce que Saïd est là ? Eh, Saïd, t'es un bon et en plus t'es tellement beau, palmarès de Saïd, t'es trop beau, vraiment. Ça marchera pas. Saïd, vraiment, tu es bon. Brooks, déjà trop beau. C'est voilà, trop. De toute façon, dans l'histoire de foot, les meilleurs c'était les Arabes et les Noirs. Brooks, bon, hein. Déjà beau, fort. Il a tout pour lui, ce mec. Bon ailier, ouais. Bon ailier droit. Mais latéral. Moi je vois plus latéral. Latéral droit, moi je trouve aussi. Mais parce qu'il revient défendre. Brooks, il a un bon cardio, il a une bonne vitesse, il fait des bonnes passes, il est propre, il tire bien. Ouais, il est complet Brooks. Ouais. Vraiment, pour moi ça m'étonnerait même pas peut-être qu'il soit titulaire, tu vois. Ah ouais, forcément, je pense qu'il va l'être, hein, moi. Moi je pense qu'il va l'être. Ouais, je pense qu'il va être. Ouais, Brooks, il est chaud, vraiment. Et il y a eu droit, on l'a vu à droite et tout de qualité. Donc vous allez voir Brooks, les amis. Et en plus un flow. Un flow exceptionnel. Beau gosse.
Tout à l'heure, il a sorti sa veste là, il est venu. Là. Chaussures et tout. Ouais. Après, nous, on regarde, je sais pas, genre moi, je me vois, je suis pas beau, je regarde. Bah, moi, on regarde. Moi, je me regarde, je suis minable, puis je vois un mec comme Brock, je me dis, ah ouais, putain. Vraiment, la vie m'a pas gâté, quoi. Ah ouais. On n'a pas tous été mis sur le même pied. Non, vraiment, Brooks, il est chaud. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à chier. Prochain sur la liste, s'il vous plaît. Yanou. Alors, Yanou. Ah bah alors là, pour moi, là, c'est le moment où je vais saucer. Allez, vas-y. C'est le moment où je sauce mon pote. Je le vanne beaucoup et tout. Mais Yanou, mais trop fort. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Pour moi. Parce qu'en fait, dans la défense, genre, il parle tellement. Il ouvre tellement sa gueule dans le terrain, genre ça te rassure, il te dit où te placer, il te dit ouais vas-y va là et tout, il sait trop bien conserver la balle, il sait trop bien lire les lignes de passe et tout. Pour moi Yanou c'est le joueur vraiment le plus important de l'équipe. Si tu retires Yanou, tu retires la colonne. Wesh, on entend. Oh Ruano, on vous entend. Attendez, pause. La régie est en train de nous vanner. On a entendu, ils sont sur un transat. J'étais comme ça. Moi... Bande de bâtards. La régie, ouais, on va régler nos comptes après. On va régler nos comptes après. Ruano, t'es mort. Ruano, on a travaillé ensemble plusieurs fois. Ça a toujours bien fonctionné. C'est la dernière, t'es mort. Ruano, on va t'attraper. Et vraiment, là, tu vois, c'est vraiment le moment où je fais un peu du gobage de couilles. Mais vraiment, Yanou, pour moi, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'équipe. Si tu retires Yanou, pour moi, il y a un déséquilibre. Mais pour de vrai, hein, je le pense vraiment pour de vrai. Donc je pense que Yanou, c'est le joueur le plus indispensable et il est trop fort. Mais le problème qu'il a, Yanou, c'est que je pense que quand il y aura 20 000 personnes plus 1 milliard de caméras 4K autour du stade, sachant qu'il sait qu'il y aura tous ses potes qui vont le regarder tout. Toutes ses meufs, ouais. Ouais, toutes ses meufs aussi. Ils sont harem. Ouais, vraiment. Genre, il va paniquer. Il va. Et Yanou, de toute façon, il a dit. Parce que le moment où il y avait le tournage Adidas, là, il a défoncé la caméra à 15 000 balles. Il a dit, gros, j'arrive pas à jouer. Il y avait une caméra. Il a dit, gros, j'arrive pas à jouer et tout. J'aime pas qu'on me filme. Et je fais, mais gros, t'as conscience qu'il y a 20 000 personnes samedi et qu'il y a 1 milliard de caméras, plus 500 000 sur Twitch, plus 1 million côté espagnol. Il me dit, ouais, vas-y, me dis pas ça et tout. Et moi, je pense que Yanou, son point faible, ça, c'est peut-être la pression. Peut-être qu'il va se mettre la pression. Ça va aller. Peut-être c'est le début. Bah, après, une fois qu'il sera dans le match, ça y est. Peut-être, mais c'est peut-être le point où Yanou, il peut être inquiétant. Son point faible un peu. Ouais, c'est son point faible, c'est la pression et le fait qu'il se mette trop d'attente. Parce que par rapport à ce que tu viens de dire... Après, faut pas mentir non plus, hein, tout le monde aura la pression, je pense. Oui, bah oui. Un minimum. Genre, dans le Uber, on en parlait, on se disait, ouais, les gars, si on a, ils commencent à rater un ou deux contrôles, deux ou trois passes. Faut le rassurer direct. Donc, entre nous, on se rassure, on parle. De ouf. Parce que vous, sur Twitch, là, sur Twitter et tout... Vas-y, maintenant, on parle réel. Dans le chat. La seule chose que vous voulez... Au-delà d'une victoire, parce que vous nous soutenez, vous êtes des frères, il n'y a rien à dire. Mais au-delà de ça, vous voulez des compiles. Vous voulez des compiles comme Zach au match des légendes, que ce fils de pute a fait. C'est moi. C'est toi qui l'a fait. Voulez des highlights. Ah ouais. Vous voulez 45 secondes. Mais carrément, moi j'ai vu, ça c'est pas sur la chaîne de l'Olympique Lyonnais. Vous voulez Péfu de The Dubai Monster. Bah oui. Vous voulez Yas The Carlsberg Technician. Ah putain. 1080p HD avec une musique Yannick Bolasi. Bande de bâtards, c'est ça que vous voulez. Mais là, on va tous la voir. Là, tous les trois, c'est sûr, on va la voir. Tout le monde. Sacha, le problème, c'est que t'es trop fort, donc tu vas pas la voir. C'est possible, on sait jamais. C'est que moi, la compo qui va tourner, il va encore avoir 600 mecs sur Twitter. Ouais, ce gros porc, il parle de foot, il est nul. Ah, oui. T'es bien renseigné. Moi, je veux pas dire, sur Twitter, il y en a, tu les lis, mais t'as l'impression c'est Messi. Genre vraiment, il y a... Tu sais, on fait des frappes et tout, et il y en a, ils disent « Ouais, mais ils savent pas placer leurs pieds, ils sont nuls !» Non, mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est les gens qui parlent et ils disent « Ah ouais, mais ils ont ramené des mecs nuls !» Mais si tu ramènes pas... Ils regardent la Ligue 1. Tu regarderais même pas, ouais, tu regardes la Ligue 1 ou la Première Ligue, tu vois. Après, faut pas oublier, c'est du divertissement. Nous, on sait qu'on est nuls, et justement, c'est ça qui est drôle. Bah oui. Mais là, les gens, ils disent « Ouais, mais pourquoi ils ont pas ramené Valdinard ?» Après, faut pas trop calculer Twitter non plus. Je sais pas, un joueur du PSG, mais je fais les mecs. Si vous voulez vous mettez Amazon Prime le samedi et tout, voilà, hein, il est là votre match. Ça n'a aucun intérêt sinon. Et donc du coup, pour terminer sur ça, Yanou, on est tous d'accord. Très fort, très fort. Yanou, moi je trouve qu'il en impose sur le terrain. Ah mais ouais. Oui. Il est grand, il est là, il a des grandes jambes, il va chercher tous les ballons. Moi je trouve qu'il en impose de fou et en défense, incroyable. Ah mais trop fort. Parce que je l'aime ce mec. On a hâte, le frérot Yanou, ça fait plaisir. Next on the line, on arrive sur la fin de la liste, c'est cool. Donc Yass et Sacha, on vous passe. En fait, Bibi, à la fin. En fait, Bibi, ah oui, Bibi, le problème, c'est que. C'est qui Bibi?
C'est qui est ce mec? On l'a vu. On l'a vu une fois, c'était pour récupérer les vêtements Adidas. Ouais. Et on l'a pas. Au match de mardi. Au match de mardi. Au match de mardi. Central. Et voilà. Il a joué central. Sinon, on l'a il pas. Il avait des belles babouches aussi. Ouais, il joue en babouche, le mec. Il vient à l'entraînement, il joue en babouche. Il est venu en belle rate. Il est venu en babouche. C'est une dinguerie. Ouais, des belles rates. En vrai, je sais même pas ce qu'on peut dire sur Bibi. Non, ah, bah, en vrai, il a du ballon. C'est juste arrêté comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que le foot soit arrêté. Ah, putain. Non, en vrai, en centrale, ça va. Il faisait. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais donc, du coup, attends, après, il restait Rivenzi et Arsène. Rivenzi. Très solide aussi. Ouais, solide en défense. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même, Rive, à la. Enfin, pas, il a. C'est peut-être au niveau du cardio, je pense. Ah ouais? Ah, tu le sens pas? Il a un bon cardio. Non, moi, ouais, je pense, ouais. Non, mais parce que. Bah, après, tu sais, tout à l'heure, c'était vraiment intense. Et à la fin, il était. Tu sais, il était vraiment cuit, mais ouais. Tout le monde était cuit, tu vois. Mais sinon, moi, je pense que. Moi, Rive, je pense que c'est Rive, ce que j'aime bien en plus, c'est qu'il. Je crois qu'il avait un problème avec les crampons. Il est très académique, tu vois. Ouais. Genre en mode il veut vraiment s'appliquer, faire la passe bien et tout, et c'est ça que j'aime bien chez lui. Ah, c'est sûr, il rigole pas à tes blagues, mon pote. Bah, ça c'est sûr. Il a bien raison. moi j'ai peur que Rive il panique, je sais pas pourquoi. Ouais, bah ça peut arriver, même moi je veux paniquer. Après tout le monde va paniquer. Non, c'est sûr. C'est sûr. Je pense qu'une fois que tout le monde sera dans le match, tu vois, une fois que ça aura vraiment commencé. Bah oui, bien sûr. Eh hey, les amis, il y a le frérot Boumé dans le chat. Il a dit merci les frères avec deux cœurs. Suceur. Envoyez énormément d'amour à Boumé qui va être un de nos meilleurs joueurs, on vous l'a dit ce week-end, on parle il y a besoin mec, il va faire mais ouais, non, mais on parle trop de Boumé et Abdo, on arrête donc, de parler non, parce moi, que non mais je veux ça, j'insiste parce non, que c'est l'air quand on va parler de lui, il y a des gamins dans le chat qui ont taillé, moi j'ai pas envie que notre meilleur joueur il arrive samedi en ayant dans sa tête des cafards parce que des gens ont dit des conneries, donc donnez de la force à Boumé, il est trop fort, et toi Yass va te faire foutre, on va te balayer. Il a fait un classement des plus gros acteurs avec Guardiola, Emmanuel Macron et tout. Il faut qu'il mette Boumé. Il faut qu'il mette Boumé. Et bien classé, Boumé. Il vit trop pour les toi, caméras. Samedi, il va te balayer. Hein. Bah ouais, mais ce serait mérité. Ce serait bien mérité. Espèce de merde. Donc, Rivenzi, ouais, il fera du bien, le frérot. Joue latéral, il s'applique, c'est bien. Arsène. Bah, le problème, c'est qu'il est fort. Ouais, mais quand il était là. On sait qu'il est fort. Très fort. Très fort. On sait qu'il est très fort, mais il a des petites gênes. Mais je pense qu'il va tenir son rôle samedi. On l'a pas vu en match, je crois. Ah ouais, défenseur central. Ouais, en vrai, il est solide, il est solide. Putain, mais il y a beaucoup de monde en défense. Le problème, en fait, c'est qu'il y a trop. Moi, je trouve qu'il y a trop de défenseurs et pas assez d'attaquants. Mais non, il y a pas assez de milieu. Attends, l'attaque, on y arrive. Ouais. Bah, justement, c'est pour ça que je te dis ça. Non, il y a non, pas. Moi, le truc qui m'inquiète un peu, c'est en cas de blessure d'Amin. Oh, lindo. Bah, en vrai, non. Bah, Zach. Bah, c'est toi, Zach. Moi, moi je vais pas te mentir que Saïd, il m'a fait jouer 9 aussi. 9, c'est pas facile. Bah, c'est trop dur. On sait, attends, parle-nous de ton 1v1. Ah moi j'ai raté mon 1v1 tout à l'heure, ouais, c'est et vrai. Parle-nous de ton occasion. Mais tu sais pourquoi c'est dur? Bah moi j'ai mis la balle 30 mètres au-dessus. Tu sais pourquoi c'est dur buteur? En fait moi j'étais fatigué, j'avais pas l'équilibre. Tu sais pourquoi c'est dur buteur? Moi je suis un putain de rageux, mais buteur tu fais 800 appels, bah, et quand tes potes ils te viscèrent pas, ah bah, mais à la haine. Amine il avait ragé hein. Mais faut pas s'énerver. Mais en fait faut pas s'énerver, bah c'est normal, ça fait partie du truc, tu vas toucher. Amine tout à l'heure. T'es un buteur, tu vas toucher 4 ballons. Ouais. Et tu vas être jugé sur ces 4 ballons, tu vois. Ah ouais, c'est commence dur. Il passe ton temps à essayer de te démarquer, effectivement, t'es pas toujours. Bon, là, les amis, faut assumer, on a parlé d'à peu près tout le monde dans l'équipe, je crois qu'on a oublié personne. Donc, Arsène, vous l'avez capté, vraiment chaud. On là, juste peut-être un, je crois, non. Et là, c'est le moment de parler. Oh putain, là, on va bien rigoler. Des gens autour du chat. Là, ici. C'est le moment de parler des gars. Sacha, il sourit parce qu'il sait qu'il est trop fort et on va dire que du gars de lui. Vous voulez qu'on commence par Sacha? Ah oui, ok, Sacha, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de parler. Moi, Sacha, je tiens à te dire un truc. Bah, t'es un très bon milieu de terrain. T'aurais dû faire cette passe. Ce moment où j'étais démarqué. En fait, Sacha, il m'a fait une spéciale. J'avais envie de mourir. Genre, moi, quand je suis en attaque, je fais que d'essayer de me démarquer. Il arrive, tac, une première fois, il me la donne pas. Il me dit, ouais, pardon. Je lui dis, ouais, t'inquiète, pas de soucis. T'avais sans doute une meilleure option. Je dis, rien, calme. Deuxième fois, je me démarque. Il tire sur un défenseur. Après, s'est excusé 2 minutes avant. Et après. Et après il me la mise. Après il me la mise. Mais en réel, très bon milieu de terrain, Sacha. Je pense que tu vas trop peut-être important jouer Sacha parce qu'en fait, c'est un peu comme Yanou et Alonde. Il nous dit où se placer. Par exemple, moi des fois, il vient me voir, il me dit ouais, mets-toi là et tout, non. Enfin, tu vois. Et c'est moi, j'ai besoin d'un mec comme ça, tu vois. Un mec qui me. Des mecs qui jouent au foot. Bah ouais, des mecs qui ont joué au foot. Moi, j'ai besoin d'un mec comme Sacha. Et sinon, bah Sacha, pas nul. Enfin, moi, j'ai toujours dit que t'allais être un mec indispensable. Et pour moi, t'es vraiment un indispensable de ligue. Mais t'es vraiment trop beau et t'as aucune calvitie en vrai. Et t'as aucune calvitie. T'as vu comment t'es venu? T'es venu pour le faire pépon. T'es content d'être venu? Je vais revenir. Ça t'a fait plaisir. Ça fait plaisir de fou. La folie. Sacha bouillant. Et là maintenant, on passe à le duo de la. Ouais, le duo de la honte qui va surprendre tout son monde. On passe à ce qui fâche.
J'ai vu quelqu'un dans le chat dire, mais en fait, pour eux, tout le monde est fort. Donc en fait, on a parlé des mecs forts, on a commencé avec des mecs moins forts. C'est nous. Mais moi, on finit avec les nullards. Moi, j'ai une vision exceptionnelle pour toi et moi. Tu vois, tout à l'heure, quand t'as débordé sur le côté droit et t'as essayé de me faire un centre, ouais, il est pas passé. Ouais. Mais samedi, quand il va passer... Ouais, t'inquiète, là, ça va être incroyable. Est-ce qu'on commencerait pas sur PFraud? On peut commencer par PFraud. Allez, on commence par PFut. En vrai, palmarès de PFut, j'ai une très grande vitesse. J'ai une très grande vitesse. Et en vrai, tu te bats. Mais par contre, putain, la dernière fois, tu jouais latéral. Et en fait, mais t'étais au milieu de terrain. En fait, moi, je te cache pas, c'est le placement, j'ai du mal. Bah ouais. Moi, j'ai toujours joué en five et en futsal. Ouais, ouais. Sur grand terrain, même c'est quand un autre délire. Ailier, à des moments, tu trouvais avec ça et t'as vu, je te disais, ouais, écarte à nouveau, tu vois. Et non, sinon, en vrai, t'es pas naze. Non, mais honnêtement. Franchement, j'ai envie de te retourner le compliment. Non, mais en vrai, t'es pas naze. Juste des fois, il y a des contrôles qui sont litigieux, mais par exemple, tu vois, quand tu dis pas naze. Des contrôles judiciaires. Non, mais en vrai, tu vois, non, il est vraiment. Genre, il est vraiment pas nul. Ouais, juste... Tu vois, des fois, il y a des contrôles de balles qui sont litigieux, mais pourquoi? Tu sais, le terrain, il fuse. Des contrôles judiciaires. Ouais, vraiment. Des contrôles fiscaux, des fois. Après, le problème, c'est que. Pas de contrôle fiscaux. Pas de contrôle fiscal. Le truc que je t'ai dit tout à l'heure, c'est. Vas-y, vraiment, PFut, son geste préféré, c'est la talonnade sans regarder. Ah, j'aime trop j'aime trop ça. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi. Il a fait au moins. Je vais en faire au moins une sortie directe. Premier ballon, je vais faire une talonnade. Il a fait vraiment du talon, genre. Tu sais que premier ballon, tu vas faire une talonnade, Saïd, il va te sortir. Hein. Mais non, parce que derrière, il va me la contrôler. À qui derrière moi, si je suis ailier, ce sera. Michou, bro. Moi, j'ai bien aimé la connexion avec Michou. Ah, mais Michou, gros, en même temps. Moi, Michou, il m'a choqué parce qu'en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, il va être éclaté au sol. Ah, mais il est trop fort. Premier contrôle, là, quand ça a envoyé une accélération, il est revenu défendre. Mais en vrai, ouais, moi, ce que je trouve difficile, c'est le grand terrain. C'est quand même. C'est physique, c'est cardio. C'est physique et c'est le placement, en fait. Ah, c'est cardio. Faut jamais que tu t'arrêtes. Bah, ouais, moi, j'aime bien ailier parce que tu colles la ligne de touche et après, juste. Et tu peux déborder. Bah, ouais, tu vois, moi, c'est pour ça que j'aime bien. Mais en vrai, non, t'es pas nul. Ouais. T'es pas nul. Au fil des entraînements, de plus en plus fort, moi, je trouve. Ouais. Premier entraînement, j'ai fait. Oh. Ah ouais. Après, j'ai fait. Au fur et à mesure, j'ai fait ça va. Ça va, en fait. Après, moi, c'est ce que je dis tout le temps, les entraînements. C'est bien. Poupette 10. Ça, t'as du mal à être concentré. Ouais, je crois que je suis trop récalcitrant. Ça se voit, t'as du mal à être concentré. En fait, moi, genre, à chaque fois que Saïd, il doit dire mais ouais, non, vas-y, les gars, j'explique un truc et tout. Mais vraiment, s'il y a deux derniers mecs qui sont en train de parler, j'avoue, je suis Dembélé, moi. Mais j'étais. Oui, aussi, des fois, il fait. Et quand ils ont fait un match, ouais, match. Non, mais c'est juste aussi, des fois, il joue comme Rof. C'est en mode, comme il fait. Mais je t'ai dit, il fait des. Genre, en mode, il fait des contrôles de balle. La balle, elle va à 1 milliard de kilomètres. Après, il met la balle, il court comme un ouf. Poussé de balle, ouais, gros. Vraiment. Get le poussé de balle. Ah, get vraiment. La poussée de balle. T'as pensé quoi de ton face-à-face tout à l'heure? T'as pensé quoi avant de tirer? Tu t'es dit quoi? Je vais la mettre où? En vrai, il a tiré sur le gardien. Décharge. Ce fils de chien de mec du Stade Français, il m'a écrasé le pied au moment que je la contrôle, juste avant. Je me l'emmène, il m'écrase le pied. Après, je continue ma course. Bon, après, j'ai tiré du gauche, donc bizarre. T'as tiré du gauche? Ouais. Mais t'es gaucher. Après, je suis. Oui, il dit qu'il est droitier, mais j'aime bien tirer du. Ouais. Ah, c'est Dembélé. Mais numéro 9, c'est pas facile. Hein. Mais tu sais que pour moi, genre, je vais même te dire, pour moi, tu utilises pas encore assez ta vitesse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais genre, En fait, il y a des fois, gros, le ballon il part. Ouais, et en fait, c'est trop drôle. Vraiment, tout à l'heure, j'étais sur le terrain, je me suis dit, c'est un escroc. Tu veux savoir pourquoi? Parce que première séance d'entraînement, t'as voulu faire la course avec tout le monde. Tout le monde. T'as voulu faire la course avec Boumé. T'as voulu faire la course avec tout ce qui était possible. Avec Amine, avec Billy, avec tout le monde. T'as tracé tout le monde. Arrivé sur le terrain, dès que la balle est un peu en profondeur, tu vas. Mais après, autant rien. Des fois, ça envoie des passes bizarres. Moi, j'ai 110 kilos de physique qui m'empêchent d'être très rapide. Quand je te vois, toi, tu peux y aller. Ouais. Et t'y vas pas parce que t'as un poil dans la main, il est long comme ça. Non, après, pour ma décharge, aujourd'hui, j'avais des petites douleurs. Harry voulait pas se blesser. Non, vraiment, je te jure, le premier match amical, mardi, j'avais rien. Et aujourd'hui, dès que j'accélérais un peu, je sentais que j'étais lourd. Je sais pas pourquoi. Samedi, faudrait y aller. Hein. Ouais, bah samedi, je serais obligé en vrai. Faudrait y aller au Bouchard. Hein. Samedi, je serais obligé. Samedi, ce ballon en profondeur, t'y vas. Hein. Ouais. Let's go, allez, non, vas-y. Vraiment, moi, ce que j'aime pas, c'est revenir défendre, j'avoue. Ouais. Mais on est obligé en vrai. Oui, bah ouais, mais t'es on est obligé. J'ai une vision où tu marques samedi. Bonne vision en vrai. Ouais. Moi, j'ai une vision qui est effrayante. C'est un but d'Inox Tag. Oh là 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 là. Tu sais pourquoi? Moi, je la veux, cette vision. Parce que il lui a fait un centre l'autre fois. Ouais. Il a repris. Ouais. Et je sais pas comment le gardien il la sort, mais il y avait but en vrai. Mais Inox, ouais, peut-être il y a moins qui surprend. Pense que le stade s'enflamme. Ouais. Ce serait beau. La gros, il y aura. Vous avez une célébration si vous marquez? Ouais. Mais en fait, vu qu'elle va servir à rien, vu qu'on va pas. Pas grave, parce qu'on a même une célébration si quelqu'un d'autre marque. Non, mais. T'inquiète pas, c'est moi. Nous, s'il y a un but, on est bien. Non, les gens, ils vont nous regarder. Pourquoi ils célèbrent ces cons tous les deux? On va bien rigoler, putain. Moi, je pense, si jamais il y a une conjecture d'événements qui fait que
Le ballon est suffisamment proche pour que je croque pas et que je marque. Je pense que ça envoie le plus grand su de la Terre. Hein. Oh, ouais, t'as bien raison. Ah, vraiment. Et de suite, je pense, le public. Oh bah oui, bah le public gorlo, c'est sûr. Bah j'espère. Ce serait le pire public du monde si bah le oui, pas si en plus je suis lent, donc t'as le temps de le voir venir, mon gars. Je vais venir comme le kiff de CR7 à la nuit, comme ça, j'arrive sur le côté. Si oh, avant. Ouais, c'est sûr. Zach, Yas. Bah moi franchement, j'ai vu l'évolution au fil des entraînements. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Toi aussi ? Moi aussi, vraiment. Au début, moi, ce qui m'a choqué, c'est ta condition physique. Je me dis, mais ce mec, c'est quoi cette condition? Genre, au bout de 5 minutes, il était mort, KO, mais... il crachait ses poumons. Et t'as arrêté la clope, c'était mieux. Ouais, bah ouais. C'est bon, en vrai. Bah en vrai, là, le tabac, c'est tabou, on en viendra plus tabou. Ouais, là, le cardio... Oh la phrase. Oh là là. Non, mais en vrai, là, le cardio, je trouve qu'il est... Quoi? Non, c'est bien. Ouais. En vrai, t'es archi volontaire. Bah ouais. Tu fais pas c'est semblant, important. C'est bien. C'est important. Mais en vrai, t'as du mal à lever la tête. Ouais. Quand bah, tu reçois le ballon, vraiment, tu reçois le ballon, c'est tes pompes. Ouais. Genre, vraiment, tu regardes tes semelles. Ah c'est vrai, bah, tu me voyais Amine tout à l'heure ou pas? Parce qu'il y a pas mal de moments où moi ouais. Quand je te voyais recevoir la balle, Amine il faisait des appels. Non moi je voyais pas, non juste dernier appel, enfin une des dernières actions du match où là j'ai vu Amine et je l'ai envoyé. Et il était parti, c'est juste qu'il s'est fait bousculer par Il a raté. Et il a raté du coup. Ça mais... serait quoi ton poste préféré? T'aimerais jouer sur l'aile? Ouais sur l'aile. C'est juste le placement sur l'aile, faut vraiment que t'écartes quand on a la balle, t'écartes au max tu vois. J'aurais pensé ça. La largeur, ouais. Monsieur. Bah moi, je pense à Martaf qui me dit « colle la ligne de touche !» C'est vrai qu'il faut la coller, colle en vrai. Il me dit « colle la ligne de touche !» Je me dis « c'est bien, Yas, tu colles, c'est bien !» Du coup, en vrai, faut que je fasse ça. Mais dites le truc négatif, comme ça, moi, j'essaie de m'améliorer. Non. En vrai, genre, tu lèves pas la tête, et au-delà de pas lever la tête, genre, quand tu tires... que en puissance tu places ouais, ça jamais vrai, parce que tout à l'heure tu tires après il a une bonne frappe mais il cadre pas en fait ça paradoxalement t'as une bonne frappe bonne puissance de frappe t'as une bonne puissance de frappe mais tu places jamais ouais genre tu tires toujours sur le gardien ouais, putain mais en plus à chaque fois JM il me dit gros arrête de me tirer dessus il dit choisis droite gauche, ou gauche mais arrête de tirer dans l'axe et c'est vrai que je tire souvent dans l'axe donc faut que j'essaie de me concentrer sur ça mais en fait c'est par exemple tu vois quand je reçois le ballon et que genre j'ai une occasion comme tout à l'heure, ben moi en fait je suis tellement mais je suis fatigué de la course en fait, et j'ai tellement pas d'équilibre. Ouais, t'as plus de lucidité. Moment. Ouais, j'ai plus la lucidité. Là je réfléchis même pas. C'est vraiment là, je tire et c'est vraiment Dieu est avec moi, tu vois. Ouais, c'est vraiment ma chance. C'est bon, bah là t'as pas avec. Il est pas trop avec toi. C'est 30 mètres au-dessus. Donc. Il est pas avec toi, il a raison. Ah, vraiment. Ah, mais comme pour j'ai senti l'évolution de Yas au fil des entraînements aussi. Ouais. Bah, mais très volontaire en vrai, c'est vrai ça. Bah heureusement. C'est déjà ça en vrai. Bah c'est déjà ça putain déjà, bizarrement personne quand on parle t'as un bon toucher de balle et tout. Personne parle du football là. C'est que quand tu commences à dire à un gars volontaire tu ouais c'est vraiment t'as un bouillard toi. Sympa. C'est vraiment ouais c'est sympa. Ça veut dire que pied ballon il ouais, met la bonne ambiance. Ouais vraiment ouais. Tu souris ouais t'es beau TikTok. Ah putain. Je crois que malheureusement c'est mon tour. Bah, en vrai, avant je vous laisse parler. Dans le chat, il y en a, ils ont dit oh Zach en 9. Je joue pas vraiment 9. En fait, je joue plutôt genre 9,5. Genre par exemple, ouais. Je vais avoir Amine et moi je vais faire des mouvements autour, je vais aller demi-espace, je vais des fois décrocher. C'est le jeu sans ballon plus qu'autre chose. Parce que tu te doutes bien que je vais pas envoyer des éclairs d'appel. Voilà, maintenant je vous laisse dire ce que vous allez dire, je ferme ma gueule. Zach, deuxième coach qui il nous hurle dessus. Et tu fais des speeches avant match et on a besoin de ça. Et je pense que samedi on en aura vraiment besoin. Mais après, je pense que là samedi tout le monde va ouvrir un peu sa gueule. Mais Zach, sinon en termes de foot et tout, bon bah. Ça va. Moi je trouve non, que ça, en vrai, va. Ça va. Moi pour moi, il moi manque... je rigole. Pour moi, après, il ça va. Un seul truc qui fait que ça pourrait être vraiment mieux, c'est la vitesse d'exécution. Ouais. Genre, ouais. Contrôle passe, tu vois. C'est un peu lent, mais en vrai, vite, le contrôle il est là, la passe elle est bonne. C'est juste la rapidité, le geste qui est moins là. Mais en vrai, je trouve que ça va de fou. Zach joue avec la kippa, putain. Je joue avec ça samedi. Ah ouais? Non. Je crois que Cédric joue vraiment avec un bonnet samedi. Ah ouais? Ouais, je crois. Ah ouais? Ça peut être marrant. Oh, putain, ouais. Il devrait mettre le casque de Petr Cech. Ah, ce serait fou ça. Ça, ce serait légendaire. Ça fait peur en plus pour un attaquant. Ah ouais? Notre défenseur, il a un casque. C'est ouf. Tu sais, les masques des gens blessés là, comme Rudiger quand même. Ah ouais, on va faire qu'ils mettent ça. Ouais, ça fait trop peur. Péfro, lui, c'est un taré. Tu penses quoi de moi? T'as rien dit toi? Je t'aime bien, Zach. Non, en vrai de vrai, dès que je reçois la balle, j'entends. Pas vite! Passe! Ouais, passe! Bah, ouais. Zach, on l'entend de ouf, mais en vrai, il en faut sur le terrain parce que nous, on parle pas beaucoup, c'est vrai. Ouais. Bah, moi, le seul truc où je parle, c'est lance! Lance! Ouais. C'est que ça! Mais sinon. Autant tu devrais fermer ta gueule, par contre. Ah non! Bah, si. Mais pourquoi? Colle la ligne et fais pas chier. Bah, non, mais en vrai, c'est un peu. Colle la ligne, lève la tête. Bah, non, mais en vrai. Ouais. Moi, je vois un espace, je dis lance! Ouais. Tu vois, c'est important, ils vont pas deviner, espèce de con. Mais lance, toi, quoi? Bah, il lance la pelle! Il est pour lance! Lance!
Il est pour Lens. RC Lens. De merde. Toi, t'ouvres pas ta gueule, toi, t'es une merde. Bon, ça y est, voilà. On s'est dit. Ça, c'est gratuit. Hein. Non, tu sais que ça a commencé comme ça, Cyril Hanouna, le député. Oh, t'es une merde. T'as pas fait ça, toi. Une caméra sur eux, allez-y. Pourquoi tu t'énerves, on dirait Cyril? Non, mais je m'énerve pas, on verra samedi qui sera sur la feuille de match. Bah, en vrai, je m'inquiète plus pour toi que pour moi. Oh, mon pote, tu pourrais t'inquiéter aussi. Il a commencé mardi, Béfut, hein. Hein? Ouais, toi, tu commences pas, moi. Ouais, mais sauf que c'est moi qui l'ai remplacé. Et moi, j'ai joué plus longtemps que lui. Pas toi qui. Mais jamais de la vie. Attends, tu sais que moi, mardi, j'ai grave joué. Eh, vous avez joué les deux en même temps, il semble, non? Non, on joue en même temps, connard, t'as essayé de me faire un son. C'était nul. Attends, mais quand même, moi, vous m'avez dit, je gueule et je suis lent. Non. On n'a pas dit que t'étais lent. Ah, si. Après t'as fait l'interview avec Karim Benzema aussi. Ouais c'est vrai ouais. Et puis Loup est une émission super sympa Karim. Aussi ouais. Super sympa l'émission ouais, et en pas. Plus après tu nous invites à manger, c'est super sympa. Et ça c'est super sympa. Ouais de ouf, je vous invite tous à manger. Ça c'est beau. Très sympa. Ça tombe pas dans là, l'oreille un, d'un là, là je suis un gratteur moi. Mais c'est pas vrai. Tu vas penser. Dernier. Et quelqu'un a demandé dans le chat Saïd et Martav. Moi bah, Martav en vrai il parle trop. Palmarès, je ressemble à Dieudonné. Je gueule pas. Il lâche pas la femme. Ouais, bah non, mais il m'a fait une séance gainage, il m'a puni, donc j'ai bien le droit de le vanner, ce bon vieux Martage. Mérité. C'est vrai que c'était mérité. Moi j'aime bien parce que je pense que ça va être dur de contenir tout le monde. Saïd, il le fait bien, juste dommage, à la fin, il rigole. Ouais, ouais. Moi je trouve Martave est plus dur que ça. Ouais, non, par contre, Martave, quand il te regarde, mais d'un air énervé. T'as peur. Bah il a raison en vrai. Non, mais c'est vraiment, t'as peur. Tu vois vraiment qu'il a envie de te tuer. Mais alors que Saïd, tu vois, il est. À la fin, il rigole, mais c'est bien, moi je trouve. En plus, il sourit, en plus, il est beau gosse. Non, mais... Après Martav t'es beau gosse aussi hein, mais tu fais un peu plus peur quoi. Genre ta barbe elle fait plus peur tu vois. Vraiment. Non mais genre ta barbe on va pas faire de blague quoi. C'est vrai qu'il a une barbe de frère. Bah ouais. Oh putain. Mais wow. On le salue en vrai. Bah oh, bien sûr. J'ai rien à dire. Demain midi et demi non mais demain 13h avec Martav c'est joue-moi hein. Zach essaie de me lancer, c'est un malade. Alors archi pas. J'essayais pas du tout de te lancer. Il y a des mecs qui disent avis sur Kamel. Mais le problème de Kamel c'est qu'on l'a vu une fois. C'était pour la photo les mecs. Il avait une belle chemise avec des nuages. Ouais il a une belle chemise Naruto. Mais sinon on ne l'a plus jamais revu. Bon, après, ça, c'est K-Corp, pour l'entertainment. La K-Corp, j'ai l'impression, ils veulent pas voir nos gueules. Hein, ouais. Parce que Bibi et Kamel nous détestent, officiel. Après, le truc qui est bien, c'est qu'on a réussi à faire payer un grec à toute l'équipe de Côté. Ah, ça, c'est vrai que Côté a payé son grec pour tout le monde. Ça, c'est beau. Et ça, au moins, on a fait le jeu de la carte, c'est tombé sur Côté. On a réussi à leur gratter de l'argent. Après, ils en ont peut-être un peu trop, ces mecs. C'est pour ça, c'est pour ça que c'est mérité, vraiment. Il me fume. Moi, j'ai une question aussi pour vous. Oui. C'est qui Farid? Mais alors. Je crois que c'est un mystère ce truc. Mais tu sais que tout le monde nous pose la question. Tout le monde nous pose la question. Parce qu'on vous voit dans le chat. Non, mais les mecs du chat, faut que vous compreniez que nous-mêmes, on n'a pas d'infos. En fait, les mecs, dites-vous que samedi, déjà, il y a un pré-show. On sait pas c'est qui. On sait pas, je vous jure, on ne sait pas qui est l'artiste. Ils veulent pas nous dire. Et Farid, je vous jure. Oh, tu sais? Je dirais rien. Tu sais, toi? Je dirais rien. Tu vas nous le dire après. Et nous, on n'a aucune idée de qui est Farid, donc. Arrêtez de nous demander. Mais à tous les coups, tu sais, on rentre sur le terrain, etc., tous ensemble. Puis à la fin, il y a une genre une animation, t'as foot et lui, ça, il rentre tout seul, tu vois. Mais on ne sait pas c'est qui. Moi non plus. Vraiment, aucune idée. C'est vraiment non-loss. Il n'a pas de numéro, il n'a pas de. Non. Farid, il n'a pas participé aux entraînements non plus. C'est qu'il doit être sacrément fort s'il joue samedi. Ça se trouve, Farid, c'est Abdel. Ah, ça se trouve, il va nous ramener Grim Cujo. Oh, bah, si c'est Abdel, si c'est Abdel, franchement, on va se prendre 10 buts, là. Palmarès d'Abdel, j'ai une calvitie énorme et j'ai un bonnet, quoi, c'est tout. Non, j'ai le droit de le vanner, Abdel. T'en as des choses à dire sur Abdel? Non, c'est un bon. Je suis allé en Turquie avec lui, j'ai le droit, je le connais. Okay. Je le connais. Bon, bah, ça va. C'est une merde. Va te faire. Il y a des gens qui disent Johnny Hallyday, ça va être compliqué quand même. Pour le pré-show, ça risque d'être compliqué. même si Amine a des moyens colossaux. Ça risque d'être compliqué. Ah, ça risque d'être un petit peu dur, ouais. Non, imagine, il nous ramène Grim Cujo en vrai. Ah, je serais abattu. Oh, bah vraiment. En vrai, s'il a fait tout le suspense pour ça, c'est dégueulasse. Oh putain, Grim Cujo. Non, vraiment, non, gros. T'imagines? Genre, tu. Y'a un mec qui a dit Farid, c'est Zidane, oui, bon capteur. Non, vous imaginez, on se met en situation, genre tous les trois, on va s'asseoir là où on mérite, à savoir sur le banc. Puis là, on regarde à gauche, et y'a Grim Cujo, il s'assoit. Mais franchement. Franchement, dégueulasse. Hein. Franchement, je me casse. Non, vraiment, je me casse. Trop nul, ce mec. Tu te barres? Ouais, je me barre. Genre sa présence est vraiment insoutenable. C'est une merde. Moi j'avoue, je connais pas ce mec, mais j'ai entendu son nom. Il est minable. Tu sais pas c'est qui? C'est le mec qui fait avec Maxime Bagué à côté là. Ouais, exactement. Okay. Moi à chaque fois que je vois des extraits d'eux sur TikTok dans les commentaires, ça dit putain, pourquoi il est là le mec à droite? Pourquoi il est là ce mec? Non, on l'aime bien, c'est le frère. Bien sûr. Évidemment. Du coup, France-Espagne, maintenant qu'on a discuté, qu'on a fait les entraînements et que la prochaine fois qu'on se revoit c'est samedi, si vous deviez finir en un mot ce que vous attendez pour samedi? Victoire. Victoire. Une branlée, mais pour eux.
Alors mes jambes. Non, je vais rien dire parce que t'as là, là, t'es, non, non. T'as vraiment fait. Et tu vois le restaurant. Ouais, ouais, non, ça porte là, trop. Là, tu vois, non, je suis désolé. Là, désolé. Il y a des mecs dans le vestiaire qui sont comme lui. Ferme. Non, non, je suis désolé de l'amusement et faire des câlins à mes copains. Hein non, moi je veux même pas une branlée. Hein. Mmh. Entre genre 2-1 à la 89ème à l'arrache ou 4-0, je préfère un 2-1 à la 89ème. Ouais, c'est vrai. Hein. Comme ça, le stade il explose. C'est incroyable. Le stade il explose. Mais je veux surtout que tout le monde passe un bon moment, le public, qu'ils aient du spectacle et que voilà, ça soit gravé. Ouais, moi je veux pas que ce soit ridicule. Mais vous savez que là on sera liés à vie, hein, les mecs. De ouf. Comme les mecs qui jouent la Coupe de France. Mais c'est la phrase de Deschamps. Même si vous m'aimez pas, les gars, je vais faire partie de votre vie pour toujours. Putain. Arrête d'insister. Et pour toujours. Ça fait chier. Là, ça veut dire que je vais être lié à toi, mon pote, pour la vie. Si tu rentres pas, ça compte pas. Hein. Je vais rentrer. Pas sûr. Ah, si. Tu sais que demain, il y a des mecs cagoulés, ils vont venir te mettre des coups de batte dans les genoux, gros. Vraiment. Putain, inquiétant. On va perdre. En réalité, gros, moi, j'espère qu'on va gagner. Et surtout, j'espère que la formule le travail paye fonctionne mais vraiment. Moi, je veux. Parce que vraiment, match... vraiment, moi, je te le dis, dernière fois que j'ai participé à un match de foot... C'était minable. C'était minable. ça a donné une compilation qui a fait plus de RT FAV que des annonces de footballeurs. Ah, vraiment. C'est le divertissement. Ouais. Moi, j'ai envie de me rattraper du match des légendes. Et collectivement, j'espère qu'on va gagner et qu'on va tous se prendre dans les bras. Et ouais, ça serait ouf. Et surtout, moi vraiment... j'attends ce match, mais j'attends aussi le moment, s'il y en a un, d'un match retour. Là, oui. Oh, ce serait exceptionnel. Un beau match retour au Camp Nou, à Bernabéu, là. Ça sera en Espagne, là, quand on va se faire entrer, on va tous se faire siffler. J'adore, et tout. Moi, j'adore ça. Ah ouais, ce serait exceptionnel. Mais moi, si ça se chauffe un peu, premier degré sur le terrain, moi, je kiffe. Hein. Ah bah mais est-ce que vous pensez que ça va? Moi, je pense que ça va chauffer un peu. Ah ouais, je sais que si ça chauffe, moi, je viens défendre mes potes. Hein. Bah, c'est sûr. Lentement. Bah moi, je me prends. Mais je serai là. Mais je serai là. Moi, je pense que ça va chauffer un peu, non? Ouais, je pense. Tu penses qu'ils vont jouer dur? Moi, je vais chauffer un peu quand la Rémy ne chauffe pas, obligé. Tu sais que moi, je suis pas très rapide, mais à l'épaule, faut pas venir me trop me taquiner. Moi, je vais y aller. Hein. Ça peut être marrant un peu, ça se chauffe. Bah oui, c'est mieux en vrai. Copain-copain, ça a deux minutes. Non, il n'y a pas de copain-copain. Copain entre nous, mais pas avec eux, vraiment. Non, après, vraiment. On a trop montré partout pour se prendre 5-0, c'est impossible. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Ouais, trop et eux, ils n'ont rien montré, mon pote. Ouais. Mais eux, ils sont habitués, c'est ça le truc. Nous, on n'est pas habitués, nous, c'est notre première. Moi, je vous dis, je pense qu'on va gagner, mais ça va pas être facile du tout. Ah non, moi je le dis, par contre, ça va être... Moi, genre à la 20ème, on va se dire... Oh, putain, mais en vrai, je sais pas sur quel pied danser. Est-ce que ça sera un match où ça va être genre... Tu vois, genre une équipe va se prendre genre 3-0 ou alors ça va être serré genre. Moi je pense que ça va être serré. Est-ce que vous pensez déjà qu'il y aura beaucoup de buts? Là je pense que ça va être dur, c'est que Saïd et Martav, je pense que dans les 10 premières minutes ils vont devoir agir instant. Non, par rapport à ce qui se passe. Ouais, par rapport à ce qui se passe, parce que même eux en vrai ils savent pas trop à quoi s'attendre. Vous pensez quoi vous le chat par rapport à ça? Je pense qu'ils en savent rien parce qu'ils savent pas le niveau des Espagnols dans le chat. Bah encore un peu comme nous en vrai. C'est ce que j'ai dit. En fait, on a vu des trailers là machin, mais en fait, genre quand ils ont annoncé les 16 de l'Espagne. Genre, j'ai vu des mecs, et c'est ça, vraiment, c'était la Comédia dell'arte. Ouah, la France va se faire fumer, vous êtes morts. Après, ça, c'est et je suis à... Attends. Twitter, donc, ça. Vous, Zerma, vous regardez les youtubeurs espagnols. Ouais. Tout le temps. Ils sont là. Genre, plein de vidéos. Même pas, en vrai. Genre, vous les connaissez, vous ouais, kiffez. 4-0-0-1, je me suis dit, hey, 4-0-0-1, ouais, je suis en a, ils ont pas de photos, frère. Apparemment, le mec qui s'appelle Sylvestre, de ce qu'on m'a dit, trop trop chaud. Pas de photos, ça fait peur. À ce qui paraît, Coco DC, il fait des micro-trottoirs, ça va le marquer à la culotte, ce mec. Non, comme, c'est comment c'est des streamers, il n'y a pas de photos. Oh, ils sont forts. Ouais. C'est-à-dire leur carte Rubius, mais il est minable. Après, des fois, faut pas se fier à la photo, et heureusement, parce que j'avoue que Folagor, là... Rubius, il est super connu, lui. Moi, envie de marquer Folagor, vraiment. Tu l'as, mec, il fait des pack opening. Avec son chapeau. Il est où, Folamour, là au milieu, à côté de Coco. Ah ouais, putain. Voyons. Oh, putain. On m'a dit que le Coco, il était bouillant. Spurzito, il est chaud. Tout le monde est bouillant, en fait, depuis tout à l'heure. Spurzito. Papi Gavi, c'est lui qui est bouillant, Papi Gavi. Il fait de l'informatique. Mais la quête, Papi Gavi. Papi Gavi, apparemment, il est trop fort. Rubius, il fait du skate, non? Mais je crois que Rubius, frère, je crois que c'est un des plus gros streamers au monde. Hein. Oui, mais au terme de foot. Bah, minable. Ah, bah oui, c'est ce que je me disais aussi. Vous êtes des merdes, vous êtes des merdes, je suis fort. Franchement, on va se donner, c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'on sait en vrai. Ouais. En tout cas, ouais, on va pas faire les choses à moitié. On va crever sur le terrain, on va dégueuler sur le terrain. Les gens, on joue à 12. C'est ça notre avantage. C'est que nous, on joue à 12. Pourquoi? Parce qu'il y a le public avec nous. On joue à 13 alors. L'arbitre. Ouais. On l'a payé. C'est qui l'arbitre? Un mec qu'on a payé. Ça c'est beau. Déjà bah, c'est bon. Ouais. Bah let's go. Oui. Il s'appelle Van Abdel. C'est Paris. T'imagines c'est Abdel qui fait arbitre. Oh, putain, ça c'est un arbitre néerlandais. C'est qu'il peut même pas courir. Il s'appelle Van Abdel et il arbitre du rond central. Putain, lui, il bouge pas beaucoup. Qui va avoir ça va être marrant ça aussi. Oh les hors-jeux ça va être. Le chat ils disent ils ont l'air claqués au sol, ils sont nuls. Non. Non en vrai moi je pense faut les prendre au sérieux.
Et si on les prend au sérieux, il y aura la VAR. Mais les mecs, il y aura la VAR et ça sera une. Mais je crois que de toute façon. Moi, je pense que ce sera une VAR en carton. Ça va regarder sur l'iPhone pour regarder le replay Twitch. Ça va être la VAR en clip Twitch. Mais en vrai, je crois. Non, mais en vrai, tu déconnes. Mais je crois, il a dit c'est VAR Ligue des Champions. Hein. Ah ouais. Comme c'est t'as dit quoi, t'as dit quoi. Mec dans le camion et tout. Et c'est VAR. Non. Et t'as si, pas la VAR en vrai. C'est... Ah si. Moi, peut-être je devais pas le dire. Hein. Là. Bah, ah. Non, t'as parlé. Ah, et je vais dire un truc, il y a 12 000 viewers là. T'as... Ah merde. Tu sais que la prod, c'est une prod de fou. Prod ouais, de bah, moi de ce que Amine m'a dit, c'est VAR Ligue des Champions. C'est un truc vraiment de fils de pute. Hein. Donc c'est vraiment là, le hors-jeu, c'est à ton poil de couille, mon déjà pote. Déjà dit. Ah bah voilà. Ok, c'est bon. Dit. T'as rien spoil. Donc, il a tout dit, Amine, en vrai. Il a juste pas dit c'était Kifari. Ouais, bah c'était Kifari. Ah, et du coup, il y a la VAR. Il y a la VAR. Ouais, ouais. Incroyable ça. Ah, c'est une dinguerie. Oh, ça a été c'est un vrai match en vrai. C'est. Oh, si on devait faire là comme ça pour terminer rapido, parce que ça fait deux heures et tout, c'est trop cool. On parle depuis tout à l'heure. J'espère que vous kiffez bien dans le chat et tout. Moi j'aime bien. Je suis entouré de gentilles personnes qui sentent bon Sofias. si vous deviez faire un 11, comme ça de tête, un 11 titulaire. Ah, déjà. Prends les mecs qui sont sûrs de jouer. Déjà, DJ Ilsi, il est dans les cages. Bah oui. En charnière, en fait, c'est inquiétant parce que nous, on a travaillé avec une charnière Yannou Tonton. Mais il y a Arsène qui rentre dans la rotation aussi. Ouais, ouais. Donc ça, on peut pas savoir. Moi, je mets Yannou Tonton, je pense. Moi, je mets Yannou Tonton aussi. Moi aussi. Ah ouais bah, mets en pas plus, Arsène. Bah, Arsène, en plus, le problème, c'est qu'il est semi-blessé. Tu peux pas le mettre. Après, moi, tout le respect, Arsène, je le vois devant Tonton quand même, tu vois. Non. Ah, moi je pense que. Pour l'avoir déjà vu jouer. Il va partir sur ce qu'il connaît. Les deux, Yannou Tonton, ont joué ensemble. Je pense qu'il va faire ça. Moi je pense sur le côté. Les latéraux, moi je pense Brox. Michou. Moi je mets Michou. Et Brox. Brox à gauche, peut-être Michou à droite. Ouais. Non, l'inverse. L'inverse. Michou à gauche, Brox à droite. Ouais. Tu penses après ouais, milieu, pense. On fait quoi comme formation. Bah c'est à toi de. Vas-y, 4-4-2. Chacun donne son 11. Vas-y. Milieu après terrain, milieu. Tu mets Sacha, Boumé. Milieu. Et vous oubliez quelqu'un. Allons. Vous oubliez quelqu'un, Allons. Allons, ouais. C'est lui que je cherchais. Moi, je mettrais Sacha Allons. Hein. Ouais. Sur l'aile, je mettrais. Boumé. Je mets sur l'aile. Boumé, je pense. Ouais. Genre 4-4 de normal. Ouais. Tu mets... Ok. À droite, tu mets qui Droite. Bah, tu peux dire toi, hein, si tu penses que ça. Bah ouais. Non, toi, mais... bah non, en vrai, pas moi. Bah, pourquoi aussi, moi. Bah si. Peut-être toi, en vrai. Hein. Bah, ouais. Un ou deux. Moi, je me mets à gauche, mon pote. Et en pointe, Amine. Et Amine est en pointe, je pense toi. Hein. Toi ou bah j'ai pas la compo là, enfin j'ai pas les. Il y a Bouzy aussi. Hein. Ouais, il y a Bouzy, le Bouzy. Ouais. Putain, mais en fait c'est qu'il y a trop de monde. En fait il y a du monde. Bah, après c'est ça qui est bien, c'est que la rotation ça va tourner, tu vois. Il y a Bruce aussi, on a pas dit Bruce. Ouais, il y a Bruce. Il y a Bruce. Bah ouais, putain. Pour moi Bruce il va pas commencer titu. Moi je pense que Bruce il va le faire rentrer. Pour moi je te dis, je pense la défense qu'on a dit. Je pense qu'au milieu sera Boumé à Londres. Il y a Billy aussi. Pour moi sera Boumé à Londres. Billy il le fera pas démarrer, je pense. Tu vois, Boumé à Londres, à gauche. Carlito aussi, à PA aussi, putain. Ouais, à gauche, il y a peut-être. Pour moi, ce sera peut-être toi, Péfut, à gauche. À droite, ça m'étonnerait pas qu'en fait, Brox soit pas latéral, il soit plutôt. Ailier droit Ouais, milieu droit, ailier droit, ouais. Et que ce soit peut-être un autre latéral. Et en attaque, pour moi, ce sera Amine. Ouais, dans tous les cas, Amine, je pense que c'est. Et il y a peut-être un monde où il fait jouer Boumé Amine en attaque et un autre milieu. Genre, par exemple, toi, à Londres, au milieu, tu vois. Un truc comme ça. Et après, moi, je pense que. Désolé, ça grince cette chaise. Je vais vraiment te chier dessus. Non, ça grince. Il s'est chié dessus, le mec. Ça grince. Oh frère, monte ton slip. Non, ça grince. En fait, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est ça. C'est je vois. En fait, Amine, je le vois buteur, mais c'est qui peut le remplacer, tu vois. Vraiment en pur neuf, tu vois. Boumé. Boumé, tu penses. Ouais. Moi, en fait, Boumé, il est polyvalent, il peut jouer ailier. Pour moi, Boumé peut jouer neuf, sans problème. Pour moi, tu vois. Bibi en pointe avec Amine, non. Ah, c'est vrai qu'on a oublié Bibi, mais c'est pas plus mal. J'ai déjà joué 9-2 ans après. J'ai jamais dit 9-2 ans. Ça, c'est intéressant, ça. Il est dans l'oreille du coach. Ça peut même être latéral droit Rivenzi et devant Brox. Moi, je t'avoue, Brox, je le vois trop latéral. Non, pour moi, je le vois plus ailier. Ah ouais. Il court vite, Brox, ou pas, je me rappelle plus. Ah ouais. Va vite, hein. Ça va. Mais vite. Bah, la. Ouais, milieu droit, ça peut le faire avec Rivenzi derrière, en vrai. Mmh. Ouais. Pour moi, ça va être je trouve ça plus équilibré, pour en fait. Pour moi, ça va être ça, ouais. PA en 9. Non, et pour vous, s'il devait y avoir une surprise, genre en mode un gars qu'on n'attendait pas titulaire, mais qui le sera. Péfut. Peut-être moi, hein. Ouais, en vrai, je pense Péfut. Ouais, moi aussi, Péfut. Péfut qui à gauche, sera surprenant titulaire. Après, j'ai glissé quelques billets dans la poche du coach. Ça, c'est vrai. Et j'ai bien raison. En vrai de vrai. Et c'est vrai qu'on oublie Farid, s'il y a vraiment Farid qui prend une place. Il y a Farid ouais, aussi dans le 11. Ah ouais, bizarre. Non, en vrai de vrai, c'est même pas pour faire le mec ou quoi, mais en fait, si tu veux, sur la première mi-temps. On a oublié Carlito. Ouais, ouais, non, mais Carlito, il jouera. Mais sur la première mi-temps aujourd'hui, dans l'opposition, dans la formation qu'on a jouée, etc., s'il voulait tester un 11 titulaire, bah j'avais été pris. Donc ça m'étonnerait pas. Qu'il refasse ce 11. Bah ouais. Le 11 de la première mi-temps de tout à l'heure. T'avais été pris toi. Ouais, j'étais à gauche, je crois.
J'étais à gauche et j'ai. Après, il n'y avait pas tout le monde. Il n'y avait pas tout le monde. Donc en réalité, à tous les coups, je saute, tu vois. Oui, oui, c'est possible, mais. Après, il faut voir comment ils vont gérer le truc. Ouais, d'ouf. Ce qui met les meilleurs dès le début et après, il fait rentrer les élèves récalcitrants. Est-ce que. Je sais pas. Les élèves récalcitrants. Je sais pas qui va, va faire. Parce qu'en vrai, le plus important pour moi, ça va être les 20 premières minutes. Et le problème, c'est que les 5-10 premières minutes, moi, j'ai peur qu'on stresse un peu. Moi, c'est sûr. C'est sûr, on va pas. Après, je me dis aussi, ils vont pas forcément être bien, tu vois. Bah, eux, le truc, c'est qu'ils ont déjà fait cet exercice en mode, il y a du public. Tu vois, ils ont déjà fait moi, ça. Moi, là où j'ai peur, c'est notre mental. Parce que si on prend. On va lâcher direct si on prend un but. Si on prend un but, on n'est pas le mental de tout le monde, mais si on. Imagine, on prend deux. Pour moi, il n'y a rien qui joue, ah tu vois, c'est pas fini. Ouais. On en prend l'autre, tout le monde peut sombrer, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on peut commencer à s'énerver, à reprocher des trucs. Et là, par contre, 3-0, je pense que. 3-0. En fait, dans tous les cas, faut pas s'énerver. Faut mais quoi qu'il même 3-0, faut pas s'énerver. Non, mais faut pas s'énerver. Faut pas s'énerver. Non, mais t'as raison, mais 3-0, je pense que dans la tête de certains de l'équipe, et dont moi. Moi, je me dirais, putain, c'est la merde. Là. Un match comme ça, ça peut aller très vite. Ça peut finir en 4-4 ou quoi. Tu vois. Ouais. Peut y avoir beaucoup d'occasions. Même 3-0, faut pas s'énerver. Ah là 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 là. Mais là, c'est l'importance d'un mec comme Zach qui gueule, tu vois, et qui dit, ouais, les gars, arrêtez de faire. Arrêtez de mettre chialer, trois tartes de tonton. Le problème, c'est qu'il y a, je trouve qu'il y a trop de monde qui parle dans l'équipe. Il faudrait plus de. Genre comme Zach qui parle. Ouais, ouais. Faut pas que tout le monde parle. Tout le monde parle, c'est mort. Ouais. Ah, ça va bien se passer. Déjà, on va pas entendre les coachs. On l'espère. Les coachs, on peut les oublier, je crois. On va même pas les entendre en vrai. Avec le bruit et tout. Il va entendre Diaz colle la ligne. Déjà, que quand il y a pas de supporters, je les entendais pas. Ouais. Ouais, bah, juste dire colle la ligne, c'est tout. Plus Martav. Ouais, en tout cas, Diaz quand même. Attends, vraie question, parce que c'était un débat que j'avais eu avec mon chat. Le public, vous pensez, ils seront comment? Trop genre tôt, qu'ils vont faire quand même beaucoup de bruit ou en vrai, ils ont payé leur place. Ils vont se donner. Ils ont payé leur place, puis tu vois, c'est un événement que. Il y a Dwagby qui va animer le truc. Tu vois, c'est la première fois qu'on voit ça sur Twitch en France. Donc je pense que le public, tu vois, ils vont être là, ils vont crier, frère, ils vont crier, ils vont gueuler. Pour moi, tu vois, c'est ce que je disais. Je sais même pas s'il y aura un cop de. Tu sais, un virage. Non, en fait, si tu veux, genre. Ouais, mais comme il y a. Pour moi, ils vont crier quand il y a Dwagby qui fait des speakers, peut-être il va ambiancer et tout, ouais, des fois. Sûr. Tu vois, en gros, quand Brooks, il aura la balle, toutes les meufs, elles vont gueuler. Vraiment, ça fume. Alors que quand toi t'auras la balle, ça fait vraiment. Oh non, putain, ça fait. Là, c'est large. Ça commence à siffler. Je fais allez, mec, je joue avec vous. Ah putain. Ouais. Non, en fait, il y aura que des meufs, vraiment. Pour moi, genre, pour que ça puisse faire vraiment, genre, vraiment effet Bombonera, il faut genre un cop, des chants, des tambours, tu vois, genre ce que tu trouves dans un vrai. Il y aura ça, tu penses? Bah non. Et donc, pour moi, vu qu'il n'y aura pas ça, ce sera des bruits un peu désordonnés. S'il y a une occasion qui monte, ça va commencer. Ouais. Ouais, il y aura une Ola, je pense. Mais sinon, il n'y aura pas, évidemment. Ils ont droit à ramener des tambours. Ils ont droit à ramener des vuvuzelas. Non, je pense pas. Tu sais, ça commence à craquer, pyro. Ils prennent des vuvuzelas, ce serait fou des vuvuzelas. Oh non, c'est fou les vuvuzelas. Ah, la vuvuzela, ça pourrit la CDM 2010, on était déjà nuls à chier, gros. Ah ouais, non, ça rend fou. Non, c'était ignoble. C'est dégueulasse. Vraiment. Il y en a qui ont apprécié les vuvuzelas ou pas? Il y a un mec qui a dit acheter des supporters comme au Qatar. Vous pensez il y aura quelques supporters espagnols? Non. Bah, Amine, il a dit qu'il y en aura 200. Moi, je crois pas, moi. 200? Ouais, Amine, il a dit qu'il y en aura 200. Vraiment, des mecs, ils vont prendre l'avion et tout pour venir voir des streamers. Non, mais frère, ils habitent ils sont devant le stade, ils habitent pendant 3 heures. Ouais, ça, c'est inquiétant. Bah, ouais, peut-être qu'ils habitent à Paris ou en France, ça peut être des étudiants espagnols en Erasmus. Ah oui. Tu vois, des conneries comme ça. Ouais, et moi, en vrai, je pense dans le stade, il y aura une ambiance de fou. Pourquoi? Parce que regarde, nous, quand on s'entraîne, quand on sort, il y a des gamins, ils nous attendent, frère. Ça fait 3-4 heures. Ambiance Paris Games. Après, ils ont vu la story Insta. Après, le problème, c'est qu'ils viennent pas pour moi. Ils viennent pas pour des mecs comme nous. Tu vois. Nous, ils s'en battent les couilles. Ils viennent pour Michou et Inox. Mais et tu leur dis quoi à ces enfants quand ils attendent depuis 4 heures? Michou arrive, Michou arrive. Il leur dit quoi? Michou arrive. Je dénonce Yass encore la fraude. Yass encore, il dit à des enfants, ça fait 4 heures, ils attendent. Il leur dit Inox, il arrive dans 5 minutes, ça fait 3 heures, il est parti. Là, il y a des gamins, ils sont encore sous le froid en ce moment. Ah ouais, de Yass. Yass, c'est un bâtard. Yass, c'est un bâtard, vraiment. Yass, ouais, mais moi, ça me choque. Enfin, pas ça me choque, mais ça me perturbe toujours un petit peu. Que des mecs attendent. Faudra respecter les hymnes s'il y en a. Pas de sifflet. Ouais, ça, c'est effrayant de dire ça. Non, moi, je sais que pour. Le chant espagnol, il y a une dinguerie. Je sais qu'il y a une dinguerie. Oh bah parle pas alors. Non, je dis rien, mais je sais qu'il y a une dinguerie. Oh là là. Et moi, si je devais comparer avec l'ambiance que j'ai vue au GP, parce que j'étais au GP Explorer de Squeezie, c'était fou. Il y avait une ambiance les de gens, ouf. Ils étaient trop chauds. Oh bah ouais. Donc c'était un gros event sur Twitch, ils étaient trop chauds. Oh, il y a moyen en vrai. Donc là, je pense qu'ils vont être très chauds. Moi, j'adorerais être. Ouais, il y a quelqu'un qui demande dans le chat qui sera dans le chat. Vas-y, dites dans le chat si vous y allez. Moi, j'aimerais bien être agréablement surpris et qu'au final, tu vois, il y ait un truc de zinzin, tu vois. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de fou, tu vois. Oh là 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 là. Mais frère, et en plus, surtout, la proximité des tribunes fait que
Je pense qu'on va vivre des moments marrants. Zach, ouais. Zach, rappelle parce que c'est prêt en vrai. Ceux qui vont tirer les cornières ou quoi, ça peut être drôle. Ah ouais, ça peut être très drôle. À l'époque Radio Sexe, quand on était rien qu'à la Cigale. Tu sais, quand Lucas était sur le concert, c'était combien? C'était 2000 personnes ou même moins, je crois. Ça faisait un bruit de fou. Et frère, c'était incroyable, genre la vision. Là, c'est x20. Là, c'est x20, frère. C'est vrai. Ça va être une folie. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Et pour vous, vas-y, petit prono comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Côté français, il y aura combien de viewers sur Twitch? Moi, je pense 400 000. Non, 400, moi, je pense 000. Un peu plus. Peut-être 700, 800, moi, je vois. Non? Bah, en vrai, le truc, c'est... Squeezie a fait 1 million, mais c'est Squeezie. Ouais, mais c'est Squeezie. Ouais, c'est le truc, c'est que là, c'est du foot. Et là, il y a aussi... il fait un stream, du coup, c'est sûr, à côté. L'espagnol. Ouais, moi, je vois 500 000, je pense. Juste le stream français, je parle. 500 000, je pense. Moi, je pense que par curiosité, même ceux qui s'intéressent pas au football, tu vois, par rapport à l'événement que c'est beaucoup, 500 000. Ouais, les gens s'intéressent pas. 500 000, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais 500 000, c'est colossal, frère. Il y a des matchs de Ligue 1, je pense. Ouais, je pense que 500 000, il est fait, je pense. Moi, je pense. Bah après, avec la hype du truc, je pense qu'il y aura peut-être même 600, 700 000, tu vois. À un moment, on dit, ouais, faut battre le record, tu vois, parce que Dogby, en plus, il aime bien faire ça, en mode, ouais, les viewers et tout, les 500 000, allez, on peut faire les 600 000. Vas-y, continue d'imiter Dogby, bah, non, mais tu vois, on peut faire les 600 000, appelez vos darons, appelez vos tantes et tout, tu vois, il fait des trucs comme ça. Ah, moi, je pense qu'il y a du monde, quand même. Et je pense aussi se dire que si, tu vois, à des moments... J'espère qu'il y a nous et pas devant le stream, là, vraiment. Hein, on peut faire 600 000, ça peut faire 700. Ouais. Non, ah, putain. Non, mais en fait, Yannou, si tu nous écoutes, genre c'est 6-7 personnes, tu vois, genre grand max, ça va pas, t'inquiète. Mais en vrai, moi, je pense qu'on va être tellement, entre guillemets, impressionné par les 20 000 qu'on va même pas penser au stream. Non, au stream, on s'en fout. C'est juste pour un petit prono entre nous. C'est vrai qu'après, en comparatif... Moi, frère, je pense qu'il y a déjà Inox et Michou, donc c'est vrai qu'il y a... Ah ouais, putain, il y a quand même... Et surtout, au-delà de ça, en fait, c'est du foot, et le foot... qu'on n'aime pas. Ensemble. Un jour de la Coupe du Monde, non, en plus, c'est un bon timing. C'est le sport le plus populaire du monde. C'est le sport le plus populaire du monde, littéralement. C'est pour ça que de temps en temps, quand il y a des débats où ça parle, où ça compare des sportifs connus, machin, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte qu'un gars super connu dans le foot, mais qui n'est peut-être pas le meilleur, va être 99% du temps beaucoup plus connu que le GOAT de plein d'autres sports très connus aussi, tu vois. Parce qu'il y a des régions putain de reculées dans le monde où ils suivent quand même le foot d'une manière ou d'une autre, tu vois. Parce que c'est. Je pense qu'on sous-cote un peu. C'est vrai, mais est-ce que les darons vont avoir le réflexe d'aller sur Twitch pour voir? Non, pas les darons. En juste vrai... ça pour moi, il y a des chances que ça tape le million. En vrai, ah ouais en vrai parce ouais, que crois. Non mais moi j'avais oublié en fait ce détail. Il y a Michou, Inoxtag qui sont frère Inox quand il était au Z Event, il a fait combien de specs? Il a fait genre 500 000 je crois. Ouais, ça, ouais. Un truc de fou. Il y a Carlito aussi frère. Carlito il a 30 milliards d'abonnés. Donc Et paye ses DM. Hein. En vrai. Et tu sais une fois comme t'as dit qu'il y a Dogby qui a fait le truc, que le stream est en top monde, tu vois, et donc du coup les gens ils vont se dire ah, ouais. C'est quoi? Et en vrai moi je pense qu'il y aura vraiment énorme, parce que tout le monde va en parler sur Twitter, ça va être en TT France, monde, moi je pense que ça va être TT monde, tout le monde va en parler, tu... Ton premier contrôle de balle, il va être en TT monde. Ah putain, vraiment. Je pense que ça pas trop le mec. Je pense que ça peut être... Moi je pense premier toucher de balle, j'envoie une poussée de balle légendaire, un grand pont genre. Et moi le premier tir que je fais, vraiment je suis juste généreux, j'offre un ballon dans le public, je mets une grande frappe 30 mètres au-dessus. Ça c'est marrant, par contre ça va te regarder de travers dans les... Non par contre en vrai moi j'ai toujours dit, le glitch à faire pour le match, c'est se placer derrière les cages. Parce que là des balles vous allez en recevoir. Ah là des balles vous allez en recevoir. C'est accueillir. Ah bah vraiment. Donc ça va être bien marrant, putain par contre ramasseur de balles Bramax. Ça c'est effrayant. Vraiment. Et ça on va bien rigoler. Oh là, Bramax, j'ai réussi à ramener des petits à moi pour ramasser les balles. Bramax ramasseur de balles. Bramax ramasseur de balles, ouais. Attends, il va... balle main droite, pub main gauche. Tu vois le mec qui a. Tu vois le ramasseur de balles qui a donné la balle à Hazard. Non, c'était Barça Liverpool. Oui, il lui a vite fait le corner. C'est pas Edouard. Non, c'était c'était Edouard, je crois. Merde, n'importe quoi, c'était Liverpool Barça. Ah putain, non, je suis en train de jouer au Trent. Ouais, à Trent, Alexander Arnold. Il lui a donné la balle grave vite. Ah oui, 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 non, j'avais confondu une autre situation. Bah ça va être ça, Bramax. Même Duarte, le ramasseur ne pouvait pas lui fier à balle. Et là, il a dit, putain, give me cette fucking ball. Hazard, il avait fait ça. Hazard, il a frappé. Bah lui, il avait carrément frappé, il est malade. Il a pris rouge, non? Il a pris rouge après Hazard, je pense. Ouais, je crois. En même temps, il a frappé, il est fou. Franchement, je pense que ça va être la folie. Ça va être incroyable. Ça sera la fin de la Pixel War. En tout cas, je pense qu'on a assez hype les gens, là. Ah ouais, putain, là, ça va être mort. Là, on a discuté, on a débrief, on a parlé joueur par joueur. Il y a deux ballons là-bas, là, on va jouer ou pas? On peut faire... Ouais, ouais, oui, ça peut être marrant. Tu veux te lever, tu veux faire un non, petit contest? Non, pas moi, moi je veux que... Franchement, montre-nous, moi je suis non, en lui, compte. Lui, moi, je suis est-ce, autant, est-ce qu'on ne ferait pas, pour juste pour terminer gentiment le stream, un concours de jongle? Vas-y, je suis chaud. T'es chaud? Vas-y, si tu veux. La régie, vous suivez? Et moi, c'est si chaud, la régie suit, on est OK. Là, je vais être minable. Et on prend la balle en mousse? Oh non.
Voilà, c'est pitoyable. Allez, tu sais quoi, regarde, on se dit concours de jongle, 3 essais chacun pour faire le maximum. Donc c'est-à-dire si tu te foires une fois, il y a pas de et la vraie balle pour les jongles, je pense que ça passe. Allez, okay. La vraie balle pour les jongles. Vas-y, go là-bas, il y a la caméra qui nous suit, on a les micros. Je suis chaud qui envoie. Ah ouais. Et donc on a calé sur le côté quelques ballons. Donc je pense qu'on nous voit bien. Juano, confirme-moi qu'on me voit bien là. Là, on me voit parfaitement. Là, on me voit nickel. Ouais. OK, donc il y a un ballon ici. On n'est pas tous dans les bonnes conditions. 3 essais chacun. C'est mon émission, j'y vais pas en premier. J'y vais pas en premier parce que je suis... Vas-y, Sacha, t'es beau gosse. Non, vas-y, commence, regarde. Et je suis en tongue. Bah ouais, mais tu te mets pas, oh. Tu te mets pieds nus. T'as 3 essais, tu fais elle le maximum. La caméra, elle est là. La caméra est derrière toi, elle est là-bas, regarde. C'est moi. Hop, recule-toi, je pense que tu reprends en place. Hop. Oh, mais toi, c'est bien marrant. Allez, là, là, on voit bien. Dur. Franchement, même là, on te voit bien. Donc, tu peux te mettre même là. C'est moi. Vas-y. C'est moi. Et là, Péflute, t'as 3 essais pour faire le maximum de jongles. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wesh. 3 essais en vrai. Pierre Ménez, il a dit 8 jongles. Oh putain. Ça fait 9. Péflute. 4, 5, 6, 7. Il jongle comme Rof. Il jongle comme Rof. C'est dur, pieds nus, frère. Tu jongles vraiment comme un repris pieds nus. C'est dur. Ouais. Vas-y. C'est quoi, 9 pour l'instant, 9? 9 le maximum. 9, c'est pour bizarre. Hein. Bizarre. 1, bah, t'as pas cherché des 10. 3, 4, 5, 6, ah, 7, de compter. 8, 9, 10. C'est bon, oh, 11, 12. 10. 10 jongles pour Péfut. Les amis, 10 jongles pour Péfut. C'est bien, c'est pas mal. Qui a envie de passer next? Sacha, tu t'es mis pieds nus aussi? Vas-y, bah, oh, Sacha, moi, c'est rendez-vous 23h pour la fin des jongles. Allez, vas-y. 1, 2, bah ouais, 3, 4, 5, 6, 6 passe à la 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on est fatigué. 16, 17, 18, 19. Ouais, on fait pas du mal, un petit tour du coup. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 100, 28. Ah, le tour du monde, il est arrivé, hein. Putain, c'est bon. Vas-y, je vais le faire. Sacha, il peut en faire une. Sacha, bouillant, les gars. Pour le tour du monde, pour le tour du monde. Compte, compte, compte. Ouais, c'est bon, il est passé. C'est bon, il est passé. C'est bon, il est passé. Oh là 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 là. Bah, du coup, t'as fait 28, je pense qu'on c'est va bon. Arrêter de compter, là, non? Oh oui, c'est beau. Magnifique. À toi, tu veux faire ta... Non, allez, vas-y, on va passer. Non, c'est bon, vas-y. Yes. Voilà, on va rigoler, hein. C'est à ton tour, t'as tes grosses Nike, là. Ça va, tu sais jongler, toi. Bah, pas trop, hein. Vas-y. 1, 2. Attends. Oh là là là. Comptez pas celui-là. Oh là 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 là. 1, attends. Ouais. S'il te plaît, te fous pas la honte. Ok. On est sur mon émission, j'ai envie que tu fasses les choses bien, donc je t'en supplie. Ok. Jongle correctement. Allez, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, record Sacha battu, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon en vrai, c'est beau, c'est beau. Non, y'a pas à chier, t'es très bon. Je t'ai dit au début, je me suis rendu compte. T'as une paire de pompes. Si Saïd il est sur live, t'as gagné une place peut-être là. Ah, Saïd, j'espère t'as regardé. Ah, la mec, c'est bon. Ils sont certainement pas en train de regarder l'émission. Non, je pense pas qu'ils sont en train. Là, il est en train d'essayer de choper un hôtel. Tiens, je me vide les poches. Ah, moi, ça va être. Moi, y'a pas de tour du monde, je vous le dis direct. Faut pas essayer de faire le diable. Yas, frère, t'es chaud? Je regarde le sauce là derrière le petit chat et tout. Y'a un mec qui a dit c'est pas Yas, c'est une doublure. Ça va, les chats ils sont contents là? Ouais, ils ont dit Yas titulaire, Péfut dehors. Allez, c'est bon. Les jongles, ça veut rien dire. Pour moi. Attends, c'est la première fois que je teste avec ces baskets. Hein. Des belles chaussures de sécu. 3, 4, 5. Encore. Attends, tranquille, c'est la première. C'est les chaussures de sécu. Je me demande si je vais pas me mettre pieds nus comme vous. Pieds nus, c'est mieux. Pieds nus, c'est mieux. Ouais. Ah, les pieds nus. Oh, les grolles d'huissier de justice. Oh, ça va, frère. Salomon. Quand le mec, il est venu chez moi, il avait ça, hein, mon pote. Hein. C'est des Salomon. Grosse paire de Salomon, bien joué là. Ça va, c'est des Salomon, frère. Ah non, je crois que la technique pieds nus, c'est pas bonne. Moi, je trouve pas ça pas ouf, pieds nus, justement. Attends. Pieds nus, c'est pas ouf, moi, je trouve. Ah, on est en train de niquer les locaux, les gars. On va faire des pénalties, c'est mieux. Ah. On va faire des pénalties, c'est mieux. Attends, dernier essai. Mais je pense que pieds nus, c'est pas le bon bail. Avec une paire bien jeu, là. Attends. Péfut, il est deg, c'est vrai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27. C'est bon. 27, c'est beau. Aïe, 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 27, bravo. C'est beau, c'est beau, c'est beau. En plus, avec la collaboration de Yass qui me l'a remis. C'est beau, c'est franchement, beau. Franchement, celle-là. L'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe. Celle-là, elle a mis. Merci. Franchement, merci. Tu m'as remis dans la sauce. Bon, allez, Yass, ça m'a fait plaisir. Penalty. Voulez-vous tirer des. On a un ballon en mousse pour tirer des petits penalties, gentiment. Mais franchement, Yass, tu m'as mis. Là, c'est trop dur de mettre un péno. Yass, avance un peu. Avance un peu. Hop, Yass, voilà, tu as. C'est moi. C'est simple, tu as trois essais pour mettre là, un penalty. Trop dur, il prend toute la cage. Jay-Z, viens. Frérot, regarde. Arrête d'être une victime et. Sois normal, mec. Ou tu veux... Je vais t'enculer là. Hein. Oh là, non, 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 hey, doucement, Yass. On est à Webed, on est gentil. Ok. Tu vois, bah, j'ai... encore t'as tiré sur lui encore. Bah ouais, hey, on vous a dit, l'homme qui tirait sur le gardien. Ok, ok. Allez, Yass, tu peux marquer un penalty. Tu peux y arriver. T'as le ballon en mousse, tranquille. Tellement dur, frère. Un pointard. Wow, Yass. Et ouais, attends, attends, deuxième. C'est pas fini, c'est pas fini. On vient de célébration Ronaldo ici. Attends, attends, attends. Allez, Yass. Oh, c'est passé. Voilà. Ah, ça, c'est beau, ça. Vas-y, va au cage. Vas-y. Je vais au cage. Yass, va au cage. Va au cage, on est tranquille. Ça fait deux pénalties sur trois, Péfut. Poteau. Poteau. Péfut, tu peux peut-être égaliser le score de Yass. Oh, ah, barre. L'arrêt de Yass encore. Il est fou, l'arrêt. Exceptionnel. Bah, rapproche-toi encore un peu, non? Ouais, va dans les bon, cages. On est bien. Non, mais j'étais trop proche. Ouais, oui, pas les cages, mais là. Félicitations. Sacha, c'est à toi. Allez, Sacha. Je voulais te mettre la panenka, bah, rentre. Le premier dans le chat qui fait une blague, Zach prend toute la cage, alors que c'est vrai. Bah après, ça va, tout le monde prend la cage. Mais genre, recule ouais. Un petit peu, c'est vrai. Bah oui. Hop, faut quoi? Faut se mettre à genoux. Bah, ouais. Attention. Gars. C'est moi. T'es prêt? Ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Attends, j'ai peur qu'on cache. Oh, c'est beau. Bon. Ça, c'est beau. Hein. Petite deuxième pour la route, frérot. Faut y aller gentil, hein. Faut y aller. Faut y aller gentil, hein. Non, mais j'aimerais qu'il y aille en mousse. Allez, vas-y, revois. Mets-lui dans la gueule. Oh, let's go! Hey, t'es dedans! Elle est belle l'arrêt. Non, non, il l'a tu l'as arrêté, non? Ouais, ah, il l'a sorti. Ouais, je la touche. Petite dernière, Sacha, pour la route. Je la touche. Hop. Petite dernière. Choisis. Tu veux que j'y aille? Ah, ouais, côté. Dis-moi à côté. Droite. Bah, il t'a dit fort maintenant. Oui. Ah, c'était beau ça. Laisse de le piquer. Ah là 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 là, t'as voulu me feinter. C'était beau ça. T'as voulu me feinter, c'est ça. Maintenant, c'est à nous deux, Sacha. C'est bon. Oh, c'est vrai que tu prends trop de place quand même. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1. Wouah. Tu sais déjà qui l'a loupé. Oh, 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 oh. Sacha! J'ai pas la main ferme, frère. J'ai l'avant-bras ferme. Sacha! Doumou. Nous voulons la main ferme. En fait, on va mettre comme ça. Nous voulons la main ferme. T'as pas le temps de voir où elle va? 1 sur 3. T'es prêt? Vas-y. Ouais. Wesh! Y'a but? Non. Ah. J'ai mis poteau. J'ai mis poteau. 2 sur 3. Enfin, 1 sur 2, du coup, pardon. Ah, mais c'est le dernier. Eh, c'est compliqué en vrai. Hein. C'est dur à vous. Hein. C'est pas si facile. Attends, je vais refaire la course de Neymar JR. Ouais, ouais. Ça fonctionne bien. Neymar JR, il fait comme ça. Santo Junior. Hop. Wesh. Oh, la VAR. Hein. Moi, je tire fort. La VAR. Je tire fort, elle est rentrée ou pas? La VAR m'a dit qu'elle était pas rentrée, moi. Elle est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée. Elle est pas rentrée. Bien joué. Ça fait la barre. Bien joué. Monsieur Yass, vainqueur du concours de jongle. Bravo. Mais ça, c'est bon. Félicitations, bravo. Et oui, peut-être titulaire. Monsieur Péfut. Ah, t'as gagné le concours de jongle. J'ai gagné, je suis venu en vrai. Péfut, la fraude, il commence à être révélé au grand jour. J'ai gagné le concours que Yass va me payer à Uber. Oh là là là. Enfin, pas Yass, mais Zach, pardon. J'en sais payer un Uber là. Moi, c'était une belle émission. C'était une belle émission. Vous voulez qu'on aille la finir gentil sur le plateau? Ouais, allez, let's go. Avec les yeps dehors, on pue tous, ça fait plaisir. C'est moi. C'est moi. Surtout Yass, quoi. Ah là là là. C'est quand là, même là, le seul être humain après un entraînement de foot de 4 heures, il se lave pas, c'est une dinguerie, frère. Je pouvais pas. Je pouvais pas, j'ai pas pris de shampoing. Je pouvais pas. Mais Yass, s'il te plaît. Beau plateau, en vrai. C'est vrai, beau plateau. Ah, en vrai, un plateau quand même de qualité. Je suis content d'avoir pu le faire. Vraiment.
je suis heureux de vous avoir reçu ce soir. Bah nous, on est très heureux d'avoir été invité. Ouais, ça vous a fait plaisir aussi. Vraiment, ouais. Ouais. Très très cool. Franchement, c'était cool et puis on revient quand tu veux. Bah écoute, Sacha aussi, ça va ? De fou, avec plaisir, j'ai kiffé. La forme ? J'ai kiffé. N'oubliez pas d'aller voir la nouvelle chaîne YouTube de Sacha aussi. Oui, oui. Sacha, merci. Sacha, ah oui. C'est aussi Sacha Borg, ouais, sur YouTube. Non, sur YouTube, c'est Sacha, mais elle est pas trouvable au début. Ok, que, normal. Créé des abonnés. Après là, ça va. Demain, t'as quoi ? 100 000, 200 000 direct. Là, je crois la vidéo, elle atteint les 100 000 vues déjà là. Déjà ? 100 000 vues, c'est cool. Ça fait plaisir. Exceptionnel. Eh ben écoutez les amis, j'espère que cette émission vous a plu. On a discuté de plein de trucs, super, et cool, notamment de France-Espagne. On a pu parler individu par individu, entraînement, de plein de choses. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à vous tous d'être venus. Je vous réinviterai avec grand plaisir n'importe qui ici parce que vous êtes vraiment des putains de rois. La chaîne YouTube de Sacha est dans le chat grâce à Hugo. Les ça fait plaisir. C'est cool. Loop, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et on vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Salut, salut, c'est moi. C'est moi. That's nice, huh? Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing it.